Je comprends, en fait, c'est juste que quand j'étais plus jeune, quand j'envoyais des messages à Pierre, je comprenais pas, tu vois, pourquoi il répondait pas aux gens. Je me disais, mais tu vois, tu me prends un moment dans la journée, tu réponds à tout le monde, etc. Mais j'étais jeune et en fait, je comprenais pas. Et maintenant, je me rends compte que, bah, en fait, bah, t'as pas forcément que ça, entre guillemets, pas à faire, mais je veux dire, dans la journée, j'ai plein de trucs à faire toute la journée, etc. Et malheureusement, y a pas vraiment de moment où je peux vraiment intercaler ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Déjà, là, regardez, aujourd'hui, je voulais streamer à 19h, j'ai même pas pu. Alors que de base, c'est un truc que j'ai envie de faire absolument aujourd'hui, j'ai même pas pu parce que je devais faire autre chose, tu vois. Donc bon. Merci Adman pour le subgift. Donc voilà. Mais en tout cas, en ce qui concerne les problèmes, yes, tu peux go. Enfin, en ce qui concerne les problèmes perso des gens, ça, j'en avais déjà parlé en live. Mais c'est un truc, je pense qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et il faut pas que vous envoyez des messages aux streamers en mode ils vont vous répondre, etc. de ce côté-là. Parce que même nous, on n'est pas des spécialistes là-dedans. Et moi, il y a certaines des situations qu'on m'envoie que je n'ai pas vécu. Tu vois, je ne suis pas à votre place et ni dans votre vie. Et du coup, il y a des trucs que je ne sais pas et je peux pas répondre en mode je sais c'est quoi la Merci pour solution, 6 euros de je plaisir. sais, etc. Genre, enfin, à la limite, entre guillemets. Si vous avez besoin d'en parler à des gens ou quoi que ce soit et que vous voulez nous envoyer un message sur ça, moi aucun souci, mais derrière moi je vous le dis d'office, je saurais jamais quoi répondre. Et déjà même quand Lo elle me parle de ses problèmes, je sais même pas quoi lui répondre. Donc pour vous dire, à partir de ce moment-là, voilà, ça s'arrête là, tu vois ce que je veux dire déjà, pour commencer. Si je te disais que mon mode de jeu serait en 1.20.2, que penses-tu de ça? Oui bah bien sûr. Moi c'est pas honnêtement c'est pas la version qui m'intéresse pour les modes de jeu. C'est est-ce que le mode de jeu va marcher? C'est surtout ça le truc. Parce que malheureusement je teste trop de modes de jeu qui bug avant la fin quoi. C'est ça le problème souvent. Et moi j'aimerais bien tester des trucs qui fonctionnent, ouais, c'est ça le problème. Oh d'ailleurs, en parlant de version de Minecraft là, parce que je vois que t'en as parlé là, aujourd'hui il y a une snapshot qui est sortie de Minecraft 1.20.5 qui est absolument révolutionnaire. Voilà, sur un aspect technique qui est absolument révolutionnaire. Alors pour les joueurs, ça ne change rien, mais pour ceux qui créent des serveurs, ça va changer beaucoup de choses. Et enfin, je sais même pas comment vous l'expliquer de manière simple, mais là ils ont sorti une maj aujourd'hui. Je l'ai envoyé à Mathéo quand je l'ai reçu là. Mathéo qui est l'un des développeurs principaux du serveur, il m'a répondu, c'est révolutionnaire. Hypixel va arriver en Europe, c'est sûr. Donc tu vois. Alors voilà, donc je sais pas comment vous expliquer ça simplement, mais c'est marrant parce qu'on parlait il y a quelques jours du fait que peut-être Mojang allait laisser tomber la version Java dans quelques années. Je pense qu'avec la version qui vient de sortir aujourd'hui, enfin la mise à jour qu'ils viennent de mettre en test aujourd'hui, je pense que finalement on peut revenir sur ça. Parce que je pense pas qu'ils se seraient emmerdés à faire une mise à jour que les gens attendent depuis 10 ans, alors qu'ils souhaiteraient se débarrasser de la version. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement on s'est peut-être trompé, hein. Ils ont peut-être pas pour but d'abandonner la Java. Et ça c'est pas une si mauvaise chose quoi. Hein. On va pas se mentir. Hein. Donc c'est archi Merci stylé. Le mode pour de jeu va 6 marcher euros de évidemment et il plaisir. fonctionnera encore plus si tu y joues. Car amener un guild sur un mode de jeu qui fonctionne égale faire marcher le mode de jeu. Alors, c'est pas dans ce sens-là que je voulais dire marcher. C'est pas en mode faire le buzz hein, que je dis ça. Je veux pas un mode de jeu qui fasse le buzz. Je veux un mode de jeu qui ne crache pas, en fait. Voilà, c'est ça en fait. J'ai un mode de jeu qui ne bug pas avant la fin, où il n'y a pas un bug sur mon rôle, tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, c'est pas visé spécialement pour un truc, mais l'intégralité des modes de jeu que j'ai testé quasiment ces 5-6 derniers mois, il y a tout le temps 10 milliards de bugs. Et c'est le problème des modes de jeu Minecraft, hein, d'une manière générale, c'est que Minecraft, t'as 10 milliards de bugs tout le temps, quoi. Hein, c'est du Minecraft. Hein. Mais du coup, c'est ça que quand je dis qu'il marche, hein, c'est un mode de jeu où il n'y a pas de bugs. C'est ça mon rêve de tester. C'est pas que quand j'ai mon rôle, je regarde, je lise le rôle, je me dis ah, il y a un bug, tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça que je veux moi, c'est juste ça. C'est juste ça que je veux, pas plus que ça. C'est tout. Quel est ton pack? C'est Lilac. Donc bon. Hein, alors quel est le temps de décalage? Non, c'est instant, Tigénie. Donc voilà, d'abord créer quelque chose qui marche puis l'optimiser. Ouais, voilà, moi je veux juste tester quelque chose qui soit fonctionnel, disons. Voilà, c'est plus ça le mot qu'il faut utiliser, fonctionnel. Donc bon, c'est quoi la manche? Elle change quoi? Ça change beaucoup de choses au niveau des serveurs, au niveau des paquets. Mais en fait, faudrait qu'il y ait un développeur qui vous explique avec des vrais mots, en gros, exactement ce que ça veut dire. Pour pas que ce soit des termes. Parce que même moi, entre guillemets, j'ai à moitié compris ce que ça donnait. En gros, même moi, j'ai à moitié compris ce que ça donnait. Mais je sais qu'en tout cas, quand je l'ai vu passer, j'ai vu, ça a fait beaucoup de bruit, en tout cas sur Twitter, où les développeurs étaient archi contents de cette maj. Donc bon. Tu peux faire changer les joueurs d'un serveur à un autre en passant des données avec, c'était déjà possible, mais il fallait un proxy, un intermédiaire à un niveau au-dessus, ce qui pose plein de soucis. Là, c'est directement Merci intégré. pour ces euros de Voilà. plaisir. En gros. Donc du coup, en fait, ça va. En fait, en gros,
ça risque de un peu plus, ça risque d'enlever beaucoup de bugs sur beaucoup de serveurs. En gros, surtout, je pense. Donc bon. Le village de pauvres. Ouais, il y avait rien dedans, j'aimerais bien aller en cave là, j'aimerais bien trouver une petite grotte en vrai. Sinon je mine en dessous de moi hein. C'est parti, on va miner là. Ah, attendez, je vais prendre de la canne à sucre. On sait jamais si je suis rôle solitaire. On se fera peut-être un petit truc sympa si je suis rôle solo, on verra. Twitter connaît pas, c'est quoi, je connais que X. Écoute, Twitter c'était le réseau avant que... C'était le bon réseau avant que Twitter ne devienne X, voilà. C'était le bon réseau social. Maintenant c'est... Bref. Hein. Donc bon. Et la CB toujours login à Twitch. Comment ça va ce soir? Comme d'hab, le stream à l'écran en mode IDE et mon IDE de code sur le principal. Bonne game à toi. Merci Nato et NapoTwix. Ça va. On fait tout notre possible pour que le mode de jeu ne soit pas buggé à la sortie. On effectue des tests régulièrement pour s'assurer qu'il y ait le moins de bugs possible. Ouais, après, de toute façon, c'est compliqué de faire un truc qui marche à 100% sans bug. Hein. Ça, c'est... Ça, il y aura toujours des bugs, même là où vous pensez qu'il n'y en a pas. C'est ça l'idée, quoi. Prédiction du camp. Je pense qu'on va faire une prédiction sur les kills, hein, aujourd'hui. Parce que quand, en vrai, le truc, c'est que la prédit, c'est classique. J'ai envie de faire une prédit sur les kills. Hein. Vas-y, je vais faire une prédit sur les kills. Hop là, vous savez quoi? C'est parti. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Combien de kills? 0, 1, 2, 3, 4, plus de 4. Hop. Piu, 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 piu. Hop là. C'est parti pour la mage. Enfin, c'est parti pour la mage. C'est parti pour la prédit. Je ne sais pas s'il y a un Temono qui peut m'aider. Je suis banni sur ton Discord et je ne comprends pas pourquoi. Et comme aucun d'entre vous ne répond, Discord Zneru. Tu t'es peut-être pas fait, tu t'es pas fait hacker ton compte ou quelque chose comme ça? Parce que nous, dès qu'il y a des Discord Nitro qui sont envoyés sur Discord, on banne définitivement. Hein. Dès qu'il y a un hack de compte ou je ne sais quoi, il y a peut-être un souci. Je vais envoyer le message à un modo. Je vais dire de regarder, ok, comme ça au moins. Pourquoi il y a du Maroon 5 dans ma playlist hein? Bah what the fuck. Mais what the fuck. La musique random qui vient de se lancer. Et surtout pour les bugs, on les trouve qu'avec beaucoup de tests. Exactement. Attends, je vais envoyer le message pour toi sur la conversation modo. Je vais dire, est-ce que quelqu'un peut check sur Discord? Merci chaton malade. Ah, mais je sais pourquoi il y a autant de gens qui ont été tirés d'office dans la game. Mais c'est tous les gens qui se sont inscrits au Sonic UHC qui est la game à la crash. Et du coup on leur a rendu les points. Enfin on les a mis en force pick pour leur prochaine game obligée, parce qu'on peut pas rendre les points, donc on les met en force pick. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. MDR. Je comprends maintenant. Bah oui. C'est vrai que ça m'étonnait qu'il y ait autant de gens qui aient pris un 100 000 points de chaîne quoi. Ah bah oui, du coup. Encore une raison de pourquoi, faites en sorte que vos modes de jeu ne crachent pas s'il vous plaît, sinon ça nous met dans la sauce comme ce soir là. Merci Nexus, 14 mois, ça commence à faire un bon bout de temps que je te suis, je suis toujours content de voir les vidéos et les lives. Merci, sinon bonne game. Je te remercie Nexus, hein. C'est absolument adorable. Je te remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'on se met comme pack là? J'ai envie de changer un peu de pack. Hein. Qu'est-ce qu'on va se mettre J'ai très peur là de ce que je vais mettre comme pack. Ah non, ça va, c'est bien. Merci chaton malade, merci Nodium du coup, merci chaton malade pour les 53 mois de sub. Oh, les minerais sont pas beaux, hein. Oh là là, les minerais sont vraiment pas jolis par contre. Ouais, c'est pas grave. Fais 3 kills, sinon on codera le fait que tu as un rôle éclaté le jour où tu testeras le mode de jeu. Oh, merde. Ah non, s'il vous plaît, faites pas ça, hein. Je vous en supplie. Hein. Vraiment. C'est pas ça que je voulais faire. Je peux pas modifier mon crosshair pour avoir juste un petit truc normal. Ah voilà, c'est ça que je veux. Ça, attends, je vais y arriver. Ça, je vais y arriver. Ça. Ah voilà. Voilà. Je préfère que les crosshair avec un rond là, ça m'énerve sur Minecraft. Hein. Ça me saoule. Bon, sinon, qu'est-ce que vous me racontez de beau aujourd'hui là? Qu'est-ce que vous me racontez de beau? Comment se passe votre semaine de votre côté? J'espère qu'on va trouver du diamant. Dans pas trop longtemps, comme ça au moins pour essayer de sortir assez tôt aujourd'hui et de faire une game assez sympa. Message à tous les développeurs présents, que ce soit Java ou Web, force à nous, sinon fin de semaine et vendredi, zéro mise en prod, pensez à votre week-end. Java c'est le feu, mais le web aussi, je suis dev web, MDR. Je serais peut-être devenu dev web hein, si j'avais pas eu YouTube, donc merci, parce que c'était clairement pas un truc qui me plaisait, mais c'était un peu le seul débouché entre guillemets de mes études, hein. Donc bon, c'est mes partiels, mais ça va. Ah, c'est les partiels là cette semaine? C'est pas les partiels et bacs blancs aussi cette semaine hein. Parce que j'ai vu dans les réponses là sur mon post Discord, il y a beaucoup de gens qui disaient tout à l'heure qu'ils avaient le bac blanc.
Donc bon, 10 heures de boulot lundi et mardi, donc fin de semaine un peu plus calme. Oh, force à vous, hein. 10 heures de boulot d'affilée, ah ouais, force à vous, hein, franchement. Rien de spécial à part que j'ai le pire colocataire. Hein. Eh bé. Message gratuit comme ça, petite balle gratos comme ça pour le coloc qui a rien demandé. Eh bé. Eh bé. PVP activé dans 10 minutes, n'oubliez pas de voter sur la prédit hein, si vous voulez parier vos points de chaîne comme aujourd'hui. Ça dépend du lycée. Ok ouais. Là vous avez votre bac blanc vachement tôt certains. Hein. 17 janvier c'est tôt pour un bac blanc quand même je trouve. Hein. Moi je sais que c'était c'était fin du second trimestre nous le bac. Enfin le bac blanc en général, c'était fin du second trimestre en général. Et ça comptait même, c'était souvent le contrôle du second trimestre hein, qui contient entièrement sur ça. La musique de Azriel le Goat, exactement. Le ticket d'or a été désigné, ouais. Ta 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 ta. Il a dit ange d'ailleurs, hein, ticket d'or. J'en ai eu un avant Noël. Ah ouais, avant Noël, what the fuck. Oh, avant Noël. Alors comme ça, vous allez devoir porter un uniforme là à partir de 2026 maintenant. Enfin, je sais pas, j'ai écouté à moitié là, mais apparemment il y a une question d'uniforme là qui a été annoncée hier ou je sais plus quel jour là. Oh là 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 là. Vous allez être magnifique hein, avec vos petits uniformes là, vous allez être trop pipou là. Oh là là là. Là je suis très content d'avoir fini mes études depuis très longtemps. Vive la fac, pas d'uniforme. Putain alors ça j'aurais jamais pensé que ça reviendrait. Hein. Les uniformes. Alors là franchement, c'est vraiment le dernier truc que je me serais imaginé qu'ils allaient remettre ça. Hein. Vraiment hein. J'arrête les cours si oui. Bah je crois, commence à te renseigner sur ton avenir, hein, parce que je crois que c'est ce qui est prévu, hein, je crois. tu feras gaffe. Hein. J'ai cru voir aussi cours de théâtre obligatoire, je crois. Un truc comme ça. Oh là 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 là, cours de théâtre obligatoire, là. Allez, Roméo et Juliette devant toute la classe. C'est parti. Ah là 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 là. T'es déjà allé au Québec? Non. J'y vais pour les études à partir de août prochain, je sais pas à quoi m'attendre. Jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait froid. C'est tout. Donc si tu crains le froid, force à toi. Mais c'est tout. En vrai, je suis totalement pour l'uniforme. Il y aura moins de discrimination et moins de harcèlement car tu ne portes pas de marque. Je trouve ça bien du coup. Bah, en fait, je pense qu'il y a des points positifs et du négatif. Hein, de toute façon, comme de partout. Hein. De toute façon, il n'y a jamais quelque chose qui va satisfaire tout le monde. Ça, c'est sûr et certain, tu vois. Il y aura des gens qui vont être contents et des gens qui vont pas être contents, de toute façon. Mais après, d'un autre côté, tant mieux qu'il y ait des gens qui trouvent que c'est une bonne chose. Parce que... Et tant mieux qu'il y ait aussi des gens qui trouvent que c'est une mauvaise chose, entre guillemets. Ça permet d'avoir un avis et d'avoir des débats là-dessus pour savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, quoi. De toute façon. Merci Black Wolf pour les 1 an de sub, merci beaucoup. Je trouve ça bien d'avoir plein de gens... Enfin, le monde serait chiant si tout le monde avait le même avis, tu vois ce que je veux dire. Si tout le monde était... Si tout le monde avait pensé la même chose, avait le même avis, ça serait chiant, tu vois. C'est impossible, on est tous différents, de toute façon. Déjà la musique et l'art plastique, maintenant ils ont théâtre, miskin et collégiens. Après, moi je pense que théâtre en soi, ça peut ne pas être une si mauvaise chose, honnêtement. Théâtre, ça peut ne pas être une si mauvaise chose. Tout dépend de comment c'est fait, bah, un peu comme tout. Hein. De toute façon, moi je me souviens, les cours de musique, j'ai trouvé ça inutile. Mais des fois, j'en parlais avec les gens sur mon stream et il y en avait certains qui me disaient, moi musique, j'adore ça parce que je trouve ça trop bien. Je pense que ça dépendra de toute façon de la manière dont ce sera exécuté. De toute façon, et le professeur, en fait. C'est ça le truc aussi. Hein. L'uniforme à 200 balles, c'est cher pour certaines familles qui n'ont pas les moyens pour la cantine. Mais il va pas y avoir un truc qui va être aidé par rapport à ça. Genre, toutes les familles vont devoir acheter des uniformes. Pour ces euros de plaisir. Je sais pas, j'avoue que je suis pas trop l'actu en ce moment. Genre, je regarde pas trop en ce moment. J'aime bien être dans ma petite bulle en ce moment là. Par contre les gens qui me MP à cause de ce que je viens de dire, genre flamme SVP. Ah mais oui, mais de toute façon il faut laisser les gens avoir leur avis. C'est hyper important, c'est les gens doivent avoir leur avis en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Vous pouvez ne pas être d'accord avec l'avis de quelqu'un, mais le mieux à faire dans ce cas là c'est vous ignorer. Si vous êtes pas d'accord avec quelqu'un et que vous avez pas envie de vous faire chier, vous ignorez, c'est tout quoi. 200 balles pour un vieux pull qui gratte. Mais tu vois, moi c'est là je suis content d'avoir fini les cours. Là je suis content là. Aïe 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 aïe. Et quoi, ça va être collège-lycée, c'est ça? Je crois que c'est juste ça. J'ai pas trop suivi quoi. Pour l'uniforme, le problème c'est qu'il en faut pas un seul pour une semaine, il en faut plusieurs. Hein. Donc la perte d'argent c'est pour ça. Putain. Oh ouais, bon courage. Hein. Eh ben. Merci Plou! Merci beaucoup! Théâtre, si c'est bien fait, ça peut être un banger. Merde.
J'ai fait l'option lycée et ça aide beaucoup, surtout pour la confiance en soi. Ouais, ça dépend, moi je pense, parce que moi tu vois, si j'avais eu théâtre au lycée ou même au collège, surtout au collège, je pense que si j'avais eu théâtre au collège, je me demande si ça aurait pas fait l'effet inverse, moi, de mon côté, à mon avis. Parce que au vu du nombre de gens qui entre guillemets se foutaient déjà de ma gueule dans ma classe, entre guillemets, dû à ma coupe de cheveux, à ma personnalité ultra introvertie, au fait que j'avais pas plus d'amis que ça, etc. Je me demande si entre guillemets ça aurait pas donné une occasion de plus aux gens de se foutre encore plus de ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas si ça aurait pas fait l'effet inverse, moi. Donc bon. Du coup, l'info est définitive pour ça, parce qu'ils nous ont fait le même coup il y a 8 ans quand j'étais en 4ème et c'était la même. Moi, je pense que même si ça passe vraiment, tout le monde va s'y habituer. Bah on verra, hein. De toute façon, ils ont parlé de 2026, donc je crois que c'est pas encore maintenant, quoi. Salut Kelly! Merci Nelix! C'est quoi l'histoire des uniformes? Je crois que c'est un truc qui va revenir en 2026, ça, il me semble. On en parlait de ça parce que je crois qu'il y a eu une allocution hier ou avant-hier, je sais plus, il y a eu plein de trucs qui ont été présentés. Du coup, je rigolais sur ça, je disais alors l'uniforme, vous allez être tout piou-piou avec ça là. Merci Riré, merci Gunfrix, merci Black Wolf tout à l'heure. Et merci Mathéo aussi. Je crois que j'ai oublié personne. Je te jure, le cousin de mon pote est en phase de test des uniformes. Mon pote m'a dit c'est des pulls qui grattent. Aïe 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 aïe, c'est la texture là, ça va être une texture là qui gratte. Ah vous allez être bien là, ah là là vous allez être très bien. Merci Nevix. Ça se trouve c'est fait exprès les gars, putain. On va y avoir des couples, que je raconte, des comptes complotistes, hein. J'ai tout mélangé. J'ai mélangé le mot. On va y avoir des couples complotistes, ça marche aussi en soi, hein. Sur Facebook là, l'État fait exprès de mettre des pulls qui grattent à nos élèves. L'État nous ment. Merci Alpha, quoi, tu penses quoi du contenu Minecraft sur YouTube? Je pense quoi du contenu Minecraft sur YouTube? J'ai vu un post de Mirolam passer il y a deux jours là, enfin il y a un jour, c'était hier je crois. Ou c'est peut-être ce matin, je sais plus. Enfin, en tout cas j'ai vu Mirolam qui en parlait et qui disait qu'en fait le contenu très bien monté sur Minecraft ou le contenu qui demande beaucoup d'heures de travail était beaucoup moins mis en avant sur YouTube malheureusement que les vidéos simples à faire où tu passes pas beaucoup de temps. Et je suis assez d'accord avec Mirolam. C'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti moi cette année, c'est-à-dire qu'il y a deux ans, tu faisais une énorme vidéo qui était bien travaillée sur Minecraft, etc. Ça marcherait forcément, entre guillemets, beaucoup mieux que des vidéos basiques. Là, aujourd'hui, t'as certaines vidéos basiques qui vont carrément mieux marcher que des vidéos qui te prennent des heures et des heures à monter, tu vois. Là, malheureusement, c'est comme ça, quoi. En vrai, je trouve que je rejoins un peu l'avis de Mirolam sur ce qu'il a tweeté hier ou aujourd'hui, je sais plus quand c'est. Mais en tout cas, je rejoins un peu son avis dans le sens où je suis d'accord avec lui que c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Des fois, on se fait chier à faire des grosses productions pour au final pas grand chose entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Mais bon. Merci. Par contre, franchement, j'ai vu passer, vous savez, le compte alerte plagiat là sur Twitter. Oh, ces derniers jours, je vois passer que des threads en rapport avec Furious Jumper et d'autres youtubeurs comme ça, la Shadowbass et tout ça, où c'est du copier-coller, mais genre vraiment, même pas du copier-coller, c'est la même chose littéralement. C'est la même vidéo. Avec les paroles juste traduites en français, quoi, c'est aberrant, quoi. Moi, je me souviens, je sais pas si vous étiez déjà sur YouTube un peu dans cette période-là, 2016-2017, il y avait un YouTuber qui s'appelait Matt Podcast, qui a été pris en flagrant délit pour faire ça par rapport à un YouTuber américain. Et il a été cancel de partout. Ça lui a niqué un peu sa carrière, entre guillemets. Aujourd'hui, la mentalité a tellement changé que... limite tu fais ça, tu marches mieux que si tu ne le fais pas. C'est ouf. C'est ouf. Les maths podcasts cubiques. Ah mais là c'est vraiment le cas pour le coup, hein. En vrai c'est même pas une métaphore, hein. C'est littéralement la même chose que maths podcast, hein. Vraiment, c'est littéralement la même chose à l'époque que maths podcast. C'est-à-dire il a pris la vidéo et il fait exactement les mêmes vannes, le même sketch, la même position de la caméra, la même tournure de la vidéo, les mêmes phrases, juste traduites en français. C'est la même chose. Vraiment. On dirait que les gens s'en foutent, c'est triste. C'est pas que les gens s'en foutent, c'est que je pense que les gens qui regardent ce contenu sont très jeunes et du coup ne se rendent pas compte. Et surtout, tous ces gens-là n'ont pas les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire? Enfin, non pas la plupart des réseaux sociaux comme Twitter, etc. Tous les gens qui regardent des shorts comme ça vont se rendre compte en fait que c'est du contenu plagié, mais dans genre 3-4 ans en fait, tu vois ce que je veux dire? Et puis même les gens en général qui regardent ce genre de contenu, enfin je suis désolé, mais ils sont pas sur Twitter, tu vois ce que je veux dire? Même il suffit d'aller voir par exemple les commentaires d'une vidéo par exemple comme Ninjax ou autre, rien contre lui, attention, hein, c'est juste je le prends lui comme exemple parce que voilà, mais tu regardes les commentaires, tu sens que la plupart des commentaires, bon bah voilà, ils ont 11 ans, tu vois, en fait, hein, c'est ça le truc, hein.
tu le vois en fait à leur manière de répondre, tu vois. Il n'y a pas forcément des fautes ou des trucs comme ça, mais juste ça se voit en fait. Et du coup, bah, tu comprends pour ce genre de short et de vidéo que malheureusement, bah, c'est pour ça en fait que les gens ne se rendent pas compte. Autant Ninjax, pour le coup, il n'est pas dans cette même catégorie. Hein. Lui, peut-être il s'est inspiré du contenu d'américain, d'accord, etc. Mais lui, il n'est pas dans la même catégorie que des Shadowbass et tout ça. Hein. Là, c'est vraiment. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un bon rôle aujourd'hui? Genre un petit assassin là? En vrai? En vrai? Ok, ça me va. Ça me va. Merci Robotique pour les 3 mois de sub. Je trouve que les longs formats sur YouTube reviennent énormément sur le devant de la scène des chaînes type The Great Review ou l'entre du maître qui explose avec des vidéos qui peuvent atteindre les 2 heures. Ouais, mais pas sur Minecraft, je trouve. Je suis d'accord avec toi, mais pas en ce qui concerne Minecraft. Je trouve que l'entre du maître, d'ailleurs l'entre du maître, ces vidéos font pas 2 heures. Hein. Ces vidéos elles font genre 20 minutes hein, à l'entre du maître. Hein. Je crois. Enfin, un peu plus peut-être, mais des fois, il y a des 100 jours qui durent pas longtemps. Hein. Mais par contre, oui, les vidéos type comme The Great Review, etc., oui, ça fonctionne. Mais pas sur Minecraft. Sur MC, les vidéos qui marchent le mieux sont les vidéos qui font moins de 20 minutes, si vous regardez maintenant. Donc bon. Moi, je trouve pas, en tout cas. Moi, je trouve que vraiment, les vidéos longues sur MC, ça marche pas trop, hein, pour être honnête. Hein, vraiment. Donc bon. De quoi parlez-vous? On parle du fait que le nouveau contenu sur YouTube, sur le Minecraft français, est assez discutable, on va dire. Genre, je suis désolé, mais quand tu regardes ce compte-là, là, vous allez voir, alerte plagiat. Moi, c'est devenu mon compte Twitter préféré, hein. Je vous promets, c'est devenu mon compte Twitter préféré, ce Twitter. Hein. Regardez, hein. Il spawn kill! Regardez, les spawn kill! Le spawn kill, mec! 45 secondes, la miniature, c'est la même. Voilà, littéralement, c'est le même, c'est le même titre et la même miniature. Ça on s'en branle un peu, mais c'est surtout ça quoi. Regardez, enfin soyons honnêtes, voilà, c'est là où quand je regarde ce genre de contenu, que je me dis en fait les gens ne se rendent pas compte que c'est du contenu totalement plagié, parce que les gens qui regardent ça ont 11 ans et encore. Quand t'as vu deux fois, ça like la vidéo, je crois, c'est ça. Smart, hein. Je suis désolé, hein, mais... Enfin... T'as pas me dire que des gens qui ont genre plus de 20 ans regardent ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Puis même dans sa façon de tourner la phrase, tu le sens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Tu le sens, en fait, que c'est fait pour des gosses, tu vois. Et là, comment tu vas faire maintenant? Je suis totalement dans ma bulle. Tu le sens en fait, que c'est pour ça en fait que les gens se rendent pas compte de ça en fait. Et puis vu qu'il y a personne qui en parle spécialement sur YouTube, moi je pense d'ailleurs que c'est marrant, mais si quelqu'un un jour faisait une vidéo pour en parler sur YouTube, je me demande s'il aurait pas des problèmes comme à l'époque, vous souvenez les histoires avec la main fâchée et tout ça là, quand tu disais le nom de la main fâchée, ta vidéo elle sautait, tu te souviens? Moi je me demande si on va pas partir dans ce truc là, en mode si tu commences à dénoncer ce genre de trucs, ils peuvent te faire striker ta chaîne ou des trucs comme ça. En vrai ça m'étonnerait même pas, tu vois ce que je veux dire? Donc bon. Le seul contenu Minecraft de qualité, c'est toi en fait. Non, 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 il y a l'entre du maître, Matox, même s'il fait plus de vidéos, Gep fait du très bon contenu aussi, même si c'est moins de montage qu'avant. Fuse, honnêtement, fait du meilleur contenu qu'à l'époque, et je pense que les gens lui ont encore trop collé l'étiquette du youtubeur un peu putaclic et qui faisait du contenu pour enfants. Je trouve que son contenu a vraiment évolué sur un côté mature, pour le coup ça n'a plus rien à voir par exemple avec tous ces gens-là. Vraiment, si vous regardez les dernières vidéos de Fuse, je trouve que ça n'a plus rien à voir, pour le coup. Et après, non mais il y en a encore quelques-uns des youtubeurs Minecraft qui essaient de pas faire du contenu, on va dire, américanisé, tu vois ce que je veux dire, on va dire. Donc voilà. Et Pierre, c'est du best of de ses lives pour le coup. Bah, un peu comme moi en fait, hein, en soi, hein. C'est un peu pareil, hein, si on réfléchit. Hein. Mais honnêtement, je pense que les gens devraient redonner une chance à Fuse sur son contenu, parce que même moi qui n'étais pas trop client de son contenu, il y a certaines vidéos où en fait je vois le titre et je me dis, mais attends, mais ça donne carrément envie d'aller voir le concept. Et en vrai, c'est bien fait, tu vois, il s'est cassé le cul, tu vois. Parce que je veux dire, vraiment, il se la donne, quoi. Genre, il a sorti une vidéo il y a pas longtemps où il expliquait l'histoire de sa timidité, etc. On n'est pas sur du Minecraft, tu vois. Mais je trouve que au niveau de son contenu, pour le coup, il se débrouille vraiment bien. Genre, vraiment, il s'est énormément amélioré, je trouve, Fuse, hein. Vraiment. Hein. Ego, lettre d'amour à Minecraft. Ah bah, pour moi, c'est cette vidéo-là qu'il a un peu commencé à le faire percer, hein. Pas te mentir, hein. Donc bon, hein. Merci pour ces euros de plaisir. Voici une preuve que les vidéos MC de longue durée fonctionnent. Oui, mais en fait, regarde, monsieur Mod, ce que t'as envoyé là, c'est pas une question de longue durée, je pense. Regarde, je vais te montrer. Là, pour toi, là, pour vous, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que les vidéos de longue durée fonctionnent? Là, c'est pas la durée de la vidéo hein, qui marche. Hein. Là, c'est le titre et la miniature, hein, littéralement. Là, c'est juste la méta miniature classique.
Ça, ce type de miniature, vous, les gens qui font ça, normalement, si la personne a déjà une petite base de communauté entre guillemets et qui se démerde bien au niveau de sa vidéo, normalement la vidéo est censée bien marcher d'office. Et puis le concept en vrai est sympa, tu vois, tu regroupes 1000 joueurs, ça donne envie d'aller voir. Là je pense pas que ce soit la durée. La vidéo aurait fait 23 minutes, elle aurait fait exactement les mêmes vues pour le coup. Mais par contre, il y a des vidéos qui durent une heure qui marchent pas, tu vois ce que je veux dire. Genre regarde, moi quand je vais voir la chaîne de Mirolam, tu vois ce que je veux dire, je trouve que c'est un très bon exemple. Tac, tu vas voir. Il y a certaines de ces grosses vidéos qui lui demandent énormément de travail. Genre, bon, celle-là, 3 heures, voilà. Bon, peut-être que c'est peut-être un peu too much, hein, 3 heures. Mais tu regardes 23 000 vues, tu regardes ces autres vidéos. Voilà, celle-là, par exemple, fait plus de vues. Voilà. Pareil, il y a certaines vidéos qui sont compliquées. Mais je pense que, par exemple, pour ce concept-là, les survécus 100 jours, les X jours en hardcore, faut pas faire des vidéos de 15 minutes, je pense, à mon avis. C'est trop classique. Faut faire des vidéos un peu plus longues sur ça, mais faut doser, en fait. C'est la méta un peu YouTube, on va dire. Mais bon, après on verra, hein. Moi je vais... Demain je sors une vidéo de 1h49, donc on va voir si ça marche bien les vidéos longues, hein. On va voir, mon gars, hein. Bah y'a intérêt, parce que putain elle m'a pris 3 semaines celle-là, hein. Donc y'a intérêt, mon gars. Si elle marche pas, j'avoue que je vais un peu avoir le seum, parce que, hein. Merde, hein. Abonnez-vous, en fait, s'il vous plaît, hein. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Les 500 000 cette année ou pas, en fait, hein. Putain, vous vous rendez compte que là... Ça fait un an que j'ai dépassé les 400 000 abonnés. On est à 430 000. Pour l'année 2023 de merde pour ma chaîne YouTube. Comparé aux autres années. Merci Tetrapod synchronisé. Je passe pour renouveler mon somme, mais j'ai pas le temps de regarder le live ce soir. T'inquiète, y'a pas de soucis en vrai. Les vidéos cool aussi, c'est les Machinima Minecraft, genre Flazer, Pochier. Je connais pas. Je connais pas du tout. Bon, tu disais que les vidéos de 20 minutes marchent mieux sur Minecraft. Ça me fait penser au YouTube, genre Laylo qui font des vidéos de 7 heures. MC Hardcore qui pète le million. 7 heures? Comment c'est possible? Comment c'est possible 7 heures? Fais voir. Fais voir, attends, je vais aller voir. Laylo, tu dis? Fais voir. Populaire. Oh. Alors, moi, je pense que honnêtement, il y a un peu une petite part de chance sur est-ce que l'algo t'aime bien ou pas. Voilà, je pense. Parce que pour taper 1 million sur cette vidéo, je pense que... Oh. Mais 7h40 de vidéo, mais... Frère... 7h40 de vidéo. Frère, c'est... Faut être motivé, hein. Attends, mais... 7h40 de vidéo, mais là, faut être déter, là, hein. 7h40 de vidéo. Moi, je me plains avec ma vidéo d'une heure 49, mais 7h40 de vidéo. Ah ouais, c'est... Est-ce qu'il y a un gars qui a regardé la vidéo? Ah, moi, je serais très curieux de voir le watch time sur cette vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Au bout de combien de temps? Je pense qu'il doit avoir genre un pourcentage de 10%, je pense, à mon avis. C'est moi, sur mes vidéos, pour vous dire... Sur mes vidéos, je suis entre 40 et 60, ça dépend. Jusqu'à la fin. Mais je pense que là, sur une vidéo de 7 heures... Ah, c'est un assemblage de sa série. Putain, c'est smart, ça. Oh, c'est hyper smart, hein. Oh, le million de vues gratos, hein. Oh, c'est smart, ça. Il a uploadé plein de petites vidéos qu'il a regroupées en une vidéo de 7 heures. Putain, c'est giga smart. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ok. Eh ben les gars, écoutez, on va faire un best-of de toutes les cités en une seule vidéo. La vidéo va faire 40 heures. La vidéo va faire 40 heures, ah ouais. Vous voulez qu'on fasse ça, mon gars? Pas de problème. J'ai survécu 4500 jours dans les cités sur Minecraft, hein. Alors, hein? Alors, qui va faire mieux maintenant, hein? J'ai survécu 10 000 jours en cité Minecraft, hein? J'ai survécu 450 000 heures sur Minecraft. Le pétage de plomb, en vrai. Oh, je suis mort. Mais en vrai, je serais bien curieux de voir un jour... parce que moi, je galère de ouf sur YouTube à faire en sorte que mes vidéos marchent au-delà de ma communauté. C'est-à-dire que c'est... Je sais que 100% des gens qui regardent mes vidéos, c'est les gens qui sont sub à ma chaîne. Alors, pour toucher de nouvelles personnes, c'est hardcore. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donnerait si j'essayais de travailler un petit peu plus les titres et les miniatures de mes vidéos. Ah, c'est ce que je vais essayer de faire d'ailleurs. Sur la vidéo Guild Game, c'est ce que je vais essayer de faire. Et on verra. À tout moment, je vais être surpris. Merci. À tout moment, on va être surpris. On verra. Ouais, je pense que c'est les miniatures qui jouent énormément, je pense. Je pense que c'est au niveau des miniatures qui jouent, que ça joue énormément sur YouTube. Hein. C'est là, moi ça me rend fou ça. Hein. Franchement, tu peux passer des dizaines d'heures sur la vidéo. Si la miniature est pas assez bien, t'es mort quoi. C'est un truc qui me rend fou quoi. Dire qu'à l'époque, tout le monde s'en battait les couilles des miniatures. Vous vous souvenez de l'époque, genre 2014-2015, où littéralement, pour les trucs type Kill the Patrick, c'était littéralement la même miniature pour les 14 vidéos de la série. Genre, tu regardes Hyper KTP, c'est littéralement la même miniature pour les 14 vidéos. C'est fou, quoi. Salut, Tintin.
Salut, je te pose même plus la question. Ouais, je me souviens de toi, bro. Je me souviens, ouais, t'inquiète. Merci Dr Chicken, merci Tom04. Déjà un an de sub actuellement sous 42 fièvres. Mais je te remercie de me remonter le moral. Bon courage, Toms. Merci beaucoup. J'ai miné 8 500 blocs sur Minecraft. En vrai, tu peux laisser Strelizian les messages comme ça quand ils sont en full mage. En vrai. Parce que les messages comme ça, c'est justement en mode... c'est les titres qui sont en full mage, donc c'est normal. Tu peux les laisser, ça. J'ai miné 8 450 milliards 403 000 blocs de terre sur Minecraft. T'avais Sifano sur tous les épisodes, même s'il était mort day one. Ouais, non, c'était fou, quoi. Donc bon, demande à Fuse pour les miniatures, Guigui. Ouais, mais après, Fuse, il a un style de miniature qui marcherait pas chez moi, je pense, en gros. Enfin, en tout cas, ça colle pas trop avec mon contenu. Tu peux pas trop faire ça pour des UHC. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais tester des trucs cette année. Je vais essayer des trucs, là. J'ai plein d'idées en tête, là, vous allez voir. Bon, demain c'est vidéo classique qui sort. Hein. Demain, c'est vidéo classique. Mais bon. Demain, je sors une vidéo, je sais que ça a marché quoi, sur ma chaîne, ça fait plaisir. Ça, tu vois, ça, c'est quand je monte une vidéo comme ça, je sais qu'à la fin, je suis content parce que j'ai pas le doute de me dire est-ce que tout le monde va s'en battre les couilles de ma vidéo ou pas. Est-ce que dans ma commu, tout le monde va s'en foutre. Parce que ça fait... En fait, je fais les vidéos pour moi, mais en vrai, ça fait toujours plaisir quand t'as quand même des gens qui la regardent, tu vois ce que je veux dire. Quand t'as passé 3 semaines sur une vidéo, t'es bien content que les gens la regardent après, tu vois ce que je veux dire. Donc, on verra. Ligue de la miniature demain. Bah, elle est dans l'onglet communauté, hein, je l'ai posté tout à l'heure. Hein. Monsieur Mina classique hein, demain. Moi je sais que sur ce type de vidéo c'est ça qu'il faut. Faut pas se faire chier. Hein. Merci Nguyen. J'ai survécu 50 000 ans dans un village de loup-garou, je sais. C'est un LG du coup. Demain ouais. Demain c'est un LG ouais. C'est un LG Minecraft hein. De 1h49 ouais. C'est ça. Exactement ouais. Il y avait du diam au bord du gros lac de lave quand tu es arrivé. Eh ben c'est dommage. Classique égale 1h48. Hein. Non mais je vous jure que vraiment... Je ne sais pas pourquoi la vidéo dure aussi longtemps. Et vous verrez, hein. Il n'y a pas de moment à rallonge ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste qu'il y a trop de trucs à montrer. C'était l'enfer en fait. Moi je vous ai dit ce que c'était. Hein. Demain c'est la vidéo de la dernière cité qu'on a fait là, l'épreuve des glaces, tout résumé d'un coup. Ah enfin merci. Mais dites-vous par exemple pour l'épreuve du build. Là vous vous souvenez, il y a eu une épreuve à un moment donné build. Bon, je rentrerai pas dans le spoil. Hein, mais on a fait 4 parties au total. Dites-vous qu'une partie. De l'épreuve dure 3 minutes entre la construction et l'annotation. Pourtant, l'event en lui-même fait quand même 15 minutes. Voilà. Sauf que vu qu'il y a 8 épreuves, bah 15 minutes x 8 déjà pour commencer. Et hop, ça monte hein. Déjà, ça monte hein. Hop là, ça fait déjà 2 heures hein. Tu vois. Déjà, 15 minutes x 8, ça fait déjà 2 heures hein. Donc ça y va hein. Par contre, faut que tu laisses tout le bloc parti. Bah je peux pas en fait. Je peux pas, mais ce que je vais faire c'est que je vais les uploader en non répertorié je pense, en gros. Je peux pas laisser en fait les événements en entier. Puis en fait vu que les events sont déjà uploadés entièrement sur la chaîne secondaire, si les gens veulent les voir en entier je peux directement leur mettre le lien directement tu vois dans la description. Et c'est ce que je vais faire je pense, je mettrai le lien du bloc party en entier en linkant à la vidéo au timecode précis. Comme ça si les gens veulent voir d'un autre côté ils auront tout tu vois. Bon c'était trop incroyable. Ouais mais en vrai c'est bien parce que vous l'avez vécu en live tu vois. Mais je pense qu'en vidéo les gens resteraient pas autant que ce qui reste en vidéo. Enfin ce qui reste en live tu vois. C'est à dire qu'avoir 2 heures de bloc party en live c'était cool. Mais 2 heures en vidéo je pense que les gens au bout de 5 minutes sont en mode bon on a compris allez à la suite là. Tu vois à mon avis hein. Donc bon. Je sais pas si c'est moi mais en ce moment je suis nostalgique et ça m'arrive de me retaper des trucs comme LG saison 3 etc. Et ça me rappelle l'époque où j'avais zéro problème MDR. Mais c'est pour ça qu'on va faire LG saison 10 bientôt, vous inquiétez pas. LG saison 10, ça arrivera. Je vous promets que ça arrivera un jour. Je sais pas quand, mais ça arrivera. Un jour. Merci, Biswi... attends. Benji Biswarm. Merci mon gars, merci pour le message. LG 10, OMG, ouais. Un jour. Mais vous savez ce que je ferai si un jour on fait LG 10? On le fera encore en épisode comme avant. Voilà, donc épisode 1, épisode 2, épisode 3, etc. Par contre, ce qu'on fera... C'est que je pense qu'il y en a plein des gens qui vont pas poster les épisodes, hein. C'est normal. Donc ce que je ferai, c'est que je récupérerai toutes les visions des gens qui posteront pas, genre par exemple Matox, hein, s'il poste pas, ce qui sera forcément le cas, hein, Matox ne postera jamais, mais je récupérerai sa POV et je ferai en gros, vous voyez les vidéos multi-POV qu'on a là, où il y a genre 3, 4, 5, 6 POV où tu vois un peu la game d'une manière générale, bah en gros je ferai ça, voilà. Du coup vous aurez plein de POV à travers ma seule vidéo, en tout cas c'est ce que je vais faire je pense. Attends, je demanderai aux gens, mais ça pourrait être sympa quoi, ça pourrait être sympa de faire ça. LG 10 en 1.20, évidemment que ce sera le cas, bien sûr, si jamais on fait une saison 10, hein, qui arrivera. Mais oui, ce sera certainement la version 1.20, parce que, en fait, on a quand même tourné énormément de saisons qui tournent en rond, tu vois, maintenant. Enfin, je veux dire, si on refaisait une saison 1.8, on va pas se mentir que
ça serait tout le temps la même chose, tu vois, ça serait la même chose que les dernières saisons, il n'y aurait pas de nouveauté particulière. Donc nous ce qu'on veut c'est, si là je fais une saison 10, c'est avec une nouvelle ambiance, hein. Genre en mode quelque chose qui change totalement de ce que vous avez vu juste avant quoi. Qui soit toujours aussi agréable à regarder, mais qui change totalement à la fin quand vous regardez le truc, vous dites waouh, tu te souviens quand... Comme ceux qui ont regardé un LG pour la première fois, que vous avez regardé une saison d'LG, à la fin vous vous êtes dit c'est cool en vrai ce mode de jeu, c'est pour ça que vous en regardez encore aujourd'hui là le 17 janvier tu vois. Voilà. Eh ben moi j'ai envie que ça fasse ce truc là, mais en mode genre quelque chose de nouveau, en mode waouh c'est trop bien. Ouais, ouais, monsieur Mod, ce que tu m'as envoyé, c'est typiquement ce que je vise pour cette année. En gros. Exactement, t'as tout compris. C'est ça, exact. Ouais, ouais. Et moi, en France, quelqu'un, puisque tu parles de gens qui ont compris l'algo sur YouTube, si tu veux voir quelqu'un qui, pour moi, a compris l'algo sur YouTube, le meilleur exemple pour moi, c'est Julgan. Je pense que c'est la personne, et Ego, mais bon, Ego, c'est une autre catégorie. Mais je trouve, dans le gaming basique, c'est Julgan qui a tout compris, je pense, à mon avis. Il a réussi à dompter l'algo pour faire ce qu'il veut faire avec, hein. Il s'en bat les couilles, Julgan. Il fait n'importe quelle vidéo, elle fait plus de vues qu'il a de nombre d'abonnés, quoi. C'est... Merci, GC4, LG10 à 200 joueurs pour les stats. Oui, bah oui, on va faire ça. Non, mais par exemple, si on fait un LG10... Moi je me verrais bien inviter des gens comme, bon Matox, mais genre des Linka, des gens comme ça tu vois, qui ont pas trop joué de game et qui du coup auraient un point de vue qui serait carrément rafraîchissant. Pas avoir des gens qui ont fait 700 LG dans leur vie, en gros. Genre avoir des Linka, des gens comme ça qui ont déjà bien joué à Minecraft et qui pourraient être intéressés. Surtout en 1.20 tu peux amener littéralement n'importe quelle personne en 1.20 quoi, en fait. C'est ça le truc qui est intéressant. Là 1.20 c'est ça qui fait le charme un peu de cette version, c'est qu'en soit plein de gens qui connaissent pas le jeu peuvent venir. Ouais, l'Inca LGB j'y pense, mais mec, moi aussi en vrai. Oh là là, l'Inca LGB qui nous fait une New Titeuf saison 1. Ah ouais, non, non, le rêve, hein, vraiment. Hein. Des POV nouvelles, c'est banger en vrai, mais de ouf, hein. Mais clairement, hein. Tu viens de te renommer By Phantom ou je rêve là? Ah non, ok, non, ok. Putain, attends, By Phantom et Bipanton. Attends, mais Bipanton? Wesh, mais attends, mais c'est littéralement la même écriture du pseudo. J'ai vraiment cru que c'était By Phantom qui venait de se rename. Bipanton, il a la même couleur que By Phantom, il a tout pareil. J'ai cru qu'ils étaient renamés. Ouais, Croco par exemple, je pourrais l'inviter aussi, tu vois. Étoile, pareil, je pourrais l'inviter. Bon, Étoile, je sais pas s'il viendrait. Mais pour le coup, oui, je pourrais inviter tous ces gens-là, tu vois. Clairement, hein. Non, je suis sans modo. Ah, mais c'est vrai? What the fuck, hein. Ça mène tout le QSMP dessus FR, la masterclass en vrai. Mais je sais pas si ça intéresserait tout le monde, pour être honnête. Je pense pas que ça intéresserait tout le monde. Mais c'est clair que par exemple, je pourrais amener plus de gens. Que je pouvais amener des gens dans LG saison 9, hein. Ça c'est sûr et certain. Franchement, il y a eu quoi y... Combien d'années qui se sont passées entre LG saison 9 et maintenant là? 3 ans, non, minimum. C'était quoi? C'était début 2021, LG saison 9. Donc ça fait 3 ans, je pense. Voilà, bah. Écoutez, voilà. Hein. 3 ans quoi, la dernière saison. Oh, 3 ans, mec. Hein. Pff, ça date, sa mère. Est-ce que Jimmy reviendrait? Pour une saison. Oui, pour une saison d'LG, oui, il reviendrait. Oui, je pense. Ouais, surtout si c'est en 1.20 avec l'autre PVP, etc. Oui, oui, je pense. Honnêtement, oui, oui. Surtout que dans une saison d'LG, vous savez, c'est pas les gens qu'il y a dans les games qu'on fait habituellement le dimanche, quoi. C'est... J'invite entre guillemets des gens qui apportent une... Enfin, pas une ambiance différente, mais on va dire qu'ils sont... C'est plus quelque chose qui est destiné pour YouTube, on va dire, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer, mais vous verrez, en gros. Décembre 2020, ouais, c'est ça, ça fait 3 ans, du coup. Réinvite NT, mais bien sûr, NT sera toujours réinvité aux saisons d'ailleurs. Et je pense qu'il reviendra à chaque fois, hein, pour être honnête. Hein. New Titeuf, il a toujours kiffé les LG. Hein. New Titeuf, il a toujours aimé les LG et je pense que surtout dans une dernière version, ça pourrait être intéressant pour lui. Parce que du coup, il y aurait moins cet aspect de davantage PVP pour les autres, etc. qui ont déjà joué. Je pense que ça se jouerait le plus au PVP, quoi. Mais bon. Tu joues Among Us, hein. Ouais, bon, c'est rare, mais quand même, ouais, de temps en temps. Ça date, hein. Oh là là, j'ai un creeper qui arrive là. Les dernières vidéos LG que t'as fait, elles font partie de la saison 9 ou pas du tout? Non, mais en gros, moi je vois pas trop ça. Je vois pas la chose comme ça, je pense. En gros, la saison, c'était juste les épisodes qui sont sortis entre guillemets, quoi, on va dire. En gros, c'est les épisodes de la saison en quelque sorte qui étaient basés là-dessus, quoi. Après, le système de saison, ça veut tout et rien dire. Maintenant, à l'époque, les saisons, c'était. C'est parce qu'il y avait que les UHC. C'était ça, les UHC, en fait. C'était les saisons des records qui étaient faits, quoi. Si tu veux flopper, invite Inox avec son serveur. Hein. Qu'est-ce que vient faire son serveur là-dedans, là? C'est quoi cette histoire, hein? Qu'est-ce que vient faire son serveur, là?
La phrase n'a aucun sens. Si tu veux flopper dans LG saison 10, t'invites Inoxtag là avec son serveur de merde là, viens, invite-le là. Invite Inoxtag, tu vois, si tu veux flopper lui comme lui là. Non mais rien à voir. Rien à voir, littéralement, c'est ça là. Ça n'a aucun rapport. X-ray, non, j'avais vu le côté du diamant là. Merci Blade pour les 39 mois de sub. Hein. C'en est où le couple amnésique hein? Ah bah là, y'a pas de couple amnésique. Hein. Oh là 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 là. 40 minutes et toujours vainqueur, ça t'a vraiment été ton défi hardcore en vrai. Mais je te jure que oui, hein. Mon défi hardcore, ça a vraiment aidé. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Gênant de mettre des balles perdues comme ça. Ouais, t'as tout dit, mec. Gênant. Son serveur de merde, là. En plus, non, moi, je l'ai bien aimé, son serveur, là. Je rigole, Inox. Hein. Moi, j'ai carrément aimé ton serveur. Vous entendez ça derrière? En plus, ça pourrait être une publicité pour les ravages de League of Legends, ça, vous voyez? Est-ce que vous entendez ça derrière? Voilà, ça, c'est une publicité. League of Legends, ce serveur, ce jeu qu'il ne faut pas commencer. Voilà, vous entendez? Voilà, ça c'est... Voilà, c'est bien ce qu'il faut. Moi j'avais bien aimé le serveur d'Inox. Hein. Je trouvais que c'était... En fait, le seul problème du serveur d'Inox, je pense, c'est qu'il voulait trop faire un Epicube 2, à mon avis. Et surtout, je pense que Inox, ça faisait un moment qu'il jouait plus trop à Minecraft, donc... il était plus trop dans la commu maintenant pour savoir exactement ce qui marchait et ce qui marchait pas, à mon avis. Mais pour moi, hein... Pour moi, vous savez, c'est les TikTok là, pour moi, un serveur en 1.8 aujourd'hui, c'est pas une bonne idée. Voilà, un serveur full 1.8, entre guillemets, qui se repose uniquement sur ce qu'on connaît. Voilà, en gros, je pense que c'est pas une bonne idée. Faut essayer d'attirer des nouvelles personnes parce que en 1.8, c'est bien, t'as une communauté qui reste en 1.8, forcément, t'as des gens qui restent en 1.8, hein, mais tu peux pas attirer de nouvelles personnes parce que les gens qui commencent à jouer à Minecraft aujourd'hui, ils ne jouent pas en 1.8 en fait. Ils jouent dans les 1.20, 1.4, 1.5, tu vois. Donc bon, après, je t'ai jamais vu sur les serveurs. Hein. Bah après, si tu joues 24 sur 24, c'est sûr que je jouais pas beaucoup sur les serveurs en fait. Hein. Mais c'est justement pour ça, ce que je suis en train de décrire, c'est que pour moi, son erreur, ça a été de rester trop 1.8 parce qu'il n'y avait pas de... Enfin, il n'y avait pas de nouveaux trucs en fait. Et moi, Epicube, bah c'est bien mais ça a fait son temps tu vois. Me connecter pour aller faire des PvP swap, bah non tu vois. Me connecter pour aller faire des Fallen Kingdom, ça m'intéressait pas du tout. Donc j'avais aucune raison de me connecter. Il y avait même pas de ranked, il y avait rien du tout. J'avais aucune raison de me connecter sur le serveur en fait. C'est ça que je veux dire en fait. C'est pour ça que vous m'avez pas plus vu sur le serveur. J'ai bien aimé parce que ça a ajouté le côté nostalgie. Mais moi pour ma part, j'avais aucune raison d'y jouer en fait. C'est ça le problème. Donc bon, t'avais fait l'ouverture et le live d'annonce. J'avais fait l'ouverture, ouais c'est ça. Pas le live d'annonce mais Ah, pas le live d'ouverture non plus, j'avais fait un live spécial avec eux, ouais. On était invités, il y avait Sifano, il y avait Bichard, il y avait Frigiel, de la commune Minecraft, et il y avait plein de gens, genre il y avait la caca box. Il y avait pas mal de monde en vrai qui était invité dans cette soirée, et c'était cool, tu vois. Mais ouais. Mais moi je trouvais qu'il y avait du potentiel, juste à mon avis, il y a quelqu'un dans leur équipe qui leur a mis sacrément des bâtons dans les roues, je pense, et je pense que malheureusement... Ça a causé beaucoup de problèmes, ça. Question plus sérieuse, tu penses qu'aujourd'hui, se lancer dans le stream, ça vaut le coup ou pas? Car je suis sur Twitch, on se fait écraser maintenant. Rapidement. J'hésite à me lancer, mais vu que je vais perdre beaucoup de temps à cause de mes études, parce que j'ai peur qu'une des deux choses écrase l'autre. Bah ça dépend ce que tu cherches à faire. Si tu veux te lancer pour essayer de monter dans le stream, je ne te conseille absolument pas de démarrer sur Twitch, Kubaro. Et il y a une très bonne vidéo qui en parle de TomTom, qui est un streamer, de ZaTomTom. Tu peux aller regarder sa chaîne YouTube, ça s'appelle Zero Absolute Gaming. Et il a fait une vidéo qui s'appelle Percer sur Twitch et qui explique exactement pour moi le pourquoi des problèmes sur Twitch, entre guillemets. En gros, tu regardes sa vidéo et tu te dis que j'ai exactement le même avec lui, en gros. Merci Titiba, merci Blade et merci LastPack, merci beaucoup pour les 37 mois de sub. Il manque encore en minage pour sortir. Pas grand chose, hein, mine de rien, en vrai. Hein. Je suis loup-garou, c'est ça? Ouais, bah vous savez ce qu'on va faire? On va faire une épée en fer, comme ça, moi je vais me faire ma deuxième pièce de stuff là. Comme ça, au moins, je m'embête pas trop avec les Leaf Sharpness vu que j'en ai déjà aucun là pour l'instant. Je vais pas trop m'embêter. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de Twitch, il y a la TwitchCon de cette année qui a été annoncée. Et autant vous dire que je pense ne pas y aller cette année. Parce que c'est aux Pays-Bas, une nouvelle fois. Et l'aéroport, la dernière fois à Amsterdam, je m'en souviens très très bien. Mais je crois que c'est à Rotterdam cette année. Moi je suis surpris, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une nouvelle TwitchCon hein, cette année, franchement, ça c'est un truc que je comprends pas, putain, Twitch, tu vois, ils perdent je sais pas combien d'argent là, en ce moment ils sont en PLS Twitch, et ils continuent d'organiser des conventions qui je ne sais pas, rapportent, enfin, leur rapportent tellement pas d'argent quoi, c'est un truc de fou quoi. C'est fou quoi. Merci. Tu vas pouvoir sortir tôt. Ouais ça va, en vrai, je suis bien là. Je suis pas trop mal quoi, tu vas faire du P3FR, ouais. Moi ce qui m'étonne surtout c'est pas qu'ils y fassent encore des conventions, c'est qu'ils en fassent encore deux par an en ayant la moitié de leur effectif quoi.
C'est fou quoi. Merci Escalibur pour les 22 mois de sub. Probablement pas de Twitch Rivals Ultimate. Non, mais je pense que les Twitch Rivals, c'est terminé, à mon avis. Voilà, je pense que les Twitch Rivals, il y en a un sur Minecraft qui arrive bientôt, là, qui est organisé par un streamer, et je pense que c'est le dernier, je pense. À mon avis, il n'y en aura plus jamais après, je pense. Ou alors, ça va être très très rare. Donc bon. Après, les streams Valorant, les streams League of Legends, un jour, je vais essayer de tout lui apprendre en 24 heures. Écoutez, si un jour je fais un sub-bâton, ou un autre sub-goal ou un truc comme ça, je mettrai un jour ça en sub-goal. Mais genre, tu sais quoi? Je vais le mettre très très haut. Genre vraiment, le stream sur un stream League of Legends, je le mettrai très 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 haut. Genre plus haut que mon pic de sub. Que mon record de sub. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Tu vois, voilà, je suis tranquille comme ça. J'ai l'impression que ça investit massivement pour quand le stream sera vraiment ultra populaire. Après, moi, je sais pas si Twitch n'est pas déjà à son prime maintenant, là, entre guillemets. Dans le sens où... je pense que c'est compliqué, entre guillemets. Enfin, aujourd'hui, quand on pense au stream, on pense forcément à Twitch. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que faut essayer d'être rentable maintenant, je pense, hein, à mon avis. Pas dans quelques années, à mon avis. Hein. Donc bon. Bon, les gars, un petit gap dans la liste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, il y a 10 loups-garous dans la liste. Je vais vous dire un truc. Soit il n'y a pas d'infect père des loups, soit il y a loup-garou blanc plus solitaire, soit il y a un chien-loup dedans. Et je pense qu'il y a peut-être un chien-loup dedans. Soit il n'y a pas d'enfant sauvage, il n'y a pas de voleur. Mais Bilal qui met 10 loups-garous pour 26 joueurs, c'est immense. Ouais, oh là, en plus la liste est plutôt forte hein, quand même. Hein. Ouais. LG Rolla, LG Color. Alors, nous avons... Alexeus, nous avons Pacherim. Je suis en train d'essayer de la prendre par cœur pour l'instant. Gobiard, Itiraton, Omega, Nimbus. Mais non, je vais pouvoir faire une game sans que Nimbus me trahisse. Magnifique. Alors là. Merci pour ces euros de plaisir. Elle est riche, il me manque. Omega et Tiraton. Donc là, normalement, je suis censé en avoir 10. Hein, si on fait tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Beaucoup de gens quand même là. Hein. Beaucoup de monde là quand même. Hein. Ouais. Beaucoup de monde dans la liste. Hein. Bon, il a fumé, j'espère, Bilal. Hein. J'espère qu'il sait très bien ce qu'il fait quand il met autant de loups. Hein. Parce que là, 10 loups-garous. Wouh! Ça va jouer quoi. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ça va jouer ici. Hein. J'espère qu'il a pas mis d'infect, hein, parce que s'il a mis un infect, clairement, ça va être chaud hein, pour la game là. Elle est OP la liste. Hein. Ouais, elle est un peu forte. Hein. En vrai, je vais pas vous mentir, ouais, elle est forte. Hein. Ouais, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Ouais. Attends, en plus, Lo, elle m'a dit qu'il fallait que je tue Alexeus, hein, parce qu'il devait aller jouer à LoL. Elle m'a dit que je devais tuer qui? Elle m'a dit Alex et Zredrix. Zredrix, ok, je vais aller tuer Zredrix au moins. Comme ça, moi, elle sera contente. Après 4 ans, tu ne sais toujours pas prononcer mon pseudo et ça me fait un peu rire. Cubaru ? Tu peux juste dire Cuba, comme le pays. Et moi, je préfère dire Cubaru, je trouve ça plus stylé, tu vois. Cubaru, Cubaru. C'est moche comme pseudo, je suis désolé. Voilà, je juge ton pseudo, et alors ? Merci, Excalibur. D'ailleurs, je crois que t'as gagné un truc sur le Discord de Crédit Agricole, je crois. J'ai vu tout à l'heure. Hein. T'avais gagné un truc pour le... pour l'event, non ? Je crois. Bien joué, mec. Merci Merce Gravity, extension du territoire. Hier j'ai fait un rêve et tu étais dedans, no troll terrifiant. Ah ouais? Et je faisais quoi? Je faisais quoi dans ton rêve? C'est vrai que les gens qui rêvent de moi, ça me fait peur, hein. Je peux vous mentir. Déjà même moi je rêve pas de moi, alors si vous rêvez de moi, je vais me poser des questions. Hein. Je vous manque à ce point là? Quand je stream pas pendant deux jours, là le lundi et le mardi, je vous manque à ce point là? Ah les Guild Games 2, waouh, le rêve de puant. Bon, d'un autre côté, eh, ça me fait plaisir, ça veut dire que tu l'attends quoi. Ah ça j'aime bien, lire ça. D'un autre côté, ça me fait plaisir. Aïe aïe aïe, imaginez, il a mis voyant de renard, montreur d'ours, salva, garde, à 60. Non mais tout à l'heure, il a dit dans la conversation, il a quand même dit, Bilal, il a dit j'ai fait une compo marrante. Et je vais lui dire, c'est ça ta compo marrante, dit LG. Je vais dire... Je vais dire, c'est ça la compo rigolote de Bilal là? Ah, ça va être très drôle quand les loups ils vont genre tuer absolument toute la game entière. Merci pour le risque. Donc bon, 3 chiens loups, ouais, c'est ça, ouais, il a peut-être mis 40 chiens loups dans la game, on sait pas en fait, hein, c'est peut-être ça aussi. C'est le petit prank en fait. Ah merde, c'est niveau 5. My bad. Je viens de voir que j'ai oublié de reclaquer mon prime.
C'est inadmissible. Inadmissible en fait. Inadmissible. Inadmissible, les gens qui oublient de claquer leur prime là. Inadmissible. Je suis outré en fait. Je suis outré. Ouais, je pense qu'il y a loup-garou blanc et solitaire, je pense, ouais. La compo marrante que des rôles Zarbi, imagine. Loup ténébreux, feutré, alpha, etc. Moi, je pense que non, en vrai, je pense qu'il n'y a que des loups simples. Voilà, je pense qu'il n'y a que des loups simples, pas d'infect pair des loups. Genre, il y a 10 loups-garous simples. En vrai, je le sens venir. Oh, je le sens venir. La compo rigolote. À 10 loups-garous simples, pas d'infect pair des loups, rien du tout, juste 10 LG simples. Ou alors 9 LG simples et un loup-garou blanc. Oh, ça j'aime bien ça. Je la sens venir ça. Je la sens vraiment venir hein, cette histoire. Ça, il s'est fait plaisir la Bilal hein, quand même. Hein. Ah ouais, il s'est vraiment fait plaisir là. Eh ben mon gars. Eh ben. Bah les gars, ça va jouer hein. Putain, j'ai envie de jouer à Mario Kart les amis, c'est horrible. Hein. Ce jeu est en train de prendre ma vie entière en ce moment là, j'ai envie de jouer à ça quoi. Ah, Bilal est en train de me répondre. Il est en train de m'écrire sur Discord. Je lui ai demandé, c'était ça ta compo marrante? Pitié, vous êtes 26, un peu d'indulgence. Il m'a dit. Donc en gros, il a même pas fait exprès de mettre 10 loups-garous. MDR. Ah ouais? Ah ouais, monsieur Mod? Mais on l'a toujours même hein. On l'a toujours le truc que tu me dis là? Parce que mec en vrai je le veux bien hein, en vrai hein. Je vais le donner à quelqu'un hein. 35% Bilal hein. De quoi 35% quoi? 35% quoi, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou sinon tu peux l'utiliser pour toi si tu veux mode hein. Ou sinon mec tu sais ce qu'on fera? En vrai j'ai une idée de zinzin mec. On balancera... En gros, Monsieur Mode vient de me dire qu'il y a un des codes qu'on avait fait gagner à quelqu'un un jour. Voilà, sur un truc en particulier. Qui n'a jamais été réclamé par la personne et apparemment la personne s'en fout, je pense. Donc, vu qu'on a toujours le code, ce qu'on fera, c'est qu'en vrai, le jour où je refais un stream dessus, on balancera le code dans le chat comme ça et au pire, la première personne qui le rentre gagnera le code en question. À 35% de loup, c'est ça que tu voulais dire? Oh, les mathématiques là-haut! Venez en vrai on sort. Venez on va jouer au jeu en vrai non? On essaie de jouer et de s'amuser un petit peu en vrai dans la game non? Qu'est-ce que vous en dites hein? Merde, c'est pas ça que je veux faire. Ça vous voyez quand je chantonne comme ça, c'est un blind test pour la rediffusion. Pour savoir si les gens qui écoutent la rediff vous êtes capables de décrire, de décoder quelle musique je suis en train de chanter maintenant. Oui, c'était Montagne Choco de Mario Kart 64. Wouhou! Eh, c'est ça en fait, on va faire des comment dire, des blind tests pour les gens qui regardent les rediffs sur YouTube. Allez, go faire un blind test. Je suis entouré de modérateurs qui ne jurent que par les maths. Hein. Oui, c'est vrai que dans ma modération, vous aimez trop les maths. Hein. Ça, c'est un truc de fou par contre. Hein. On a vraiment des gens qui adorent les mathématiques. Hein. Bon après d'un autre côté c'est une bonne chose hein, d'aimer les matins. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre ça, tac tac tac. Ça me servira toujours les amis, ça me servira toujours vous voyez. Toujours hein. C'est trop bien les maths hein. Moi j'aimais bien les maths, mais je pense que c'est les maths qui m'aimaient pas, si tu veux mon avis, je pense. Mais moi de moi-même j'aimais bien les maths. Après l'inverse n'est pas forcément vrai quoi, c'est ça le souci. C'est ça le souci. Kill 5 personnes maintenant. Ah c'est vrai que, attendez, c'est vrai qu'il y a la prédiction, j'avais oublié ça. Écoutez. On va faire une bonne game pour vous. Vous savez quoi? Juste pour vous. Juste pour ceux qui ont cru en moi dans la prédiction. Ou pas d'ailleurs. Bon, en vrai je pense qu'on va quand même faire des kills là. Je pense que ceux qui ont voté 1, c'est pas bien de pas croire en moi. Je pense. Il y a des gens qui ont voté 1 dans le chat là? Il y a des gens qui me détestent? C'est ça que vous êtes en train de dire? Y a-t-il des gens qui me détestent dans le chat là? Un kill pas plus hein. Moi je vais essayer de prendre tous les kills que je peux hein. Je le dis hein. Attends, fais tab de spi. Ouais, regarde le tab. T'en penses quoi Bilal? La moitié du tab est rouge là.
La moitié du tabac est rouge là, mon ami. Et c'est pour ça qu'il fallait voter après les rôles. Hein. Bien vu, Manque Salé. Mais toi, tu ne serais quand même pas Elon Musk. C'est pas toi, Manque Salé. This is Manque Salé. 3 kills STP, Uber kill. C'est Uber bagarre en fait. Je dois tuer 3 personnes. Fin de la blague, on arrête là. En ce moment, j'ai plus des cauchemars du Lethal Company de la semaine dernière. Ah, vous avez joué à Lethal Company ? Dans la modération ? Putain, c'est stylé de ouf. Hein. C'est trop classe. C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, regardez ce qu'ils font quand je suis pas en live. Hein. Ça joue à Lethal Company. Vous avez vu, franchement, comment vous voulez que tout ce qui se passe ici soit sérieux ? On t'attend pour Among Us d'ailleurs, Guy. Bon, en fait, le problème, c'est que Among Us Vania, on se fait chier, non ? En vrai, soyons honnêtes là. Among Us sans rôle, sans rien. On dort un peu, non ? En vrai, vous savez quoi ? Un jour, on fera un stream modération et c'est vous qui choisirez les jeux auxquels on joue et on jouera aux jeux que vous voulez. Voilà. Hello, vous avez un bon serveur pour faire des LG UHC ? Parce que bon, il n'y en a pas encore sur UHC World. Je vais aller leur taper dessus là. Hein. Je vais leur taper dessus parce que c'est toujours pas là. Hein. Je vais aller leur taper sur les doigts. Je vais faire oh ! Biu, 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 biu. Choisissez LOL par pitié. Non, non, le League of Legends, je vous ai dit, si un jour je fais un stream dessus, ce sera pour genre un sub goal énorme, un truc abusé, tu vois. Vraiment. Parce que en vrai, bon, j'ai regardé un petit peu le match de la KC de lundi, je crois que c'est, ou de hier, je sais plus, non, c'est lundi. Bon, ne parlons pas de ça, voilà, mais j'ai regardé un petit peu et en vrai. En vrai, je comprends tout ce qui se passe, tu vois. Il faut juste apprendre les persos par cœur. Juste, c'est un MOBA, tu vois. J'ai joué à des MOBA dans ma vie, donc je comprends parfaitement ce que c'est. Donc ça me dérangerait pas d'y jouer. Mais juste, c'est pas mon type de jeu préféré. Et en vrai, j'ai pas spécialement envie d'y jouer. Donc voilà. Merci, wesh. Merci, mon gars. Ouais, par contre, s'il est à la Zilane, par contre. Je suis dans une sauce, mais pas possible. S'il est à la Zilane, par contre. Je pense qu'il le mettra jamais à la Zilane pour moi, Zerator. Parce que s'il le met à la Zilane, ça veut dire que tous les gens qui n'ont jamais joué à LoL sont morts. Genre vraiment. C'est finito, quoi. Faut être fou pour mettre LOL à la Zilane. Tu peux pas rattraper en fait ton retard, hein, entre guillemets, sur les autres. Bon, après, en soi, c'est un peu pareil sur les autres jeux, mais bon, là pour le coup, LOL c'est impossible en fait. Le problème de LOL c'est juste sa commu. Moi je trouve que sur certains points, des fois Rocket League et Minecraft peuvent être pires que League of Legends. Hein. Franchement, moi j'ai. Je vous le dis, hein, j'ai traîné un peu dans la communauté PVP entre 2016 et 2018. Je peux vous dire que. On en a vu des spécimens, hein, franchement. Hein. Des gens qui menaçaient de balancer ton adresse sur internet, toutes tes infos personnelles, etc. Juste parce que tu les as tués en ranked build du HC. Bon, il y en a eu des trucs, hein. Merci, WKIOS. Kaios, pardon. WKIOS, merci mon gars. Vraiment, hein. Je pense que sur Rocket League, c'est pareil, hein. Sur Rocket League, les gars, c'est l'enfer, hein, sur Rocket League, hein. Les gens sur RL sont des singes, hein, vraiment. Hein. En vrai, tu full train de 3 champions hard et il y a moyen que tu fasses quelque chose sur League of Legends. On verra. On verra un jour si j'y joue. On verra un jour si vous voulez lâcher des subs. Mais je veux dire, le jour où je fais un sub bâton, mec, je mets ça. Genre, tu mets ça, mais... Oh, ah bah tiens, il est mort en premier. Il était pas là, genre. Il était pas genre juste là. Attends, on va aller jouer la game, vous savez quoi. Allô. Il était pas là ? Ah non, c'était Moumouli ? Il était pas genre à côté, monsieur Ryan ? Il me semble que je l'avais vu. Bah voilà. Tu m'as redonné mon ticket d'or pour me faire violer. Non, non, pardon. Voilà. Ouais. Qui m'aime ? Cherchons. Ouais. Ouais, bah je crois que tu vas le repère direct, je crois. Hein. Ouais. Oh merde ! Ouais, je crois que tu vas le repère direct, je crois. Hein. Ouais. Ah mais Ryan est mort. Ouais. Oh, Nimbus à côté du stuff. Oh mais Ryan est mort. Non mais alors celle-là. Non. Ryan est mort. Oh, c'est fou mec. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Non. Ah ouais, il est mort tout seul je pense. Abusé Nimbus. La vie. Mais vous avez trouvé le stuff ou pas? C'est un Nimbus raciste. Non mais j'ai dit qu'il y a le stuff à côté. Je sais pas, c'est Sam qui a dit qu'il était mort par là. Mais c'est pour ça que j'ai pas. C'est pour ça que Sam il a dit ah mais c'est Nimbus alors que je comprenais pas ce qu'il disait. Ouah mais Nimbus hein. Nimbus oh, mais tu fais faux, ça, tu fais ça aux gens qui sont pas belges. Tous les gens qui sont pas belges, tu vas les tuer comme ça dans la game.
Mais moi je suis belge, moi, tu savais pas? Non, en vrai, moi, t'es belge? Par là, ça, moi. Ouais. Regarde, ouais, tu veux que je dise un mot, une phrase en belge? Vas-y. Je suis loup-garou une fois. Tu sais que tu m'as envoyé un message avec une fois à la fin de ta phrase, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? mais c'est parce que des fois j'écris juste une fois, mais genre normalement dans la langue française, bah quoi, ouais, tu vois. Ouais, genre, je veux dire. Je l'ai lu, j'ai compris une fois. Ah, vraiment, hein? C'était terrible. Ah ouais, non, mais. Pas mal, non? Les frites, c'est bon une fois. Non, là, ça, c'est, là, c'est. Là, c'est. Là, c'est. Vraiment. Non, non. Là, c'est too much, quoi. Bon, bon, je suis loup-garou, je te fume. Hein. Oh non, 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 non. Mais non, je rigole. Faut savoir jouer des apparences. Quelle apparence même. Hein. Parce que t'as ton masque là. Bah ouais, c'est mon masque de pyromane. Ça m'a fait mal par contre. Bah oui, normal, j'ai le strength, comme toi. Ah ouais? Non. Je... Ah ouais, mec. Je pense qu'il y a un chien loup dans la game. On va essayer de trouver qui est chien loup. En vrai, mec, faut que je te dise un truc. Hein. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Faut que je te dise un truc. Hein. Mais bon, je vais. Je sais pas si je peux te faire confiance ou pas. Bah, je sais pas. Bon, ouais. Écoute, tu sais quoi? En vrai, il y aurait pas de chance que ce soit le cas, mais bon, on verra. Il y a potentiellement un chien loup dans la game. Non, jure. Comment tu sais ça? Bah, j'en sais rien. Voilà, il y a peut-être un chien loup dans la game et. T'es citoyen, genre? Non, non, je dis ça pour une raison particulière, tu vois. En gros, genre. Il y en a peut-être un dans la game, mais je suis pas sûr, faut voir qui c'est, tu vois. Mais. Ok. Je sais pas comment tu peux sortir cette info, à part si t'es vraiment ça. Bah non, non, je suis... Ah, c'est pas compliqué, quoi. Je comprends. C'est never passé pour le chien loup. Bah, c'est pas compliqué, je pense qu'il y a un chien loup dans la game et que... Ce chien loup, il a peut-être pris, genre, villageois, tu vois. Mais comment tu peux savoir ça? Bah, je... Voilà. Je fais passer pour que ce soit moi, en vrai. Je vais faire le bordel dans sa tête. Bah, tu comprendras. Ok. À moins que ce soit lui. En vrai, si c'est lui, c'est incroyable. Bah pour moi, il y a que la possibilité de citoyen ou... Mais il était quoi, Ryan, du coup? Parce que j'ai pas eu le rôle, moi. Ah bah, j'ai pas. Moi, il était... T'as pas eu le rôle, t'as pas eu le rôle non plus, toi. Mais non. Mais vous m'avez pas vu, je suis sorti d'une bulle d'AFK juste à côté de vous. Je vais tellement me faire passer pour le chien loup, en vrai. Mais tellement, mec, je vais tellement me faire passer pour le chien loup, je vais jouer une game tellement différente. En vrai, c'est un bon rôle, chien loup. J'aime bien. T'as pas des diamants rab? Non, non, du coup, non, j'en ai pas. J'en ai zéro. Et toi? Bah ouais, j'en ai deux. Bah regarde mon stuff, j'ai deux pièces, hein. Regarde. Ah, on sait jamais, hein. Bah non, 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 j'en ai pas plus, hein. Malheureusement, En vrai, je pense que je peux te faire confiance, vu ta réaction à ce que j'ai dit. Ah ouais? Bah oui, parce que si t'étais loup-garou, tu m'aurais dit bah non, tu peux pas... Enfin... En vrai, je sais pas. Je sais pas si tu vas comprendre. Là, non, là... Je comprends rien. Je suis pas très malin, hein. En gros, je pense que t'es villageois, parce que si t'étais... loup-garou... Bah, tu aurais peut-être vu que c'était... Enfin... Ah, je sais pas comment te le dire sans me dévouer, quoi, mais en fait, tu comprends, quoi. Je suis en train de fucked up sa tête, là. Bah, c'est toi, Charlot, passer... alors. En gros, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre sans me dévouer, quoi, oui, en gros. Ah bah en gros, c'est ça l'idée. Voilà, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre sans me dévouer. Mais du coup, vu ta réaction, je pense que du coup, tu n'es pas LG, en gros. Ah, mais c'est incroyable. C'est pour ça que j'espérais que tu ne le sois pas, pour te faire comprendre ça, en gros. Ok. Ah, mais trop bien, en vrai. Oh, on a un groupe qui est fort, en vrai. Hein, pourquoi? Bah parce que du coup toi t'as force le jour, c'est ça non? Ou la nuit? Non non, j'ai tous les pouvoirs des loups, j'ai force la nuit. Du coup c'est bien quoi. Bah oui c'est pas mal. Eh les gars, je vais me foutre de sa gueule, j'ai trop hâte de voir sa réaction, regarde. Je vais voir son jeu d'acteur, ça va être incroyable. Ah et Bastet. Il est un peu bizarre en bourse. Bah j'espère juste que t'es pas loup-garou quoi. Bah en ah vrai, merde, pour moi, j'ai oublié d'activer le caption. Une seule autre façon que tu connaisses des rôles dans la compo. Ah bah non 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 mais j'ai pas regardé la compo ou quoi que ce soit. Mais en plus je te mais non mais pas en regardant la compo mais... Y'a qu'un rôle qui est possible pour que tu comprennes... des rôles quoi. Non mais ce que t'as dit tout à l'heure c'est... Ah t'as trouvé mon rôle? Oui il a trouvé mon rôle. Bah, il m'a dit un truc et... Bah, oui en gros, il a trouvé mon rôle ouais. En gros, enfin à peu près. Mais j'ai pas envie que ça s'ébruite disons. Parce que lui je pense... Faut voir. Il est peut-être pas méchant mais faut voir. T'as dit un truc et il a compris ton rôle. Ouais. Et pour qu'il comprenne, vu sa réaction, je pense qu'il est pas loup. En vrai, hey, je joue d'une manière spéciale, mais en soi, j'aide mes teammates parce que je dis que Nimbus n'est pas infiltré. Enfin, je dis que Nimbus n'est pas loup, donc en soi, j'aide ma team.
Oh putain, la façon trop bizarre de jouer. Hein. Bon bref, hein, bah, j'espère que en tout cas tu vas pas me baiser en tout cas, mais bon on verra. Hein. Bah non, de toute façon, est-ce que j'ai déjà été trahison max dans une game? Oh, vu ta réaction dans cette game, je pense que je peux te faire confiance sur le fait de te l'avoir dit quoi. Parce qu'en vrai, j'aurais été vachement con si genre, je le disais à un loup et que ça leur arrive dans leurs oreilles. Mais en fait, je pense que malheureusement, ce rôle-là, il faut que... Enfin, j'en parlais avec le chat là en cave, mais il faut qu'en fait, j'en parle avec une personne, entre guillemets, qui soit genre mon complice ou mon allié, entre guillemets, tu vois. C'est ça le truc. Parce que je peux être trop facilement attaqué en fait par le village sur ça. C'est ça le problème. Et personne peut me croire. Hein. C'est ça le problème. Mais c'est pour ça que Sam il est bizarre avec toi. Peut-être qu'il a un rôle info et que... Ah je sais pas du tout. Merci Batman Geeker. En vrai là pour les rôles... Enfin, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le rôle. Là je suis sûr que dans sa tête il est vraiment en train de se dire putain il est chien-loup, je vais lui retourner le cerveau. Il cap comme si t'étais LG quoi. Bah oui c'est ça, s'il a un rôle info, en gros je vais être greux quoi si je joue au centre. Voilà. S'il y a un montre d'ours. C'est l'idée quoi. Donc voilà. Bon, en vrai, je suis chaud qu'on reste à deux parce qu'en vrai, du coup, je pense qu'on n'est pas trop mal si on se fait attaquer la nuit. Ah bon? Pourquoi? Ah oui, t'as un effet qui est bien la nuit, toi? Merci pour ces euros de plaisir. I'm just gonna say this, I fucking miss you and we need to play something together. Yeah, I totally agree. When you want, what you want. Mais c'est bizarre que Sam ne veut pas rester avec toi. But not League of Legends, please. Tu veux rester tous ensemble. Merci Dark Rizix, merci beaucoup. Ouais. J'avoue que... Bah après là je viens d'arriver au centre juste avant toi, hein, dis-toi. Quand Ryan s'est fait fumer, en gros. Putain, t'es vraiment un bâtard. Hein. Bah non, j'arrive au centre et j'arrive qu'à pour aller à FC et je suis revenu et du coup on m'a direct laissé en mode c'est toi. Force la c'est vraiment trop broken ce rôle quand tu prends. Pas. Je connais pas pourquoi il me disait c'est toi et j'ouvre le chat, je vois que Ryan est mort. Non mais en vrai, ce rôle-là, prendre villageois c'est débile, on est d'accord. Enfin là je veux dire j'ai force l'agneau en étant villageois, c'est complètement broken. Bah c'est super fort mais du coup là Sam à mon avis je pense qu'il a pris un rôle à info et il comprend pas pourquoi tu dis que entre guillemets je suis pas loup et que il faut qu'il joue tu vois. Enfin, ah peut-être hein. Parce que... Il a l'air vachement méfiant tu vois. Ah peut-être qu'il a compris que j'étais loup direct. Je sais pas s'il est toujours méfiant sur le fait que Ryan est mort et que je sois arrivé comme par magie. Peut-être. Oui moi je pense que c'est ça en vrai, je pense que c'est ça, il a peur que... Mais bon. Que tu sois loup je pense à mon avis. Il me voit vraiment attaquer à 50 minutes. En vrai, tu serais capable, hein, mais bon. Ou alors, c'est un mec qui est invisible, hein. Ah, les ravages de LOL encore une fois derrière, hein, vous entendez. Jure, LOL joue à LOL. Bon. Jure. Après, le mangueul, elle me dit mais tu fais trop de bruit, les voisins, machin. Mais. C'est pire, hein. C'est pire que moi, hein. Imagine même pas. Mais je pense que tu dis vrai, du coup. Que t'es vraiment chien loup village, oui. Sinon tu m'aurais démoli ma mère je pense. Pourquoi? Bah parce que si t'étais loup et que tu baitais sur un truc ou je sais pas quoi. Bon tu m'aurais peut-être pas tué vu que ça mais... Bah... Ils nous ont vu mais... Ah bah oui si j'ai... Ah mais oui ok si j'étais loup... Non en vrai je t'aurais pas attaqué aussi toi. Si j'avais été vraiment loup. Non pour le coup non. Non je t'aurais pas attaqué. Ok. Puis ça se trouve t'es genre loup et en fait Oh marchand de fruits. Ouah, marchande de fruits. Non, c'est une dinguerie. Non, attends. Oh, mais attends. Ça, c'est le déjà, rôle de fou, ça. Hein. Si t'es vraiment ce que tu me dis, il y a déjà deux rôles what the fuck dans la compo. Non, mais... Bah, je sais pas combien il a mis de loup-garou. Mais en vrai... Attends, mais... Je viens de penser à un truc que t'as... Une réaction que t'as eue tout à l'heure quand je parlais des loups. D'accord. Quand j'ai dit qu'il y avait peut-être un chien loup, t'as fait... Non sans blague ou un truc comme ça t'as fait. J'espère que t'es blague. Pas loup et tu me la mets pas à l'envers en mode... Non sans blague. Ouais t'as dit ça ouais, j'espère que tu me la mets pas à l'envers en mode tu sais qu'il y a beaucoup de loup dans la compo et du coup ça t'a pas étonné que je te dise ça. Oh si c'est ça je suis tellement mort non, direct. Je sais même pas pourquoi j'ai dit non sans blague. Oui c'est ça oui. Je serais quand même pas de me la mettre à l'envers hein, Nimbusito. Bah non. Bah de toute façon dans tous les cas écoute c'est un peu pile ou face hein. Ah oui bah oui. Après, je sais pas si tu fais encore les vieux baits de chien loup, tout ça. Je sais même pas si c'est dans la compo, tu vois. Ça tombe, t'es juste un rôle méchant et tu veux déjà te claim ça pour que je t'attaque pas si jamais j'ai un rôle info, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En soi, ça serait une bonne strat en soi. Oui, parce que tu vas quand même vite avouer ton rôle, tu vois. Parce que, en gros, on en a parlé en cave avec le chat et on s'est dit direct. Que en fait dans la manière dont je souhaite jouer ce rôle, j'ai besoin d'avoir un allié de confiance et un complice.
Sauf que le problème, c'est que je sais que si en fait, ouais, mais t'es là, en fait, oui, c'est ça. Mais dans la stratégie que j'ai mise en place, il faut que je le fasse, en gros, dès le début. Mais il faut que je le fasse avec une seule personne. Le problème, c'est que si je le faisais avec Sam ou Moumou, l'info allait tourner instantanément. Si je le fais avec Gep, l'info tourne. Donc pour moi, t'es entre guillemets la seule personne où je peux le, où je pouvais faire ça. Peut-être avec Luzord aussi, mais Luzord va rester avec Omega. Donc en soi, c'est pour ça que je l'ai fait avec toi. Putain, c'est dur l'impro là. En fait, c'est aussi parce que moi je reste triple sur le, l'idée que potentiellement Sam, vu que t'étais avec avant, il a un rôle à info et que du coup il dit à Moumou, viens, on va parler parce qu'il pense que t'es méchant, tu vois. Peut-être. Ah, je sais pas trop quoi penser. Peut-être. C'est difficile, Ougarouge, c'est vrai. Ah oui, hein, c'est difficile, mon gars. C'est dur d'improviser, j'improvise un faux rôle alors que je... En vrai, ça va être trop drôle quand il va voir la rediff et qu'en fait il va juste voir que je suis doux avec lui, ça me... Par contre, ça se trouve, c'est lui le chalou. Si tu mens ou pas, c'est trop bizarre. Non. Ils sont vraiment là. Oui, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Gap vous cherche parce qu'il veut vous... que vous vous expliquez. Qu'on s'explique hein. Ah oui, bah, qu'on s'explique. Sam, mais tu vois, mais je pense que... Non mais c'est Sam, parce que... Oui, Sam et Moumou sont arrivés au centre et on dit que vous étiez pas loin du stuff. Bah après, je veux pas mentir que Sam et Moumou sont arrivés sur le stuff avant moi quand même. Moi j'étais derrière eux, donc bon, faudrait quand même un peu arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et Nimbus est arrivé de l'opposé hein, pour le coup. C'est pour ça qu'ils vous attendent, parce que justement il y a Sam et Moumou qui ont dit stuff. Vas-y, viens, si tu veux. Non, mais nous on l'a pas vu, c'est Sam qui l'a vu le stuff. Oh, c'est Drix, je vais te tuer ton micro là. Ah, par contre, du coup, si t'es vraiment ce que tu dis être, oui, tu vas te faire attaquer instant, je pense. Ah bah oui, hein, je pense aussi. Hein. Bon, nique, hein. Au pire, écoute, pas de chance, hein. Pas de chance. En vrai, je suis dégoûté si je me fais attaquer alors que j'ai ce rôle pour la première fois. Mais pourquoi vous racontez des conneries au centre, là, Moumou, là? Moi je donne juste mes... Mais qu'est-ce que... C'est quoi ta version des faits? La version des faits en question, 2 points, on est... J'étais derrière vous quand vous êtes arrivé sur le stuff. Bah derrière nous, oui. Bah c'est pas toi du coup. Bah alors pourquoi vous dites que moi et Nimbus on est à côté du stuff? Ah non, juste Nimbus. Ah bah c'est pas ce qu'on nous a dit, hein. Je ne savais même pas qu'il y avait du stuff près de moi. Il était vous, mais... Ah oui, non mais votre info alors elle a diversé, parce que nous c'est pas ce qui est arrivé dans nos oreilles, hein. Non, bah, moi j'entends qu'on nous accuse, moi et Nimbus, donc je suis en mode ok, d'accord. Non, Nimbus. Surtout que moi, Vimpos, il m'a dit que... Non, je le save pas, je le save pas, Nimbus. Juste en gros, il a trouvé mon rôle et au vu de sa réaction, je pense qu'il n'est pas loup, pour une certaine raison. C'est que je pense qu'il aurait pas réagi de la même façon s'il était loup, en fait. Il l'aurait... Il... Enfin, voilà. Mais je pense que c'est ce que je t'ai dit, hein, Gil, pour Sam. Ça peut pas être un... Oui, je pense. C'est quoi votre version des faits? Bah, je pense. Bah, juste, moi, je suis arrivé... On a vu Ryan mourir, j'étais derrière Sam et Moumou que je voyais avancer, donc je me suis dit, bah, je vais les suivre. Et ils disent, oh, il y a le stuff là, et il y a Nimbus à côté. Effectivement, Nimbus est arrivé, mais pas au même endroit. Genre, en mode, imagine. Il y avait même pas de stuff, en vrai. Imagine, le stuff était genre là, par exemple, tu vois, nous, on a même pas vu le stuff. Nimbus est arrivé, genre. De là, en gros tu vois, il venait d'arriver du bord de la Rift Forest, mais il arrive par là, tu vois ce que je veux dire, donc il arrive même pas du bon côté du stuff entre guillemets. Donc mais après je le défends pas, mais juste en mode il arrive même pas du bon côté quoi. Donc Tu sais que là il y a deux théories qui tiennent la route, l'histoire de Sam et l'histoire de l'invisible là dont t'as parlé. Oui moi je pense c'est un invisible qui l'a fumé, Et un voyou qui veut choper de la résistance aussi. Peut-être oui, peut-être que c'est ça aussi. Oh putain, s'il a mis voyou, je le déteste, hein, Bilala. Bah, vu la compo, moi, déjà, vu la compo, j'ai envie de fortement. J'ai une question. Bah, déjà. Est-ce qu'il a vraiment mis la marchande de fruits? Oui, s'il a parlé, oui. Mais déjà, quand tu vois mon rôle. C'est sûr, certain. Déjà, quand tu. Alors, déjà, j'aimerais savoir, Gil, ce qu'on t'a dit. Rien de spécial, j'ai une question. Pourquoi t'es une épée en enfer là? C'est quoi ça? Parce que j'ai fait deux pièces à la place. Mais c'est quoi cette. Parce que j'avais pas de sharpness en fait, de leaf sharpness, du coup, ça m'a saoulé. C'est vraiment bizarre ça. Bah, oui, si tu veux. Suspect. Alors. Si tu veux, pour le coup, vraiment, si tu veux. Vraiment, j'avais la flemme de chercher des livres Chartes 10 ans, j'étais en mode, en vrai, j'ai envie de faire une pièce d'âme, c'est tout quoi, mais si tu veux, oui. C'est comme non, tu veux. C'est statistiquement improbable. Non, en vrai, ça m'arrive de le faire, genre deux fois par an à peu près. Ouais, environ. Deux fois par an, les deux games où t'es en couple avec quelqu'un et du coup, tu vas pas te faire. Par exemple, exactement. Non, mais en gros, là, ce qui s'est passé du coup, apparemment, Sam et Moumou ont dit qu'on était sur un stuff ou je ne sais quoi. Alors, moi, déjà, je suis derrière eux à ce moment-là quand ils arrivent à trouver un stuff que je. Non. Alors bah, nous c'est ce qu'on nous a dit. Il y a pas eu mention de toi. Alors nous on est venu nous voir là, c'est Tomsko et Zodris qui nous ont dit Gap vous cherche pour que vous expliquiez parce que vous êtes arrivé avec Nimbus sur le stuff. Il y a une information très professionnelle. Ah oui, je pense parce que franchement ils ont pas dit sur le stuff. Nous il se passait quoi? Moi je vois Ryan qui meurt, donc je suis là, je vois Sam et Moumou en vain. Et surtout que en fait de base moi j'ai confondu Moumou avec Ryan. Je croyais que c'était genre Sam qui avait tué Ryan. Donc je suis en mode attends, je vais retrouver Sam pour voir où ils sont quoi. Et là ça me dit, ah il y a le stuff là.
Donc je me dis ok. Attends, mais et il dit ah y'a un Nimbus qui arrive, bah c'est lui. Mais Nimbus arrive genre de l'autre côté de la roue, tu vois ce que je veux dire. Genre ouais, le stuff est imaginons ici, Nimbus arrive genre de là-bas quoi en fait. C'est toi qui as récupéré le stuff du coup ou pas? Mais non, mais on a même pas, mais on a même pas vu le stuff, on l'a pas vu on du tout en fait. Mais c'est genre Sam qui arrive de l'opposé du stuff. Et parce que Sam, j'ai entendu sa voix qui dit y'a le stuff là à gauche et je vois Nimbus qui arrive à droite. En gros. Ah ok. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois Nimbus qui arrive littéralement de là quoi. Et surtout que le stuff je ne l'ai pas vu, donc si ça se trouve il est sous les arbres. Et moi ce que je pensais. Le stuff on l'a trié. Mais il était où? C'est plutôt Sam, il était proche du stuff. Là où il y a la rivière, il y a un. La première personne. La première personne à avoir vu le stuff c'est Sam. Mais ça ne peut pas être Sam qui a pris le kill puisque je l'avais dans mon champ de vision. Il était avec moi et Momo. Non, moi je pense que c'est un invisible qui a pris le kill. Voilà, je pense que c'est genre le persil. Nimbus justement, il a pris le kill, il s'est mis sous les arbres à l'opposé. Franchement, honnêtement, ça. C'est pas pour le défendre ou quoi que ce soit parce que j'en sais rien. Même si en vrai j'ai ma petite théorie sur le fait qu'il est safe. Parce qu'il a trouvé mon rôle et vu sa réaction, un loup ne réagirait pas comme ça. Il a trouvé ton rôle, c'est bizarre ça. Oui, en fait parce que j'ai dit un truc et. Enfin il a pas trouvé mais genre il a un peu émis une suspicion. Et au vu de sa réaction entre guillemets à ce moment là, pour moi il est pas loin. En fait je peux pas vous expliquer, vous comprendrez plus tard. Mais surtout vu qu'il est arrivé de l'autre côté, qu'il est arrivé sans abso, sans rien. Pour l'avoir déjà vu jouer, ça m'étonnerait qu'il fasse ça, tu vois. Mais après, ça se trouve, je me trompe et c'est vraiment lui qui a pris le kill. Et dans ces cas-là, c'est bien joué. C'est le genre de joueur qui, dès qu'il faut attaquer tôt, il le fait, il hésite pas. Il prend les occasions. Nimbus, t'aurais tué Ryan comme ça? Tu n'aimes pas Ryan? Pas aussitôt quand même. T'es raciste? Ça dépend ton rôle. Si t'es un ange gardien ou un voyou, tu l'aurais fait. Si t'as tué Ryan, je tiens à te remercier, comme ça je ne tue pas le premier mort. Merci. En plus, il a dit direct que t'allais le tuer. Nimbus, tu l'aurais fait si c'était loup avec une liste de merde ou alors un rôle solo qui cible Ryan. Oui, je suis d'accord. Oh putain, ça, tu peux être tellement rôle solo, mais oui, en fait. Un voyou, tu es ange. Tu es ange et c'était ma cible. Oh, mais oui, ça peut tellement être ça en fait, j'ai même pas pensé à ça. En tout cas, moi je l'ai enlevé la possibilité qu'il soit loup, mais si ça se trouve, il est rôle solo, ouais. Bah en plus, la théorie du voyou, ça peut être pas mal, hein, vu qu'il y a la marchande de fruits et tout, des trucs chelous. J'ai pas le rôle pas encore. Ça fait deux fois que j'ai pas le rôle. Il est On n'a pas eu beaucoup de jours là, The Guild. Bon, pour moi, oui, après, on s'est vu que nous deux et les deux autres qui étaient un peu distants avec nous, quoi. J'ai une théorie aussi, attends. Non, restez ici parce que les gens concernés sont juste là. Ouais, si tu veux, vas-y. Il y a eu l'exposed. Mm-hmm. Bah, et on était dans le groupe du mec qui s'est fait expose. Mm-hmm. Et au moment. Ah bah. Oh, replay de jumeaux. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, au moment où il y a eu l'exposed. Je voulais pas que tu le dises parce que Guild, il a toujours pas eu un seul rôle. Ouais, là, je l'ai eu. Bah oui, tu l'as eu du coup. Bah oui, je l'ai eu, tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi, moi? Genre, je peux pas inventer, tu l'as eu toi? Bah oui. Ouais, comment je le sais ça? Bah oui. Ah bah oui, d'accord. Parce que t'es rôle solo maintenant. Enfoiré, va. Après, t'as pas eu le premier rôle non plus, hein. Non, j'ai pas eu le premier. Mais du coup, Gap, explique la. Oui, vas-y, pardon, oui, excuse-moi. Du coup, ouais, il y a eu l'expose sur le mec. Et après, il y a Tomsku qui s'est approché de lui et qui était en mode. Puis au bout de quelques secondes, il était en mode, ok, je te fais confiance. Ouais. Et donc, est-ce que c'est pas deux loups qui font semblant avec l'expose du coup de. Qui Tomsko ainsi que le mec qui s'est expose donc Redrix. Non, là, moi je pense qu'il peut être Renard et il a spec parce que les deux se connaissent et jouent ensemble là, mais les deux se connaissent plutôt bien. Donc je pense que Redrix aurait pu être Renard, le spec, du coup Tomsko a eu l'info. Ah mais attends, mais il a l'info que s'il est loup. Ouais mais justement, une des théories que j'ai c'est effectivement qu'il l'a spec et du coup il comprend pourquoi il est resté avec depuis 5 minutes. Ah ouais, c'est ça, du coup il est peut-être Renard du coup. C'est possible aussi. Moi, le fait que tu fasses c'est comme s'il avait reniflé, tu vois. C'est juste quelqu'un de pas très discret, du coup. Toi, quand tu renifles une odeur, tu fais Ça prend 5 minutes à renifler, Nimbus. C'est le nouveau, ouais. Ça sent bon, là. Et tu peux pas l'avoir reniflé sur le coup. Ça sent le gras des frites belges. Oui, les frites McDo sont meilleures chez les frites belges. Ça, c'est quand même un truc que. Ah, bah bien sûr que les frites McDo sont meilleures des frites belges, ouais. Il abuse, par contre. Ouais, voilà. Moi, je prends des potatoes, perso. Mais personne t'a demandé. Et oui, je suis. Par contre, les loups, ils se font plaisir là. De la game. Et si on allait voir au centre là, parce qu'il va bientôt y avoir les greux. Si on allait voir au centre, tiens. Montre d'ours avec jumeaux. S'il me demande le rôle, je suis mort. Je viens de capter, mais s'il me demande le rôle, je suis mort. Il y a tout le temps montre d'ours vu que c'est bien. J'ai dit les loups se font plaisir. Je vais dire un truc, Gep. Je pense qu'à un moment, Gil va se faire attaquer par Sam. Et ce sera pas pour une bonne raison, quoi. Parce que voilà, c'est pour ce qu'il vient de dire, en gros, par rapport à mon rôle, en gros. Ok. Ah oui, toujours plus, par contre. Mais non, mais je peux pas dire, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Toi, tu t'as compris, toi, mais tu veux que j'y fasse quoi? J'y peux rien, moi, si t'es genre 3000 IQ et t'as compris direct.
Bah ouais, au bout de quelques vidéos, je commence. À force de quelques vidéos à monter. Salut, vous avez pas d'infos visiblement ouais. Faut pas un groupe de 4 en vrai c'est... Y a beaucoup de loup dans la game Nimbus, t'inquiète. Check dans ta liste de loup là, dis-moi. Attends, attends, je fais ça. Combien y'a de loup là, dis-moi, on peut réduire les groupes ou pas? Au moins 12. Ok, ok. Attends, viens, on va leur demander, viens. Eh les gars. Les gars, vous pouvez nous dire genre de, s'il y a beaucoup de loups ou pas là dans la game hein, pour savoir s'il faut passer en groupe de 4. Oh les groupes. Toi le fameux exposé de. Là c'est bon, on entend. C'est moi, nickel. Effectivement. Ok merci, ah, c'est qui Bilal je pense. Bilal, y'a beaucoup de loups dans la game ou pas pour ça? J'en ai mis 1000. Ah 1000 oui. Bon c'est groupe de 2 alors hein. Bah, ouais, bah non, groupe de 1 on fait un FFA. Ah, bah je pense hein, enfin FFA hein. Mais toujours plus. En fait je sais pas si, si on doit mettre groupe de 4 ou pas. Parce que là les loups sont plaisir. Bon j'attends 30 secondes et je gap parce que j'ai moins 3 coeurs. Par contre réfléchissons, quels sont les noms qui étaient pas au centre? Totoma et Tiraton ce qui paraît. Totoma ouais. Mais l'assassin aucune info. Mais Sam aussi moi c'est ça qui me trotte dans la tête. Ah c'est vrai, non, Sam t'as raison. C'est Sam qui sort l'info par rapport à... Ah merde. Ouais mais il sort aussi l'info qu'on était sur le stuff tu vois. Il incrimine ouais, deux ouais. Personnes sans trop de raison tu vois. Mais bon. Vous m'en voudrez pas hein. De quoi? On voudrait pas, mais je gape juste. Ok. Moins 3 c'est trop coeurs. Bizarre de dire ça. Bizarre l'ambiance! J'avais moins 3 coeurs. M'en voulez pas, mais je gape, mais on s'en t'aurait rien dit. On t'aurait rien dit. Bon, m'en voulez pas, les gars, mais je vais taper. Hein. Mais m'en voulez pas, mais. Ok, bah attends, je vais taper. Je t'aurais rien attends, dit, hein, bro. J'ai tapé. M'en voulez pas, mais j'ai eu d'infos, Guilly va mourir. Ah, dans pas longtemps, là, je vais me faire attaquer, je pense, dans pas longtemps. Attends. Après faut voir. Hein. Oh putain. Aussi, on l'a vu qu'une mec. Fois. Parce que vous, ouais, il y a le groupe Omega oh. Du Zord. Oh, si, Alcamir, oh, si. J'ai pas vu. Oh, Alexis, j'ai pas vu. Caryu Fox, j'ai pas vu. Tu sais quand Dos Redrix il est venu vers nous. Quoi? S'il est vraiment renard. Ah oui, toi t'es. Ah bah oui, surtout que toi en plus t'es le streamer, c'est fini hein. S'il est vraiment renard, je suis finito. Hey. MDR. Ça, c'est des renards finito là. Bah t'inquiète. T'inquiète. Franchement, t'inquiète. T'inquiète, ce que tu dois retenir c'est que je vais me faire attaquer mais pas pour les bonnes raisons. Enfin c'est-à-dire pas pour les... C'est pas une question de bonnes raisons, c'est... Ah. Ce sera pas Légitime. Voilà, c'est ça l'idée en gros, je pense. Ah. D'accord. Et c'est, pour ça que je pense, et c'est pour ça que je pense que Nimbus n'est pas loup en fait. C'est pour ça, si t'as compris un peu Chérim, c'est pour ça. Du coup je pense avoir compris ton rôle. Ouais, bah sûrement hein, je pense ça. Hein. Mais du coup c'est pour ça que je pense que Nimbus n'est pas loup. Ah, c'est une réaction de tout à l'heure quand bien, il a compris ça. Trop bien, attendez-moi okay. Merci la team. C'est sûr que c'est fort probable. Mais c'est vrai que Grep il a raison. Si j'avais été voyou ou ange, j'aurais attaqué tôt. Mais... Bah oui, du coup tu comprends pourquoi je dis que je suis finito là, si jamais. C'est trop là. Je comprends pas trop pourquoi ça m'a réagi comme ça. Si t'es vraiment le rôle que je pense, franchement on peut faire un carnage tous les deux. Hein. Bah moi j'ai un bon effet quoi hein. En gros hein, c'est un peu ça l'idée hein. C'est que ce rôle est un peu broken que... un peu trop fort je pense hein. Attends, à mon avis tu l'as deux jours aussi. Non j'ai que la nuit. Okay. Ah non j'ai que la nuit moi bien sûr. Mais c'est mais moi je peux avoir un rôle qui peut être très fort aussi hein. Non jure. Salut ouais. L'équipe vous avez pas vu Tiraton et Totoma? Si ils sont méchants. Ah ils sont méchants. Oh, non, ceux qui ont tué mais... c'est eux qui ont tué le... Ils ont tué les jumeaux quoi. En pure chilling. Et comment tu sais? Et le groupe d'Omega, vous l'avez vu ou pas? Les gens les ont vus à côté de... Le en vrai, Nimbus, s'il est LG blanc, ça me fume de rire. C'est tellement okay, possible qu'ils soient LG blanc. Non, mais ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus aussi. Allez, en vrai, allez. Question Nimbus, tu penses que... En vrai, là, on a forcément croisé des loups. En vrai, depuis le début de la game. Bah oui, on a forcément croisé. Tu penses qu'ils ont déjà compris ou pas? Non. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Et je pense merci que mec. Sam a peut-être compris si... Attends, je vais gaper, c'est pas contre vous. C'est moi j'ai peur que... Ouais. C'est pas contre vous, mais je vais gaper. Je pense que Sam a compris et que s'il est pas bête... Je pense qu'il a compris s'il est pas bête, ouais. Ok. Ça va, toi? Salut, ça va? Ouais. Ça va, G.O.B. Yard. Vous êtes soupçonné, quand même, donc... Ouais, bah ça y est, tu nous as pas vu toute la game, tu dis ça. Non mais moi je fais que relayer, je... Tu relais qui? Je relais auprès de tous ceux que je croise, enfin surtout le groupe... Vous avez des infos sur la mort de... Bah Sam et le groupe juste là. Ouais, ce groupe là, on l'a pas vu, ouais. Je t'ai dit, je vais vraiment me faire attaquer, hein, c'est ouais, sûr. Ouais, tu vas te faire attaquer. Moi, j'attends le moment là. Moi j'attends le moment là où je vais me faire attaquer là. Là c'est...
Je l'attends là. Ça va bien toi. En vrai, mec, tu vis ta meilleure game. J'ai peut-être une strat. Vas-y, dis-moi ta strat. Mais attends. Attention, groupe. En vrai, ça pourrait être une bonne chose que tu te fasses attaquer. Hein. Bah non, pas trop. Hein. Bah si, ça permettrait de claim des trucs, mais bon. Bah ouais, mais le problème, c'est que... Si je me fais attaquer, et je vais dire... Yo les gars, je suis loup, mais en fait non. Ils vont pas me croire, hein. Non, à mon avis, ils pourront jamais, je pense. Ah oui, ils vont me fumer ma mère, hein, je pense. Hein. T'as confiance en Chérim? Pas du tout, mais j'ai aucune info. J'ai rien. Ah. Moi, je flippe ma mère, ça se trouve, je parlais à deux loups depuis tout à l'heure, j'en ai aucune idée, tu vois. J'en ai aucune idée. En vrai, moi, je proposerais un truc. Ouais. Tu vois, la théorie de Gab comme quoi, il y a un mec qui est venu près du gars qui s'est fait expose, et qui lui a dit qu'il a fait « t'es safe, toi, non ?» Ouais. Imagine, c'est la théorie que ce soit tous les deux des loups. Moi, je proposerais que tu prennes à partie le gars qui s'est fait expose, et que tu lui fasses ton 200 IQ trahison max, et que tu vois s'il est loup ou pas. Mais il est renard, pourquoi je vais attaquer? Mais c'est trop bizarre ce que tu dis, pourquoi je vais attaquer le renard? Mais non, le gars qui s'est fait expose, qui est sûrement le Gorgrim. Bah oui. Tu vois, la théorie de Gap c'était qu'un loup est venu près de lui, et il lui a dit « t'es safe », comme quoi c'était deux loups qui se safeaient pour pas se faire sauter, tu vois. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Peut-être, hein, je sais pas, hein. Qu'est-ce que j'ai peur de cette game? Bon, après, pour l'instant, ça se passe relativement bien, hein, on va pas se mentir, mais... Ah! Ah. Bah, il est mort juste avant. Ça, j'ai pas eu le rôle pour coup, par contre. Bah, moi non plus, voilà. Oh, ouais. C'est trop bizarre. Oh, bah, moi non plus. Non, mais c'est vraiment abusé ce qui est en train de se passer. Je sais même pas c'est quoi la proba. Très élevé, là, hein. Je sais même pas c'est quoi la proba que ça arrive. Mais ça m'est déjà arrivé une fois et c'est très étrange. Mais non, mais attends. Mais non, mais c'est normal. Mais c'est normal, j'ai les probas des loups en fait. Merci. Tu penses? Mais oui, bien sûr, j'ai les probas des loups en fait. Je suis considéré comme un loup par le plugin. Tu penses que Mathieu il aurait fait ça aussi bien? Ah non, mais c'est pas, il a fait ça aussi bien, c'est il s'est pas cassé le cul, oui, plutôt. Il a juste copié-collé. Bien sûr, il a copié-collé le truc, hein, c'est. Ah ouais, en vrai, c'est Fireball. Sens, du coup. Bah oui, j'y ai pas pensé en fait, mais c'est pour ça que j'étais en train de péter mon crâne, me dire pourquoi j'ai rien, mais ok, je comprends en fait. Moi, je pensais vraiment que c'était considéré comme. Pour les rôles en tout cas, que c'était considéré. Bah non, hein, je pense que le rôle est considéré entièrement comme un loup du début à la fin, et sinon ça serait trop facile, sinon pour te save, tu vois, t'as juste à dire tous les rôles un par un, et du. Mais oui, ça paraît logique en fait que ça fonctionne comme ça. Ouais, vu comme ça, ouais. Je sais pas, mec. T'en penses quoi du groupe d'Omega et de Sam, là? J'en ai aucune idée. Mais je te jure, moi, tout le monde pourrait être loup dans la game. Mais oui, tout le monde pourrait être loup dans la game. Voilà, les deux seuls loups que j'ai, attends, je les ai même pas mis en rouge d'ailleurs, c'est Itiraton et Totoma. Totoma. Qui doit sûrement être au bord de roue. Ouais, ça me fume quand il va voir après dans toute la game que j'étais avec lui. Il va péter quand il va voir mon rôle de mort, il va péter son crâne. Non, mais il va faire, mais tu te fous de ma gueule. C'est bon. En même temps, je pense avoir les loups, mais j'ai pas envie. En fait, genre, on a surtout. Vous avez des loups? Non, bah, Totoma et Tiraton, toujours. Totoma et Tiraton, est-ce que vous avez dit? Ah, vous les aviez pas? Non, pas du tout. Bah, c'est le groupe de Gap qui nous ont dit, eux, ils sont méchants, 100%. Bah, c'était aussi le seul groupe qui était pas au centre contre Jumeau et Mort. Et vous, c'est qui les gens que vous pensez méchants? Bah, moi, j'en ai aucune idée. Et les Végali, du coup? J'ai des gens de toutes les couleurs quoi dans mon table. Bah oui, mais ça répond pas à la question, c'est qui les loups, frère? Non, on a un zéro info. Quelle couleur dans ton table? De quoi? Quelle couleur dans ton table? Toi t'es blanc. En violet, mec. Oh! Mais moi je suis quelle couleur dans ton table? Toi t'es orange. Ah! Oh merde! Oh merde! Oh, le moment approche là, Nimbus, le moment approche. Le moment approche, Nimbus, le moment approche. Je devrais pas rester avec toi en fait. Mais oui, mais c'est pas ma faute, frère. Non, mais c'est moi qui devrais pas rester avec toi. Après ça va, Gap il est en rouge donc. Gap il est en rouge? En rouge? Non, mais t'as vraiment tout le top qui est en rouge. Mais c'est qui tes gens en rouge en fait? Pour qu'on mette en rouge? Bah oui, s'il te plaît, qu'on puisse avoir les infos. Je les pense vachement NG hein, parce que. En fait, on sait pas qui a tué les jumeaux. Bah justement, si, apparemment c'est. Totoma et Tiraton. Totoma et Tiraton. Nous on était pas loin du groupe de Gap quand il y a eu ça. Hein. Bah oui, c'est même Gap qui a dit que. Ah, on était carrément à côté du groupe de Gap, on était carrément à côté de l'Europe. Ce qui paraît, c'est une info de Sam.
Donc il y a un monde putain, mais Sam, vraiment... Non, mais si t'es loup, vraiment, je comprends rien, la gamme. Hein. Si t'es louche, pas possible. Bah, moi, c'est simple, j'en ai que deux en rouge dans le tab, c'est tout. Hein. Bah oui, que ça les mêmes que nous, je pense. Hein. Ah oui, c'est le T et le I, quoi. Genre. Et pour qu'il ait guêpe en rouge, je trouve ça bizarre, il avait pas l'air d'agir comme un loup quand il est arrivé. C'est vrai. Méga labo. Salut Omégouille. Ça va et toi? Ça va, hein. On a aucune info, nous. Écoute. Vous faites confiance? Bah, non, moi, mais. Moi, j'ai trouvé écoute, le sa guilde, je pense. Bah, on pense connaître le rôle de guilde, mais c'est tout. Quoi. Justement, est-ce que c'est le même truc? Bah oui, bah. Je vais avoir un problème là. Ça va, non, c'est ouf. Va y avoir un problème là. Va y avoir un gros souci là. Oh, mais tu forces. T'inquiète pas. Ah, non, là, non. Là, du coup. Enfin, si, mais bon. Plus pour longtemps. T'inquiète, tout va bien se passer. Eh, les gars. Écoutez, tout ce que vous voulez savoir, c'est que si Nimbus il est loup, il m'a baisé. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. C'est que si Nimbus est loup, je suis mort de ma game infinito. Infinito, mon gars. Ouais. Voilà. En gros, c'est tout ce que vous pouvez savoir. Mais je pense qu'il est pas loup, mais j'en sais rien. Vous avez pas vu le groupe de Gep et Sam du coup? Il est juste sœur. Alors, frère, il est juste non, oui, justement. Frère. Ah, il pense qu'on est sœur. J'ai beau creuser ma cervelle, le seul scénario que je trouve, c'est la mise en trois. Ouais, j'ai sœur, ouais, mais je mets des patates hein, avec mon rôle sœur. Hein. Mec, je mets des sacrées patates, hein. C'est la sœur surpuissante, mon gars. Hein. Je suis allé à la salle là. Hein. Ah bah, attends. Il faut juste que je récupère une épée. Digne de ce nom. Une épée digne de ce nom, mais c'est exprès pour ça en fait. Gep, il a raison, c'est pour ça que j'ai pas fait d'épée en diamant, justement en fait. C'est pour essayer de pas me faire cramer sur ça, quoi. C'est pour ça, parce que je savais que... C'est bizarre que l'info tourne pas plus que ça quand même, hein. Oui, je suis... Bah, alors, je l'ai peut-être donné l'info que à des... Mais il y a peut-être que des villageois qui ont compris, personne hein. Personne ne l'a compris, surtout. Peut-être, hein. Moi, Gep l'a d'office compris, je pense. J'ai tellement hâte d'être à la fin de la game et juste que mon rôle apparaisse loup-garou et de voir la réaction de Nimbus. Merci pour le quad. Oui, je pense avoir compris. Bah non, mais oui. Vas-y, dis-le ce que tu penses. Le chien loup. Bah oui, ça justifierait pourquoi Vegali t'a mis en orange. Bah oui. De toute façon, je vais me faire attaquer avant la fin, c'est sûr. Hein. Que ce soit par les loups ou par le village. Mais j'aurai aucun moyen de savoir qui s'ils sont loups ou villageois. C'est ça qui est drôle. C'est que je pourrais pas dire les gars, ils sont loups. Je vais dire non, les gars, je meurs en fait. C'est ça que je vais dire. Je vais crier. Moi, du coup, moi, on me pense méchant parce que j'ai attaqué la marchande de fruits. Et les gars, j'espère que vous me défendrez quand je vais me faire attaquer, hein, s'il vous plaît. Mais en fait, ça, c'est quand même bizarre que ça me pousse autant sur le fait qu'on soit tous les deux méchants. Bah ouais, hein. Mmh. Ah. Il y a un monde où c'est un invisible qui l'a tué. Oh, j'ai peut-être un. Peut-être que Sam est du coup loup. Ouais. Qui t'a dans sa liste et qu'il essaye de te faire tuer par des gens parce qu'il sait que t'es chien loup village. Ah! Oh putain. Ah, c'est grave possible en vrai. Hein. Ah, c'est possible hein, en vrai. Je vais mettre Sam en orange. Nimbus il essaie d'être dans mon cerveau alors que là je fais tab et je vois très bien qui sont les loups. Ça me fume cette game. Il traînait pas mal Vimpos aussi. Et je crois Vegali. Il y avait qui dans notre groupe au tout début là quand on s'est croisé? Il y avait Moutako, Sam et toi. Ouais, okay. on était 4. Non, vous étiez 3. Après moi pour être honnête je les sens pas à 100% quoi en gros. Yes. Tu te sens quoi? Pas quoi? Je le sens pas vraiment ce groupe là. De Sam. Oh putain, toute la strat a marché. Du début? Ouais. Bah moi je viens de penser au fait que du coup Sam ça potentiellement léger, ça me paraît un peu plus. Oh yes. Ou alors il joue vraiment très bizarre. Moi ouais. J'ai une question, faut qu'on retourne en couple avec Mou. Ah par contre celui-là je l'ai eu tu vois, de rôle par contre. Celui-là si on pourrait retourner au zéro ce serait sympa. Et demander, j'ai des trucs à demander par rapport à Sam. T'as des trucs à demander par rapport à celle-là? Ouais. Ouais, j'ai un truc bien précis à demander par rapport. Là, ça va être. Là, je vais pouvoir attaquer des loups, ça va être justifié. Hein, là. Oh, Sam. Ouais. Sam. Tu sais où il est mort, le mec? Sam, tu nous accuses vraiment ou pas pour savoir? Pour moi, vous êtes pas loup. Ah, bah oui. Mais pour moi, vous êtes quelque chose, mais vous êtes pas loup. Ah non, Nimbus, je te promets que je suis rien avec lui, pour le coup. Non. Pour moi, vous êtes pas loup, mais. On a rien qui nous lie ou quoi que ce soit. En fait, en gros, si on reste ensemble, c'est parce qu'il connaît un petit secret, disons, en gros. Et si ça tourne, je suis mort, en fait. En gros, c'est ça l'idée. Tu comprends ou pas? Si ça tourne, je suis mort et je ne peux pas me défendre, peu importe le camp, en gros. Sam, t'as des infos ou pas? Non, j'ai vraiment un rôle très dangereux. C'est-à-dire, si ça tourne, je suis mort, instant. Oui, c'est pour ça qu'on pensait que t'avais compris. Je vais vous dire les suspicions que j'ai dans la partie, parce que je l'ai dit à tout le monde jusqu'ici. Ouais. Pour moi, dans les loups, il y a Shérim,
Ah ouais, d'accord. Mais il y a Ellery, Gap, Itiraton, Moumli, ah bah tu vois, Thomas, bah lui aussi dit Gap. Mais lui aussi dit Gap. Mais Gap, ah bah ouais, il avait l'air d'agir normalement. Vimpos dit Gap. Gap traîne avec Vimpos et So. Et ouais, c'est vraiment croiser... bizarre. Ah non, c'est Vegali qu'on vient de croiser. Moumou insiste sur les informations quand Gap et son groupe passent à côté. Mm. Comme s'il voulait leur faire passer un message. Mais nous, on pensait que t'avais... Ouais, on pensait que... Ouais, il a pas compris du coup. Je pensais qu'il y avait une raison pour en laquelle fait, tu jouais comme ça, moi, ça. Je vais t'expliquer. Moi, je pensais que t'étais genre rôle à info et que tu m'avais reniflé ou un truc comme ça, en gros. Je traite tout seul si je pense qu'il est PF ou un truc comme ça. En gros. Je n'ai rien fait du tout. Sachez que je n'ai pas un rôle info. Je joue full Par contre, c'est la... Bah, regarde derrière toi. C'est la deuxième personne à nous dire ça, ouais. Ouais, non, mais... On peut... Il sait qu'il est cramé, donc... Qui ? Quoi ? Qui a dit quoi ? Vous avez parlé de quoi ? Qui ? Gobiard. Attends, m'approche pas trop, comme. Parce que ça fait quand même plusieurs personnes qui nous disent que votre groupe entier est méchant. Ouais, mais non, c'est moi le seul loup de la partie, mais. Bah, ça après, on peut pas le savoir, mais il y a plein de gens qui nous disent que vous êtes méchant. Bah, littéralement Vimpos d'ailleurs, littéralement Vimpos quoi en fait. Mais Vimpos il est avec nous, donc il va pas dire ça. Bah oui, j'ai une question, avec eux. Ah non, c'est Vegali putain, c'est Vegali pas Vimpos. Merde, on est trop con sa mère. Vegali dit que vous êtes méchant et Sam aussi. Donc bon. Sam aussi ? Ouais, t'as passé où ? On t'a pas vu de la game, Sam ? Qui dit que t'es méchant, Sam ? Oh, Gil, viens un coup. Non, non, Sam dit que nous, on est méchants. J'ai dit que vous êtes méchants. Sam, il dit ça ! Oh là 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 ! Oh non, plus c'est la nuit, on va tellement crever. Non, non, vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît ? Mais je pense que j'ai compris ce qui s'est passé dans le groupe. Merci pour le... Vas-y, Nimbus, expose ta théorie. Bah, j'ai pas envie de lire, parce que si la personne que je pense être un tel rôle est dans votre groupe... Merci, Kyriano. Ouais. En fait, logiquement, dans leur groupe, il y a le renard. Ok. Parce que du coup, il y a C'est vous qui avez tué, hein ? Oui. Ok. Et pourquoi Gob il est cramé ? Parce qu'il m'a attaqué avec Alex. Et ah, d'accord, ok. Du coup, Alex. Et Gobiard, ça a pu run. Et toi, t'as survécu ? Oui. Bah, coup, en fait, au moment par quelle magie noire ? Y a quelqu'un qui peut vouch pour lui là ou pas ? Oui, on l'a vu. Il était couvert de flèches, en train de se faire chaise, on l'a tué Alex. Par quelle magie noire il a survécu à une attaque de loup ? Il venait de se faire attaquer, je pense. Bah, je sais pas, t'as dit couvert de flèches quand même. Il était couvert de flèches, mais il venait de se faire attaquer, c'est bizarre. Mais je pense qu'ils ont pas très. Bon, Gil, viens un coup. Je pense que c'est bizarre que tu réagisses comme ça. Si tu veux. Bon, voilà ma théorie. Je pense que Sam a raison. Ils sont tous loups. Et que le mec qui s'est fait tuer, en fait, il s'est juste grimé, voilà. Ah. Vu qu'il y a un grimoire dans la compo, et que c'est pour ça qu'il fonce là-dessus. Putain, t'es trop smart. Je pensais que c'est ça. Et connaissant parce que moi je l'ai Gap, eu, il est loup-garou simple, hein. Vraiment simple, simple. Gap, je pense que c'est pour ça qu'il fonce. Mais oui, t'es trop smart. Mais du coup, par contre, je suis pas full vie, je vais juste gap parce que j'ai pas full vie. Je suis pas sûr qu'on laisse Jérim dans... Oui, non mais Jérim, il faut qu'il vienne avec nous, hein. Ouais. Bah, il faut que... J'aimerais bien qu'il... Moi, je suis chaud qu'on... Je suis peut-être chaud qu'on essaie de trouver Itiraton et tout le tralala là, qu'on les fume. Ouais, mais en fait il faut qu'on ait Shirim avec nous, je pense. Tu penses quoi du groupe de Gap ? Moi, je pense... orange. Oui, mais j'ai une hypothèse. Je pense vous pensez que pas qu'il s'est fait grimer, Alex, Alex là ? Vous pensez si, pas qu'il s'est fait grimer ? Mais en fait, moi je pense que Zedrix s'est fait affecter quand je l'ai perdu de vue. Ah, parce qu'après il est revenu au centre sans Momo. Ouais, beaucoup. Et je pense que c'est Momo. Parce que quand ils l'ont infecté, c'est au moment où il s'est fait cramer renard par tout le monde au milieu. Du coup, en fait. C'est ça, quand il s'est fait attaquer. Et ils nous ont pas du tout dit qu'il s'était fait attaquer le gars Exposed 1. Non, mais en fait, je t'explique. Comme par hasard, tiens. Non, mais en fait, je t'explique. Non, mais je t'explique. Il y a personne qui sait qui s'est fait attaquer. C'est juste qu'en fait, il est parti avec Moomly à un moment. Et il est revenu. Enfin, tu vois, on est reparti là où il est parti avec Moomly. J'ai croisé personne. Je suis revenu au centre et je l'ai vu. Et il m'a dit, mais je suis revenu sur mes pas, j'ai croisé personne. Et j'ai fait, bah moi je suis revenu sur tes pas, je t'ai pas vu. Et je pense qu'il s'est juste fait infecter parce qu'il venait de se faire cramer renard. Et que maintenant, ils ont attaqué. Et je pense que Zedrix fait partie des loups avec Momo, avec Gep et avec Itiraton. Ouais, ce serait fortement possible. Hein. Écoute, moi tu me dis si tu veux qu'on tape quelqu'un, on y va, moi, y'a pas de soucis. Mais du coup, il faut rajouter Bimpo dans le tas. Ouais. Mais du coup. Écoutez, moi vous me dites qui on tape, et puis voilà, de toute façon. Ouais, je suis chaud. Avec toi, Guy, c'est ça le truc. Hein ? Non, je pense qu'il faut qu'on prenne. Il va falloir jouer avec toi. Il va falloir jouer avec toi pour leur faire croire l'inverse. Thierry m'a dit que. Ah, tu connais mon rôle ? Oui. Comment ça ? Bah, t'es bien le seul qui a compris, putain. Comment ça ? Mais quelqu'un te l'a dit ou t'as compris de toi-même ? Non, j'ai compris de moi-même. Oh, tu nous aspects en PF, non ?
C'est tellement ça que c'est passé. Ah ouais, c'est tellement ça. C'est tellement ça que c'est passé, mon gars. Mais par contre, moi, je suis chaud qu'on reprenne Sherim parce que Sherim, il a dit qu'il avait un bon rôle pour Fight. Bah, après, moi, je pense que l'info a la tournée. Hein. Je pense qu'ils sont au courant de mon rôle. Hein. Je vais pas te mentir, Tom Squad. Bah, en fait, tous les groupes que j'ai croisés t'accusent. Donc, ça m'étonnerait que l'info ait tourné. Tous les groupes que j'ai croisés m'accusent. Mais what? C'est tellement pas ce qu'on nous dit. Y'a un mec sous les arbres là. Y'a un mec sous les arbres. Moi, je croise un groupe, on me dit, et tu penses quoi de Gil? Parce que. Oui, ils me disent que je suis tout en orange. Oui, ils me disent, tout le monde me dit que t'es en orange, du coup. Après, bah, dis, bah oui, c'est ça, mais c'est vraiment parce que je suis avec Nimbus qui est suspecté sur le premier kill, mais par Mumutako et Sam, quoi. Sauf que ça se trouve, du coup, Mumu, s'il est bien loup dans le groupe de Gap, bah. Voilà. Hein. Peut-être que c'est Mumu qui a forcé chez Sam pour lui faire croire qu'on était méchants. Moi, écoutez, si vous avez des loups de sûr, franchement, ça ne me dérange pas de. Bah tiens, en parlant de loup de sûr, il est là. Bah, vous allez voir si on est loup ou pas. Ah, bah. T'es ça vraiment sûr là? Bah, oui, Gobiard, il est loup. Il vient d'être. Il vient de courir, regarde. J'avais pas vu que c'était lui. Je pensais que t'allais contre Totoma et Tiraton. Mais moi, je suis pas chaud, il fait encore mieux. Oh merde. Ah ouais, d'accord. Justement, c'est pour ça. Voilà, justement. Tu comprends? Ça marche bien ton rôle. Et oui, ça marche carrément bien, tu vois. Il marche carrément bien, mon rôle. Bah oui! Bah oui! Il y a un invisible. J'ai cru voir des particules. Non, mais j'ai pas vu. Ok, non. Ah, merci. Bah oui, il marche carrément bien, mon rôle. Direct, hein. Je prends pas de risque. Oh putain, il m'a fait trop peur. Je croyais que t'allais venir me péter la gueule. Il marche trop bien, mon rôle. Hein. Eh oui, je t'ai dit. Ça marche bien, hein. Est-ce que, bon, est-ce que ça, t'as la preuve, Tomsco, maintenant que je suis pas genre. Enfin, de toute façon, toi, tu le savais. De toute façon, là, maintenant, en vrai, c'est vraiment pas mal parce que du coup, on a de quoi te safe, entre guillemets. Oui, c'est vrai en soi. Après, vous êtes les seuls à m'avoir vu le tuer, quoi. C'est ça l'idée. Ouais, mais on voit autre chose. Ouais, c'est vrai. Pour moi, Tessar a été accusé à un moment, mais pas par le groupe de loups. Donc, c'est que des villageois qui l'ont accusé, Tessar. Ouais. Oh non. Salut, je viens de tuer Gob, là, voilà. Ok. Donc, parce qu'il y a plein de gens qui m'accusent, donc du coup, comme ça, au moins. Okay. Vous savez, quoi. Tu cherchais pas le Galit, toi? Juste pour. Pour info. Ouais, quoi. Tu cherches pas le Galit? C'est quoi ce qui me cherche pas le Galit? Je suis bien avec ce groupe. Attends, si tu dis. Le groupe de. Si tu dis un certain nom, on va bien s'amuser. D'accord. Alors, le groupe de Gabe Vimpo, oh, bah tiens. Et Moumli ont récupéré le renard. Ils l'ont infecté. Non, mais en fait, je vous explique, le renard. Non, j'ai screen tout ce qu'il y avait dedans. C'est sûr à 100%. Ils l'ont infecté, c'est ça? Ils l'ont infecté MDR. Et il y avait le grimeur dans leur groupe, c'est ça? Mais ok. Mais attendez. Là, vous faites confiance chez vous. Enfin, la bah non, non, pas spécialement. Hein. Mais en fait, Tomsco et Nimbus ont compris mon rôle. Ils savent que je suis safe en fait. Si c'est pas vous quatre et c'est pas nous quatre. Enfin, c'est le reste. Après, vous vous savez, vous tous Sam aussi, il fait bien. Après, tu non, vous connaissez tous vos rôles? Il y a quand même pas 10 loups. Moi, je pense que Sam est seul. Attendez, vous vous savez tous, vous? Je sais combien de loups. Non, il y a dans c'est ma pas à 100%, mais. Ok, ok. Tu veux savoir ça? Ok, c'est le couple là. Je sais combien de loups. Il y a le couple là-dedans. Au minimum, il y a dans la game. Sincèrement, on a tellement d'autres loups que. Ils sont où les loups? Ah là, je donne beaucoup d'infos quand même. Attends, je réfléchis. Tu sais, au minimum. Thomas et Tiraton, c'est sûr. Après, moi, je vais vous dire, je pense que dans mon groupe, Nimbus et Tomsco sont pas loups. Parce que là, quand on a attaqué Gobiard, s'il y en avait un des deux qui était loup, genre ils auraient 2v2. Ils auraient 2v2. Donc, du coup, ils se seraient turn. Et surtout qu'on était bien de nuit, donc à mon avis, ils nous auraient cassé la gueule. Là, en soi, personne intervenu, donc je pense. D'ailleurs, moi, je vous le dis, Sherim et Eleri ont tué le marchand de fruits. Argument, ils l'ont pas tué. Si. Ils l'ont. Bah, si, Sherim, on était sous leurs yeux, sous ses yeux. Ah, Sherim nous a dit qu'il l'avait pas terminé. Ouais, Sherim nous a mis tôt. Bon, on va tuer Sherim, go tuer Sherim, nous a mis tôt. Ouais, ouais, ouais. Eleri, pareil, hein, parce qu'en fait, ils me ressortent en boucle l'argument de. Oui, mais il a attaqué. Sam, je viens de tuer Gob là. C'est moi qui viens de le tuer, c'est moi. Et pour le coup, je pense que les deux n'ont pas. Les deux ne sont pas loups parce qu'ils se seraient. Ils m'auraient. Ils seraient. Tu avais raison pour Sherim. Oui. Bah, il est là-haut, là. Il est juste en haut de la Et on pense que le loup, il s'est fait grimer, je pense. Le groupe qu'on vient de croiser là, ils viennent de nous dire Sherim a tué la marchande de fruits alors que Sherim nous a dit il a jamais tué. Par contre, je vais pas te mentir. Et après, il perd des loups, il a infecté Eleri. Moi, je vais pas te mentir, Nimbus. Je pense que dans le groupe là, quand ils se safe de sûr au début, quand je leur pose la question, ils me disent non, pas vraiment. Moi, je pense qu'il y a un couple là. Les 5 loups sont juste là. Les 5 loups sont en train de discuter juste là. On dit avoir tué Alexus. Et Vimpo dit je sais que deux personnes dans ce groupe. Mais nous on pense qu'il. Moi je suis chaud que tu restes avec nous, Sam. Je pense qu'on peut avoir confiance en toi. Sam, au cas où, les 5 sont juste là. Comme tu veux, ouais, c'est comme tu. Ah, mais t'es Hermite. C'est que tout le groupe, ou au moins la plupart du groupe, est LG et que c'est le Grimmer qui a eu le kill à la fin. Moi de toute façon, l'info elle a forcément tourné dans les oreilles des loups là, c'est sûr et certain. Faites-en ce que vous voulez. Là les loups ils sont forcément. Mais les gars, Sherim vient du groupe de 5 que je viens de voir. Le groupe de 5 c'était vraiment. La marchande de fruits là. Sherim, Vimpo, Moumli. Je viens de voir un groupe de 5 comme ça. C'est quoi le quoi?
Tu as la marchande de fruits ou pas? Tu as vraiment de là où il y avait 5 mecs en orange? La marchande de fruits. Bah peut-être, mais j'en ai aucune idée moi. Bon, allez. Ouais, c'est bon. Oui, bon, allez. Tu l'as infecté. Merci. Bah, on vient de tuer Gobia, hein, voilà, si jamais. Bah, alors, je viens de tuer Gobia. Mais parce que tu as menti, en fait. La marchande de fruits, tu nous as alors, t'as dit non. Alors, t'as dit non. Mais j'ai dit que je vous ai dit que je l'avais attaqué, vous êtes fous, vous. T'as pas dit ça. Ah, si, si, si. Bah, t'as vraiment pas dit ça, du coup. Tu bah, demanderas à tout le monde au zéro. Bah, ça tombe bien parce que tout le monde veut te buter, je te signale. Justement, tout le monde veut te tuer. Tout le monde veut me tuer, Moumou sait que je suis safe. Voilà. Moumou sait que tu es safe, ça tombe bien, Moumou il est loup-garou. Donc bon. Ah bon, je pense qu'il m'aurait tué tout seul. Non, Moumou il est pas loup-garou. Ils sont là. Oui, bah tout leur groupe il est surtout loup, ouais. Tout leur groupe entier il est loup là. Vous attaquez Chérim les gars ? Oui, oui, parce qu'il a menti sur le kill de la marchande de fruits qu'il a pris. Et de tout le groupe d'Omega veut le tuer aussi. Mais en fait, il, soit Bracony, il a un truc avec les morts, donc il est peut-être Bracony pour le solo. Mais en fait, non, mais c'est pas ça le truc. C'est qu'en fait, tout à l'heure, il nous a menti. Il nous a menti sur ce fait. Mais si, mais bien sûr que si, frère, tu nous as menti à tous. Si, tu nous as dit que tu l'avais pas tué. Enfin, ça y est. Y'a un mec derrière là. Il fait mal. Bah oui, je fais mal. Bah oui. Mais vous pensez vraiment ? Hein ? Mais c'est vous le premier LG ? Oui, c'est moi qui ai tué Gob. C'est moi qui ai tué Gob. Je l'ai tué et ils ont même pas de turn ou quoi dans le fight en fait. Les deux. Limite, ils m'ont aidé en fait, les deux autres. Je pense que vraiment, les deux. Alors, autant lui il était pas avec nous, Tézard, mais les deux là, je pense qu'ils sont safe. Ils m'ont vraiment pas du tout posé problème ou quoi que ce soit, tu vois. Mais non, il s'est barré. Non, il s'est barré. Parce que vous dites qu'il est safe, donc si vous dites qu'il est safe, bah. Non, en fait, j'ai pas dit qu'il est safe. Bah attendez, faut savoir. On nous dit, vous dites qu'il est chasseur et après vous dites non. Mais c'est quoi l'info du chasseur? Non, mais attends, ils disent que t'es safe et après non, j'ai pas dit ça. Faut savoir, les gars. C'est quoi tes informations? J'ai pas d'autres infos pour l'instant. Qui Alex et Gob, mais ils sont morts. Un truc comme ça, là, tout cas avec les morts. Et pourquoi t'as tué la marchande de fruits alors? Mais oui. Mais parce que tout le monde disait qu'il avait tué l'assassin. Mais... Donc c'est pour ça que je l'ai tué. Et surtout de nuit. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il était LG. Mais t'inquiète pas, tu peux. C'est lui-même qui l'a dit qu'il a tué l'assassin de nuit. Je voulais le tuer assez facilement. Je sais pas, c'est trop bizarre, hein. Franchement. J'y crois. Bah écoute, désolé si c'est. Bah après, c'est lui-même qui a dit qu'il avait tué l'assassin de nuit. Ouais. C'est ça que. C'était bizarre. Bon, je pense qu'il est vraiment loup, qu'il l'a infecté et qu'il y a des loups. Et go le tuer, non, en fait. Mais je pense qu'il y a des loups dans le groupe et c'est pour ça que moi je voulais pas continuer la nuit arrivée et tout. Ah, tu penses dans leur groupe à eux? Dans, ah bon, dans leur groupe à eux? Bah, c'est le groupe de Gap et tout. S'il y a vraiment le primeur parmi eux. Je me demande si Nimbus il est pas genre en coupe ou LG blanc, en fait, il veut vraiment tuer des loups. J'ai l'impression, ou il veut vraiment cramer des loups. On va voir. Gil. Ah, pardon, qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il veut attaquer Tomsko. Tu veux attaquer Tomsko? Mais non, il veut attaquer, je pense, il a une info. Ah, Tomsko veut attaquer? T'as une info précise sur Chérim ou quoi? Non, pas, j'ai une position plutôt. Il a vu quelqu'un sous les arbres? Ah non, il a une position, non, mais il a une info par rapport à son rôle. Braconnier? Mais non, il est PF, hein. Les loups ont dû écrire un truc dans le chat des loups. Ah. Oh, mais c'est trop smart! Ouais, je sais, parce que j'étais PF il n'y a pas si longtemps que ça, donc... Oh, Sam, tu devrais peut-être rester avec nous, je pense. Comment ça? Non, mais il est ermite, Sam. Hein. Vois... Et Tomsko. T'étais avec qui il y a 30 secondes? En gros, je pense que. Écoute, je vais te le dire. Ah bah voilà, bah Chérim, c'est Chérim qui a écrit ça sur Tomsko. En gros, écoute Sam. Chérim, les loups veulent te tuer, apparemment, je pense. À mon avis. Pour ce que Tomsko vient de dire, à mon avis, je pense qu'il est PF et qu'il a lu le chat des loups. ça, Tomsko. Littéralement, c'est vraiment ce que. Enfin, vu ce que tu nous as dit, c'est sûr. On aurait dû. Chérim, vraiment. Mais oui, on aurait dû le tuer, mais putain, on a attaqué Chérim, mais le groupe de Gap nous a dit non, il est safe, arrêtez. Est-ce qu'il y a Trubillon dans la game? Parce que c'est le seul truc qui peut me baiser. Aucune idée, perso. Je sais pas. Du tout entendu parler de Trubillon toute la game, je pense. Mais on a toujours pas l'info sur Tessar de notre groupe, hein, par contre. Tu commences à suspecter le groupe de Luzord. Et... Aïe. Mais moi, je pense qu'il y a un couple dedans, mec, je vais pas te mentir. Moi, je pense qu'il y a un couple chez eux, à mon avis. Ils se safe sans aucune raison. Moi je pense qu'ils sont là où les du coup, messages étaient. Vous pensez que la théorie du fait que le Grimmer soit dans le groupe de Gaps est plausible? Oui, ah, ils ont grimé l'autre. Non, ouais, c'est sûr. Mais Zedric s'est fait infecter et il a traîné avec le Grimmer. Et Zedric a dû faire ouais, Alex est méchant. Ils l'ont tué. Il a été grimé. Ouais, tiens, mange un peu. Ouais, si tu veux, Sam, j'ai des flashs pour toi. Tiens, vas-y. Pardon. Non, vas-y, prends-les, Sam. Mais frère, mais tu te fous de ma gueule par contre. Mais non. Et non, mais viens. Je leur prends, là. J'avais. Non, mais j'allais te faire la blague, j'ai une flèche. Mais Sam, j'ai une flèche, j'allais te faire la blague de te donner une flèche. Non, tu m'avais pas attaqué. Non. Attends, j'ai une question. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Alchemir. De quoi? Moi, je dis en orange.
Ok, et Omega non? Bah là d'un coup je il le suspecte, mets en jaune. Ouais je le mets en jaune. Moi je vois bien tout leur groupe être méchant, mais pourquoi ils auraient pas attaqué? Tu connais son rôle à Tomsko Gap ou pas? Je pense avoir compris. Nous on a compris direct là vu ce qu'il vient de dire. Mais c'est trop bizarre que Sam veuille pas rester avec moi alors. Non c'est pas bizarre. Ce qu'il vient de faire Sam il vient de faire un truc trop bizarre. On va prendre Zedrix dans notre groupe. On a le droit encore? Oui on a le droit. Il décide. Zedrix, tu veux venir? On est en groupe de 5? Zedrix? C'est un MJ qui est mort. Ouais. Tu viens avec nous? En vrai go, hein, allons-y. Sauf si tu veux pas. Et tu as vas-y. Et vous avez pas d'autres infos sinon? À nous partager avant. Alors... mis à part... Alors on a vu le groupe entier d'Omega arriver. Vraiment méchant, on l'a vu aussi, ouais. Quand vous disiez, Chérim est méchant. Chérim est vraiment méchant. Toi, est-ce qu'on peut le confirmer, je pense? Oui, Chérim est méchant. Ok, donc si Tom School confirme, ça me rend être... Le groupe de Luzord, je pense personnellement qu'il y a un couple dedans, parce qu'ils sont arrivés en claimant ce save tous, et quand je leur ai posé la question après sur le rôle, ils disaient qu'ils connaissaient pas leur rôle. Pour qu'il trouve le cadavre, il a gueulé du poids quand il a... Est-ce que Vegali ne serait pas méchant avec Sherim? Nous on pense que Sherim a été infecté en fait, en gros. Et que en gros, Larry aurait infecté Sherim, parce qu'apparemment les deux auraient traîné justement avec la marchande de fruits, et l'aurait tué à deux. Ok, donc attends. C'est voilà. Ou... Ouais, non, parce que les groupes. Okay. Ça me fume. Okay. Et donc, moi, je mets toujours une pièce sur le fait qu'il y ait le Grimoire dans le groupe. Bon, salut Vegali, ça va? T'es pas loulou? Ouais, je suis resté longtemps avec lui. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi il court là? Il est solo, je pense qu'il est solo. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Pourquoi il court? Il est au moins solo. You, Vegali! Je sais pas, mais. Oh bah attends, bah voilà, on sait ce qu'ils sont eux. Allez, oh bah c'est la nuit en plus, ça tombe bien. Allez. Oui, enfin, c'est vous les loups là. Oui, bah oui, ça doit être ça. Vous avez tapassé Sherim qui est ermite, bon. Oui, c'est ça, oui. Bien sûr, oui. Tomsko, il est ermite, Sherim? Pas Tomsko. Mais on demande confirmation à notre rôle info du groupe. Pas, bon, il nous aurait jamais dit. Après, on est clairement loup, hein, si tu veux savoir, on a tué Gobiard donc. Ouais, donc c'est un petit qui a tué, du coup. Non, mais alors, Vegali, je sais pas, par contre, Eri est loup, ça on le sait. Ouah, dit-il en étant loup. Ah, mais tu cours si vite, what the fuck? Ah, ce que tu viens de dire, ça vient de me confirmer qu'il est loup. Vu ce qu'il vient de dire, ok, Eri est loup, 100%, vu ce qu'il vient de dire. Il vient de dire, toi aussi tu es loup. Il vient de dire. Ah ok, bon, ça va le solitaire. Oh, c'est ça. Vu la game, comment elle la joue, bon, enfin... C'est ça. Quoi? Oh, Nambus, il est loup. Fais un effort, je t'en supplie. Ouais, bah, bon... Nambus, il est loup, il vient de trahir. Nambus, c'est loup, il vient de me trahir. Moi aussi, je pense que les mecs derrière moi aussi. De quoi? Go, on les tue. Non, je pense qu'on est en infériorité, la guild. parce que ça se retourne bizarrement et ça me regarde bizarrement, moi, derrière. Hey, moi je suis tranquille, moi je suis... Hey. Il court, hein, je pense pas. Hein. Moi je pense que derrière on va se faire baiser. Oh Nimbus, t'es vraiment loup, tu m'as baisé depuis le début. Nimbus, c'est vraiment ça? Mais oui, oui, hein. Non, c'est pas possible. Depuis le début, tu joues la comédie, genre. Bah ouais, la comédie de l'arté, comme on l'appelle. Non, t'es un chien, vas-y, je vais venir te buter. Hein. Mais non, mais en fait c'est ce que je gardais pour moi, c'est qu'il a pas eu le temps de se retourner en fait. Gil disait qu'il aurait dû se retourner, mais il aurait jamais eu le temps de se retourner. Gil la drop instant. Bon, par contre, Eri. Il est pareil, hein, je suis désolé, mon gars, mais. C'est trop, je trahis pour le sauver et il me laisse en plan, ça c'est du. Putain, mais t'es un chien, tu m'as depuis le début. En fait, Gil a tué un frère, quoi, c'est un coup. Ah, bien joué. Ah. Alors, par contre, j'aurais besoin du heal, je vais pas vous mentir. Je te. Ouais, non, mais t'inquiète. Moi j'ai pas récupéré de gars depuis, je me suis fait sauter par Alexis Gobin. Oh il était craintif. Non mais là mec tu sais qu'il vient de me baiser, enfin, il m'a baisé depuis le début là ça veut dire du coup. Hein. Il y avait un arc ou pas? Moi je... ouais mais tiens je te file le mien si tu veux, pire. Attends. Merci. Oh le bâtard. Oh je suis mort. Putain il y avait les rumeurs, j'ai même pas fait gaffe. LGB solitaire en couple avec Tomsko. Bon ok, bon les loups ils le savent maintenant, c'est mort, c'est fini. Maintenant ils le savent les loups. Tu veux qu'on tente un truc? Bah écoute, tu fais ce que tu veux frère. Moi j'ai pas d'infos. Tu penses lui il est méchant?
C'est ça ? Ah, je pense que vu comment il se comporte depuis tout à l'heure, il sait qu'on le suspecte. Je pense qu'il sait qu'on le suspecte. Ah bon ? Mais moi je sais pas, moi j'ai pas d'infos, je te fais confiance hein. Bah en fait, quand on chasait, il s'est retourné d'un coup, il a fait « Oh, Tom's côté là !» et il a foncé vers moi. Et je sais pas, ça, moi je, honnêtement, je pense qu'il est loup. Passe du coup. Et je pense que c'est lui qui vient d'écrire Guy le LGB solitaire. Oh, ça me fume que les LGB pensent que je suis. Ah mais t'es vraiment loup ? Moi je suis pas loup. Mais défends-toi. J'ai des suspicions, défends-toi. Bah on va voir hein. Putain. Mais je pense que c'est lui qui a dû écrire LGB solitaire. Mec, je vais pas te mentir, moi ça me fait très rire que les loups pensent que je suis solitaire. Alors qu'en fait je suis juste un putain de chien loup quoi. Mais il est aubergiste. Mais pourquoi il se défend pas, mes frères? Non, mais par contre, son rôle est catastrophique, hein, voilà. C'est quoi son rôle? Mais pourquoi tu l'as attaqué du coup? Mais tu sais que là, on va vraiment penser que. Mais parce qu'il se tenait à l'écart, et en fait, à chaque fois. Mais c'est trop bizarre que tu l'attaques à Sens Info comme ça du coup. Mais en fait, je t'explique pourquoi. Parce que quand Nimbus a turn, il s'est retourné, il m'a dit: Oh, Tom's côté là. Et il a foncé vers moi. C'est pour ça que moi, je le soupçonne depuis tout à l'heure et que je t'ai dit que derrière, ça va peut-être me trahir. Je commence à avoir un peu peur que tu sois en couple, oui. Je pense que je vais pas donner autant de trucs si j'étais en couple. Ou alors t'es en couple avec un autre loup et du coup tu donnes qui tu veux, genre en mode des loups, pas des loups. Cédric. Oui. Attends, il reste quoi comme rôle dans ce qu'il y avait en expose? Marchand de fruits, renard, loup-garou, grimeur. Ah putain, mais il reste tous les rôles en fait. Marchand de fruits est mort. Ah, marchand de fruits est mort. Putain, j'ai pas eu le rôle tout à l'heure. Renard et grimeur. Ah, t'es renard quoi. T'es renard, il est renard. Il est renard dessus parce que. Mais il est forcément PF en fait. Non, mais oui, avant que ça proc, il m'a collé pendant 10 minutes vraiment. On s'est croisé au centre, il m'a pas lâché. Et je sais qui c'est le deuxième à qui doit coller, mais il me dit rien sur lui depuis tout à l'heure. Parce que j'ai pas pu le coller en soi. C'est le seul mec qui reste solo depuis le début. Dans le groupe de Gep où j'étais, ben Gep et c'était qui attend. Tu peux me dire pourquoi t'as attaqué du coup l'aubergiste? Enfin, pourquoi tu voulais qu'on attaque l'aubergiste? Bah en fait, je t'explique. Le mec se tient à l'écart. Quand Nimbus, ouais, mais c'est pas une raison valable. Non, mais attends, mais je t'explique toutes les raisons. Je t'ai dit, je vais tenter, je voulais vraiment lui mettre un coup de pression. C'est pour ça que je lui dis défends-toi. Ok. Ah. Et du coup. Moi, je pensais que tu voulais vraiment le tuer, vu ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, tenter un truc. On peut tenter, et en fait, je voulais vraiment juste lui mettre un coup de pression. Et quand il a commencé, il s'est retourné, il a fait à l'aide. J'ai fait, mais déjà, ça, c'est bizarre. Et il a même pas dit, oh, mais non, je suis safe ou quoi que ce soit. Et juste, il a fui, il a dit, mon rôle marche pas. Donc, pour moi, j'ai fait, ok, ben alors défends-toi. Et après, toi, tu l'as tué. C'est pour ça, en fait, je voulais juste lui mettre un coup de pression. Et c'est pareil, je t'ai dit, quand Nimbus a trahi, il s'est turn et il m'a regardé, il a foncé vers moi. Et du coup, j'ai essayé de l'esquiver et je ne sais même pas si vous voulez trahir ou quoi que ce soit ou si c'était lui infecté, je sais pas du tout. C'est vrai qu'il s'est turn sur toi, ça me fait peur. Moi, je me demande si t'es pas genre. Je me demande si t'es pas en couple et tu te fais passer pour la PF. Oh non! Oh, c'est fire! Ok, le couple est chez eux. Ok, non, mais le couple est dans le groupe de Luzord et Omega du coup. Ok, je pense pas que ce soit toi. C'est exactement ce que je pensais tout à l'heure du coup. Tu peux pas être loup. Enfin, ou alors t'es peut-être loup et. Peut-être solo du coup, je sais pas. Salut! Je me suis fait tabasser par Omega encore une deuxième fois, mais mon groupe m'a fait confiance. Omega! Omega et. En gros, Omega et Luzord sont en couple et QCX et Cupidon sont très traînés avec depuis tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pitié des gaps, j'en ai deux là, frère. Tiens. Je t'explique, hein. Je t'explique ce qui s'est passé de notre côté. J'ai attaqué Ellery parce qu'on savait qu'il était loup. À ce moment-là où je tabasse Ellery, Nimbus me fout le crit dans le dos. Donc du coup, Nimbus est loup. Donc on commence à chase Nimbus en sachant que Tomsko me dit fais gaffe, les deux derrière sont bizarres. Les deux qui nous suivent, donc c'était Zedrix et l'autre là. Donc j'arrive, les deux se séparent, je vais tuer Nimbus. Et ensuite, Tomsko me dit est-ce que tu veux tenter quelque chose? Je dis oui parce qu'apparemment il avait une info et je sais qu'il est genre petite fille. Et du coup, on tue l'autre, mais l'autre était aubergiste, donc j'ai pas compris le mot. Tomsko, elle vient de toi, l'info entre moi, Omega et un méchant. Non. On m'a dit ça. Oh, baby, c'est vient de qui cette info? Et en gros, j'ai. Non, je pense pas. Je pense que c'est le C, moi. Je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça m'étonne, non, parce que. Moi, je pense que c'est Shirin qui est infecté. Ouais, c'est possible, mais ça veut dire que. Non, je suis pas infecté. Les gars, toute la game connaît mon rôle, de toute façon. Il a une chance, c'est qu'il s'est pas fait attaquer depuis le début, alors que pour moi, tout le groupe était loup, quoi. Je sais pas. Je sais pas, pour moi. Mon groupe c'est le couple, hein. QCX et Cupidon, oui, et Luzord a défendu. T'inquiète.
T'inquiète. On s'est compris avec Tomsko. Honnêtement, je pense pas. Voilà, je te le dis. Vous avez des bottes en bas pas... avec tout ce tralala. Y'a pas une couille. Je t'en ai donné là quand même. Ouais, y'a pas une couille où c'est genre dans le. Hein ? Des bottes. Ah, des bottes, pardon. Oui, tiens, des bottes j'en ai. Des bottes. Pas... Attends, mais Alcamir, t'es sûr que les deux sont en couple, que ce soit vraiment Luzord et. Bah. Alors, genre. Déjà, ça proc sur eux deux, ils ont dû avoir une chance légendaire. Ok, alors, je vous explique ce qui s'est passé. Je me suis fait tabasser par Omega. En gros, j'étais en train de supplier, j'étais en train de lui dire si tu me tues actuellement, tu ruines ta game et la mienne. Parce que je pensais qu'il était ermite. Bah, finalement, non. Du coup, je suis revenu au zéro. Je leur ai dit de me tuer. Il m'a ressauté dessus. Et le groupe de Gep et tout, à 4, ils sont partis taper Omega. Et Luzord a défendu contre 4 mecs quand même. Mais c'est vrai que là, je viens de capter, mais le groupe de Gep va m'attaquer là. Parce que Nimbus c'était loup. Oui. Mais c'est bon, les gars, mais vous savez que les loups, je. En fait, là, j'ai envie de faire un truc. Mais tu vas devoir rester avec eux deux. Moi ça me dérange pas. Mais pourquoi Nimbus a commencé à attaquer? J'ai pas compris. Ça me dérange pas. Parce que Nimbus voulait aider Eri et c'est pour ça que Tomsko pensait que vous étiez loup aussi. Parce qu'en fait Eri a dit un truc débile. En gros Eri a dit toi aussi t'es loup. Et du coup il avait pas compris en fait mon rôle. Et c'est là que Nimbus a trahi en mode mais Eri fais un effort s'il te plaît il est chien loup. Chérie mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon groupe c'était tous des merdes. Nimbus a trahi du coup mais je l'ai tué du coup. Mon groupe c'était des merdes. Non, Nimbus, je l'ai tué. Nimbus, il m'a trahi quand j'ai attaqué Ellery. Et du coup, je l'ai tué quoi. Gil. Oui. Mais les gars, mais il y a un manque de loup. Ouais, vas-y, t'inquiète. Mais ça manque de loup dans la game. Et lui, s'est fait attaquer par Luzord et Omega qui sont en couple apparemment, du coup. Alkamir. Non, non, mais je pense qu'ils sont en couple et loup. Ah bon? Moi, je pense qu'ils sont en couple. Moi, je pense qu'ils sont. Mec, Sherim, moi, je pense vraiment qu'ils sont en couple. Okay. Pour le coup. Derrière. Bon, il y a peut-être Gep juste derrière. Il y a Luzord, Omega. Il y a tout le monde ici en fait. Il y a Luzord et Omega, oui, on sait. Et je me suis fait. Il est mort comment le mec dans le groupe? Alors, si vous voulez, je peux vous expliquer exactement ce qui s'est passé, ouais. Ok? Puisqu'on est tous là, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Il y a Ellery, on savait qu'il était loup, donc ouais, je vais le full crit, en gros. Donc je commence à full crit Ellery, et là il me dit, ah ouais, mais toi t'es genre loup-garou solitaire. Tu vois, et j'étais en mode, ok, bah ce que tu viens de dire, ça me confirme, en gros, que t'avais pas compris mon rôle, et que du coup t'es forcément loup-garou. Donc je vais pour le tuer, Nimbus à ce moment-là me full crit. Attends, dans le dos. Vous dire, déjà, il y a les 4 loups à côté là-bas, si deux personnes veulent fight avec nous, vu que nous on a un. Enfin, ça peut être bien si on fight. Bah et attends, je vous finis juste d'expliquer, du coup je tue Nimbus. Je pense que Luzord et Omega sont en couple. Voilà. Bah mais oui. Oui non mais oui, Alkamir nous l'a dit. Alkamir s'est fait attaquer par eux. Et apparemment ils seraient loups et en couple il paraît. Ouais. En tout cas Omega. Sauf que du coup Omega est loup. Et l'autre mec qui meurt c'est une erreur de Tomsko qui est PF. En gros c'est lui qui m'a dit lui il est méchant et sauf que du coup on l'a attaqué et il se défendait pas. Du coup bah on l'a tué et en fait il s'est pas défendu une seule fois donc. Je suis chaud de fight avec des gens en qui on est sûr d'être safe en fait. Parce que Vegali par exemple j'ai pas confiance là. Là j'ai confiance en Alkamir, Zedrix, Tomsko, Gil moyennement et Vimpos. Gil c'est bon, Gil est safe. Hein. Donc je sais pas qui veut venir mais. Moi je viens pas non pour laisser ma place, je suis pas très bon et j'ai pas beaucoup de gaffe. Moi je m'en fiche, honnêtement ça me dérange pas mais. Je vous jure qu'il y a un problème dans la game, ça manque terriblement de loups, il manque trop de loups là. Il y a deux loups de mort depuis le début. Bah après il y a Itiraton, Totoma, Omega, Luzord, Ellery. Ça fait 5 hein, quand même là. Ça fait 5, j'ai tué 2 loups et il y a eu un loup mort, ça fait 8, attends, c'est ça hein. Mon non, moi je pense que c'est bon. Hein. Moi, je pense qu'il y a tous les loups là. Hein. Ouais. Non, mais moi je pense que c'est ça. Il manque à la limite rôle solo. Le couple, ça doit être 2 loups comme il a dit. Et moi c'est bon, hein. Je pense qu'on a tout le monde. Rôle solo, il y a un assassin qui est mort. Oui, mais je pense que c'est ça. Hein. Non, le seul problème dans l'histoire, c'est le. Et toi, alors chérie, moi je pensais que t'étais infecté, du coup, c'est pour ça que je t'ai attaqué. Mais non, d'après Ellery m'a balancé ton rôle, il paraît que t'es ermite. Il m'a balancé ça comme ça. Donc du coup, je veux savoir quoi. C'est même pas ça. Merde, Vegali m'a dit la même chose, mais ce n'est pas du tout ça. Ah ouais, mais je sais pas, c'est Ellery qui m'a balancé ça d'un coup en fait. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais moi en fait j'aurais bien aimé rester avec Sam parce que Sam je pense que c'est celui qui on peut avoir le plus confiance mais... Non mais allez-y, hein, je peux traîner tout ça. Non mais même toi hein, en soi hein, je veux dire. Hein. Ah ok. Ouais mais c'est groupe de 4. C'est groupe de 4 mais bon Sam il s'est barré mais je crois que Sam c'est lui l'ermite en fait parce qu'il reste toujours tout seul. Ouais, Tomsko il est PF hein, et je crois qu'en gros c'est une erreur, il a dû lire un truc dans le chat des loups qui du coup ou alors Tomsko est en couple et moi ça me faisait peur mais vu qu'après Alkamir est arrivé en disant que c'était le couple Omega Luzord, j'étais en mode bah non du coup c'est juste une erreur que t'as fait quoi. Alors attends, pour le coup oui mais c'est ce que je soupçonnais aussi moi, c'est ce que je soupçonnais aussi. Non mais le truc du couple déjà que c'était Cupidon et en plus bah je t'ai dit il l'a attaqué, le mec se faisait attaquer par 4 mecs, il l'a quand même sauvé quoi. Surtout il a quand même aidé. Fire il s'est pas fait attaquer par Omega et truc, il s'est fait attaquer par Itiraton qui arrivait à ce moment-là. Ouais. Ah oui d'accord ok.
Ouais, du coup, je pense juste que Tom Squaw fait vraiment une erreur et qu'il est pas genre. Au début, j'ai vraiment commencé à douter qu'il était vraiment loup, tu vois. Mais vu que, bah. Apparemment, d'après ce que Gabe dit, ça serait du coup l'autre, le. Enfin, Ellery le perfide. Hein. Donc. Mais si et qui est l'infect père des loups? Y'a pas d'infect? Ça se trouve, y'a pas d'infect en fait, ça se trouve. Moi, je pense que le dernier, il est SV. SV, Cupidon, aubergiste, loup-garou simple, loup-garou simple. Les 5 derniers morts. Je vais mettre le premier pseudo en vert, tu vois. Bah moi j'ai quasi tout le monde en vert là dans le tamas. Ah ouais c'est vrai, bah, ouais. Attends, je vais, bah je vais... sauf Ellery, Itiraton, Omega, Luzord, Totoma. Moi le G-Color parce que là c'est un peu la merde. Bah mais il manque des rôles solo, des choses comme ça hein. Putain j'en reviens pas que mon secret je l'ai confié à Nimbus qui était loup-garou depuis le début, il a dû le dire instant dans le chat des loups. Bah non parce qu'il se serait fait cramer par la PF, s'il l'aurait... Ah par contre, c'est peut-être pour ça que les loups... Donc il peut pas parler dans le chat des loups. Ah mais oui, il peut pas parler dans le chat des loups. Donc en vrai t'as de la chatte. Oh MDR. Oh la chatte que j'ai eue, sa mère. En vote qui? Moi je serais chaud de voter en vrai Omega je pense. En vrai, c'est toi qui avais tué Gobiard? Oui. Est-ce que tu pourrais me resituer à peu près à l'endroit où tu l'as tué? Là-bas, mais loin. Mais tu veux qu'on y aille? Depuis le début. Ah, mais t'es chaman, hein, ou un truc comme non, ça. Non, mais non, et les braconniers. Ah, viens, vas-y, là. On peut le chercher si tu veux, en vrai. Juste faut faire gaffe parce que c'est la nuit. Mais tu sais que, chérie, je t'ai posé la question tout à l'heure par rapport ouais. Tu voulais chercher le cadavre. Bah, je me doutais, mais je me suis dit, vas-y, tu le ferais pas aussi ouvertement, quoi. Mais au début de la game. Frérot, j'étais à deux doigts de me faire presque saucer par toute la game. Non, au tout début, genre à 60 minutes de jeu. Et les gars, moi, je vais aller chercher le cadavre, j'en ai rien à foutre. Ah bah non mais j'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit je veux trouver où est-ce qu'il est mort tu vois. Et j'ai potentiellement trouvé quelqu'un qui était à côté. C'est ma meilleure infiltration là. Merci Argo. C'est ma meilleure infiltration là. Je suis safe par toute la game, même les loups. Je suis safe. Oh j'en ai marre. Viens, c'est par là. Bah dans le groupe de guêpes hein. Du coup. Malheureusement dans le groupe de guêpes hein. Désolé pour la marchande de fruits. Je suis désolé. Ah c'est là, c'est par là. Oui c'est là, c'est là, c'est exactement ici, regarde. Viens. Il y a la flotte là. Non, attends. Ah oh, Gap il a pris 3 votes. Putain mais vous avez pas voté? Attendez mais on est 4 dans le groupe là. Vous avez pas voté? En fait Gob est déco. Mais Gob on l'a tué. Ah, bah, c'est là, c'est ici voté, là. Je crois que c'est par là. C'est vraiment dans ces environs là. Zredrix t'as voté frère? Ça, ouais, un truc comme ça. Qui n'a pas voté wesh? De mort sous les arbres. Oui, je l'ai tué sous les arbres. Mais en gros, il était en sneak, il se cachait sous un arbre. T'as voté? Non, je. Oh, non, c'était par là. C'était exactement à cet endroit, mais je crois que c'est genre par ici là. Il s'est caché sous les arbres quelque part, mais je sais plus exactement où c'est. Ah, je prends le risque d'aller sous les arbres. Oh, bah là, ça va fraîcher si tu te fais tuer à ce moment-là, je t'avoue. Mais le groupe de guêpes est sur eux, non? Ouais, ça fait quand même longtemps, j'avoue. Bon. Bah, je sais pas, hein, quand même, ils ont dit qu'ils vont sur eux, mais en attendant. En tout cas, la game elle a mis du temps à se lancer. Hein. Ah, je t'ai vu. Hein. On va rester comme ça pour l'instant. En vrai, tu sais que, au bout d'un moment, à chaque nuit, je disais, la nuit c'est bon, ils vont attaquer. Là, après, à un moment, je me dis, c'est le groupe de guêpes. Quand j'ai vu qu'ils avaient pas attaqué de nuit, je me suis dit, ça peut pas être eux, ils auraient joué. Et là, à un moment, je commence à me dire, mais attends, mais si ça se trouve, c'est mon groupe. Et là, il y a Vigali ou Moumou, je sais pas qui, il me dit, hey, est-ce que tu sais qu'on cache une info depuis tout à l'heure, il y a un méchant entre toi, Omega. Je fais quoi? Comment ça? Là, il y a Omega qui commence à me tabasser. Mais, mais au début, mais je pense. Bon, mais du coup, il est détective chez eux. Je sais pas, mais moi je pense. Il y avait un détective en plus chez non, eux. Non, c'est impossible. Jumeau. Bah, renard si, détective. Si, il y a. Jumeau renard détective. Frère. Jumeau renard bah, oui, mais ça se trouve, il y a beaucoup de loups, tu vois. Je sais pas. Après, non, honnêtement, c'est Bilal. C'est possible. Oui, non, c'est Bilal. Hein. Et il a fait une compo amusante, il a dit. Il a mis la marchande de fruits. Hein. Et ça fait deux fois qu'il fait des compos, deux fois qu'il met la marchande de fruits. Hein. Et du coup, moi, pourquoi j'ai pas. Merci Bibrouge et Kaito aussi, les gars, merci beaucoup. Il était ermite. Depuis le début, il nous disait non, s'il vous plaît, je veux pas envie qu'on reste dans un groupe de 5, s'il vous plaît. Je suis ok. Ouais, il vous a fait croire, quoi. Mais moi, au début, je pensais que c'était l'autre qui disait de la merde. Je suis en train de demander d'où il tirait l'info. Et là, je suis en train de lui dire, mais tu vas juste défoncer ta game. Et là, il me tue, je fais, vous vous êtes fait tuer par un loup-garou, vous avez respawn. Je me dis, ah, ok, mon pote, ah, je vais revenir, mon gars. Ouais, ok. Ah, d'accord. Ah, mais t'es garde. Bon, non, ancien. Non. Oui, ancien, pardon. Mais tout le monde sait, hein. Tout le monde sait. Hein. Ah. Moi, je viens de l'apprendre. Ouais, mais du coup, t'as plus ton effet de résistance, par contre. My bad. Oh merde. Là, si tu te refais tuer par un loup, c'est la sauce, quoi. Yes. Mais du coup, il reste 5 loups. En vrai, ça va, non? Je m'en rends pas compte. C'est les nerfs.
en plus la... ouais, un peu, ouais, légèrement. Ouais. Il reste que 5 loups, ça va, non? Normalement. Ou alors il en manque, hein, mais... Ouais, il en reste 5, non? Il doit manquer un infecté, quoi, je pense. 5 loups, bon, 2 en couple déjà, sinon Tiraton ne serait pas sorti pour moi. Mais bon. Déjà, il est sorti de nulle part, frère, on l'a jamais eu de la game. Ouais, de toute façon, les Tiraton et Totoma, ils traînent tout le temps ensemble. Ouais. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont traîné ensemble et puis... Palmarès, il a gagné son Shifumi contre moi, je lui ai donné ses bottes, il a fait sa game avec, voilà. Bon, les loups dorment, hein, je crois. Hein. Palmarès, j'ai trouvé un livre Sharpness 3, un livre Looting 2 et 4 diamants en 3 coffres de Minecraft. On est d'accord que dans tous les loups qui sont morts, en plus... Hein... Oh là là, tu l'as one shot. Bah oui, normal. Bah oui, normal. Bah oui, normal, du coup, c'est force la nuit. Forcément, du coup. Mais en gros... Bah oui. Bah oui, du coup. Il a vraiment mis ça dans la compo. Bah oui, mais bien sûr, en compo caché, tu mets ça, bien sûr, tu mets ça en compo caché. Ouais, tu peux le mettre. Hein. Et puis, c'est pour ça qu'au début, j'avais trop peur de rester au 0-0, parce que je me suis dit, si ça tombe dans les oreilles des loups, je suis décédé en fait, je suis direct mort. Ouais, mais je suis pas habitué, moi, d'habitude, dans les games de Narcos, ce rôle, il est banni, il est interdit. Ah ouais, à ce moment-là? Bah, je sais pas, il trouve ça. Après, il joue des games à. Faudrait que j'aille par mon stuff, moi, en vrai. Moi aussi, bah, je me suis fait. En vrai, si on s'emmerde, moi je vais chercher de l'XP, hein, franchement. Hein. Tiens, j'ai 2 d'or. Je vais chercher de l'XP pour le. D'ailleurs, Alcan est ni l'eau ni affecté. Hop, attendez, je suis là, hein, je prends juste de l'XP, attendez, je suis à côté là. Partez pas sans moi, pitié! Je peux pas être infecté, bro, les super infectés. T'es où, Guil? Je suis là, je prends de l'XP en bas parce qu'il faut que je répare tout mon stuff. Mais je pense que je peux te faire manger. Ce que je vais faire, c'est que. Je vais réparer mon. Le stuff que. Oh là, ça fait trop peur! Mais si tu me passes ton stuff, je peux réparer. 14 niveaux, je pense, assez. T'as 30 niveaux? 14 niveaux? Ah, ouais, t'es tranquille, effectivement, ouais. Tiens, tu peux me réparer déjà ça? Je répare vraiment tout mon stuff. Mais le reste, c'est bon, je peux le réparer moi-même. Mais non, mais je crois qu'il est braconnier, les gars. Comment ça, braconnier? C'est bon. Merci. Comme ça, au moins, je vais. Je vais me faire garder pour refaire le scénario. Hop. Voilà, comme ça, au moins, j'ai mon un stuff en rab au cas où si ça pète. Ah non, je peux pas, j'ai un peu. Ça merde, putain. Tu veux jouer au Mario là avec moi? Attends, je vérifie, y'a personne derrière? Non, y'a personne derrière. Tu veux jouer au Mario? C'est bon. Oh le bâtard. On fait chier. Je vais devoir jouer sans la T4. Tu joues au Mario là avec moi, c'est ça? Enfin, non, Mario. Moi, je sais pas. Bon, par contre, c'est bien la mort de la masse. Ça fait, de... je crois. J'ai eu des flèches. Derrière, les gars, je vous amène à cadeau. T'es tout seul? T'es tout seul? Oh là. Ouais, je suis tout seul. Alors. Bah, qui joue pas du coup? Qui joue pas? Qui joue pas du coup? Y'a qui? C'est ce que j'ai compris. Ah, mais si on peut dire ça vient. Alors, moi, j'ai pas force par contre là. Vous le dire. Y'a non plus en soi. Eux non plus. Ok. Bah, ouais, c'était déjà mieux. Mais Luzord et Omega, putain. Le couple joue avec eux? C'est terrifiant. Du coup? Vous avez le couple chez vous, KO, hein, je pense. Oui, si voilà, vous avez le couple. Les gars, il faut être que 4 à tirer. Hein. Bah oui, mais il y en a un qui se barre. Et il s'est barré. Je croyais qu'il y en avait un 5ème. Tiens, attends, frère, tu fight avec mes bottes là, tu sais. Enfin, avec mon diamant. Moi, je suis là. Le train, il est assez. Venez. T'as un bon rôle, Sam? Ouais, j'ai pas. Ouais. Attends, il. Parce que la pose est vraiment de la merde, hein. Et fais gaffe, ils sont en couple, regarde. Oui, Luzard, tu fais des slash dons. Si je suis dans la merde, tout le monde disparaît en fait. Dit-il. Ah ouais, putain. Mais dit-il sous solitaire. C'est vrai, c'est vrai. Y'a un mec en trop là, Aka. Non. Aka, casse-toi. À tout moment, il est solo. Mais à tout moment, il est solo. Mais à tout moment, il est solo en fait. Hein. Ah oui. Je comprends pas pourquoi. Non, mais... il me semble qu'il est solo en fait. Mais oui, il est totalement solo. Mais il est solo en fait. Mais oui, il est solo. C'est pour ça qu'il est là. Mais oui, ok, d'accord, il est solo. Va falloir que tu TP, je pense. Qui est solo? Va falloir que tu TP all, je pense. Mais je vais TP, mais cours en cours, laisse-moi. Je connais aucun rôle de la game, je comprends rien. Tout sur Samsab. On va tuer le seul rôle qui va nous faire chier quand on va tuer. Ouais, bah, de toute façon, bon, vas-y quoi. Merci. Merci. Derrière moi. Il y a le G. Putain, il me fait mal! Bah. Vas-y, saute pas, Guil. J'ai failli tuer Luzord, je pense. Luzord, focus Luzord! Focus Luzord! Ok. Wesh, j'ai pas vu. Oh, il y a pas là, si. Mais y'a des mouches là, y'a des mouches! Luzord très low! Luzord très low! Non, ça, ils sont en train de chase Sam. Continue de shoot Luzord. Je vais me venger, Omega frère. Mais j'ai vraiment traîné avec le coup toute la clé. Vas-y, on peut y aller, en vrai, on peut y aller. Luzord est très long. Il y a 2 minutes avec vous. Une flèche du tout. Mais comme on est 4 là, c'est bon. Mais je suis heureux. Ouais. Non, mais ouais. Non, mais oui, il est loup solitaire. Il y a des rumeurs qui ont mis qu'elle était loup solitaire, frère. Moi, je Ah, vous parlez de moi? Mais non, je suis chez un loup. Vous êtes trop con.
Mais oui, je suis jaloux. Attends, mais pas vraiment. Mais oui, et Nimbus depuis le début, vous pouvez pas vous le dire parce qu'il était craintif. Alors qu'il le savait. Oh là, mais hey, les gars, venez juste en cours, on va dans une forêt, on les fait. C'est une forêt, ça. Il pleut des mouches, frère. Les gars. Oh, non. Ouais. Ok. Mais ouais, je me suis mis à m'avoir le lèche. Tiens, vas-y. Merci pour les flèches, ça, il y en a beaucoup là. Oh, mais c'était sûr, j'ai perdu. J'en ai marre. J'ai pas tapé à l'épée, j'ai pas tapé mon gap. Ah, regarde, hop, voilà, c'est bon. Allez, hop, tac. C'est moi l'horreur qui met charmante. Mais non, pas sur lui, il est solo là. Bah, fais gaffe, t'as tout seul. Fais gaffe. Je suis bien. Non, il est loin. Quand vous voulez, les gars. Tournez. Je suis un peu low, je t'avoue. Oméga. Là. Oh, il s'est jeté sur moi tout seul, frère. Okay. Ouais, de toute façon, okay. Il va se faire dedans. Fais gaffe, Jérémy. Sur, il a. Ouais, Sam, faut pas que tu crèves ou sinon t'épais tout le monde avant de crever. Hein. Les gars, j'ai broke, hein. Je suis mort. Hein. Vas-y. C'est horrible. C'est bon, j'ai tué. Viens, on va les aider. T'as des blocs ou pas, s'il te plaît, pour moi? Tu vas te bloquer. J'en ai 48, frère. Ah, j'en veux bien, s'il te plaît. Okay. Oh, il a tué Sam. Attends, prends l'huile. Ouais, moi, j'ai pas d'huile, hein, je t'avoue. Hein. Ah, mais moi non plus, j'en ai pas. Ah, il en avait pas non plus, en fait. Non, j'ai 3 gaps. T'as combien? J'ai 5 là. Okay. Bah, c'est chaud. Ouais, je t'ai combien dit, frère? Attends, je fais. Attends, c'est vrai, frère. Attends, je vais prendre un stuff de rechange du coup. Ah ouais, moi aussi, je vais faire pareil, gros. Ah ouais, non, mais mec, on s'est fait allumer là. Moi, je vais retourner prendre de l'XP, hein, je vais réparer mon stuff. Hein. On a perdu Zedrix par contre avec nous, non? Ah, mais non, mais il s'est barré lui en fait. Moi, j'ai pas spécialement envie de fight la nuit, je vais pas vous mentir. Je vais aller prendre de l'XP, je vais réparer mon stuff. Attendez, il est mort où? Ah, il est mort là? Ouais. Non mais il a broke, hein, je crois. Il a broke. Tout. Ah non, il avait... Non, c'est le casque qui a broke. Il avait déjà... Ah bon? Ouais, il faut que je répare mon casque, hein, les gars, je peux mentir. Hein. Allez, let's go. Y'a pas des mobs ou une cave avec de l'XP, là? Pour deux. Je sais que Sam va TP. Personne. Non, j'ai pas. Sam va TP all, hein, donc là, maintenant, je vais aider les loups, hein, bien sûr. Je fight avec un casque P2 depuis tout à l'heure, je suis un fou furieux. Faut que j'aide les loups, maintenant. Je fight avec un casque P2 depuis tout à l'heure. Oh, moi ça va, ça a mis bien là, le power 4 gros. On a le power 4 grâce. Attends, à la marchande de fruits, on le rappelle. On a perdu qui là dans l'histoire? Le pire c'est que... Dans... Ah. Parfait pour moi. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de ce moment. Je vais juste faire ma T4, voilà, simplement. Juste profiter de ce moment. Je vais faire ma petite sharpness 4 et je retourne au centre comme une petite fleur après. Je pense que ce sera groupe merci de 3. Pour ces euros ton stream a bug pendant 2 minutes, je te le dis pour que tu le saches, mais c'est revenu sur mon Twitch. Ah, ça a fait. Ça a bug comme tout à l'heure. Ah merde. Allo, ça va? Bientôt. Bon, attends, parce que mon stream apparemment a bugué. Ah bon? Merde. Moi je prenais de l'XP là. Du coup, parce qu'on, okay. Vu qu'on a fight contre le groupe entier et qu'en fait ils ont broke leur stuff, bah du coup on. Ah, mais t'as des niveaux toi encore, non? 9, ouais. Ah, je le veux bien alors. Oh non! Ah bah je m'en bats les couilles au pire. Oh non, mais quoi? Il avait pas infecté? Mais quoi? Oh, il avait pas infecté. Merde. Putain, en vrai c'est très drôle les gars ce qui se passe dans cette game. Hein. Merci pour ces euros de plaisir. Merci Sylvester. Ouais, merci. Merci mon gars, ouais. Ouais, merci beaucoup pour les 100 bits, j'ai pas réussi à lire ton pseudo correctement là. Oh putain, par contre la mascarade est terminée, ça y est, la mascarade est terminée, merde. Bon bah au moins là maintenant je sais que je vais devoir jouer tout seul maintenant. En soi les loups ils ont besoin de moi là, donc est-ce qu'ils ont intérêt à me tuer maintenant? En vrai, limite ça m'arrange même, hein. Limite ça m'arrange même. Ouais, je suis cramé loup-garou solitaire. Putain, fais chier. Putain, s'il n'y avait pas eu l'infection. Pourquoi l'infect, t'as pas infecté avant? What the fuck? Je suis le seul loup qui a fait des kills, ça veut dire? C'est-à-dire que les loups, ils ont fait aucun kill à part moi? C'est un truc de fou quand même. Sauf si c'est un ES. Bah non, là, il a été vraiment infecté, là, pour le coup. Là, il a été infecté, 100%. Bon, bah, je vais miner, hein. Enfin, je vais miner, je vais chercher 3 niveaux. On va faire la sharpness 4, hein.
Pas le dire au centre. Hein. Bah non, mais je vais pas dire que j'ai attaqué un mec et qu'il s'est fait infecter. Enfin, c'est logique. Mais qui est l'infect hein? Sinon, tu le dis, il croyait, il était solo. Bah non, tout le monde sait qu'il est renard, donc ça passera pas. Ok. Ah, ok, ça resserre un peu les taux de la game. C'est pas mal. N'empêche, eh... La game était, quoi qu'il arrive jusqu'ici, très rigolote. Je tiens à vous le dire, franchement, au début, quand j'étais... Non, plus, il essayait d'être dans mon cerveau en mode « Ah, lui, il est peut-être loup et tout, je fais table, je vois qu'il est pas du tout loup. » C'était très, très drôle. J'étais en mode, au début, je voulais juste m'amuser avec Nimbus. Et puis, en fait, quand je suis passé solitaire, ça a tout bien marché, finalement, en fait. Mais mec, au début, ça... Vraiment, quand je suis passé solo, j'étais en mode... Mec, le roi du monde, là. Ah, vraiment, mec, ça m'a régalé, hein. Tu peux dire qu'il t'a attaqué car il était infecté. Ah non mais en soi mec Bah du coup ça veut dire que ni lui ni moi ne serait mort, ça marche pas. Ça marche pas là. Allez de l'XP s'il vous plaît, il faut que je sois niveau 12-1 pour fusionner mes deux épées. Parce que j'ai le droit à la sharpness 4 en étant solo maintenant. J'espère que tu seras pas cramé par le village. Ah si, je serai 100% cramé par le village. Là, Zredrix il va retourner au centre et il va dire qu'il est loup en soi. Je pense qu'il va dire ça. Mais au pire, je vais aller en minant, je pense. Hein. C'est pas grave. Hein. Au pire, je vais laisser juste les gens fight. Hein. Fini la mascarade, hein. C'est pas très grave. J'arrive maintenant. Moi, ça m'a arrangé de m'infiltrer jusqu'à là parce que j'ai pu récupérer assez de heal et du stuff en rab. C'était juste ce que je voulais. C'était ça. Je voulais récupérer assez de stuff pour être tranquille jusqu'à la fin de la game. Maintenant. Comment les groupes de 3 ? Ça s'est fait tout seul. Ah, bah ok, tant pis. C'est pour ça. T'inquiète. Ça marche. Passer l'infection pour un bug. Non, en vrai, ça va. On sait jamais. Ah non, du tout, non. Je le tape à la main dans le chat en général. Ok, ça marche. C'est pas 10 levels la T4. C'est 10 levels quand les épées sont neuves. 12 niveaux quand c'est abîmé. Du coup, là, vous allez voir, ça va être bon. Non, mais je pense qu'en vrai, maintenant, on finit la mascarade. Hein. Juste en vrai, je m'en fiche. Je vais au centre. Et en vrai, nick, hein, en vrai, juste je fight dans les 3v3, j'essaie de prendre des kills, hein, c'est tout, hein, j'essaie de prendre les kills qui m'arrangent. Hein. Non, enfin, je sais pas, pour moi, ça m'a l'air d'être moins prise de tête de faire ça, quoi. Hein. Franchement, hein, je vais aller me refaire quelques blocs, hein, et puis voilà. Hein. Ouais, go snowball, hein, je suis d'accord avec ça, hein, pour moi, là, faut snowball, hein, je pense. Hein. Stream incroyable en vrai. Eh, la game était sympa quand même, hein, de mon côté là. Peu importe ce qui se passe, en vrai, je suis content. Parce qu'en vrai, ça a été une stratégie un peu différente, donc... Mais c'était même pas voulu en soi, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est que c'était même pas voulu. Mon casque, hein. Ah ouais, je peux réparer mon casque à nouveau, ouais, pas con. Sauf que vu qu'il a déjà été réparé, en soi, ça va coûter cher. Hein. C'est ça le problème. Je vais regarder quand même, on sait jamais, mais je pense que ça va coûter cher. Ouais, 9, hein. Faut aider le village vu le nombre de loups, il y a aussi les solos. Ouais, bon après honnêtement, moi maintenant j'ai 15 coeurs, ma sharpness 4, je t'avoue que le reste je m'en fiche un peu quoi. Faut juste pas que je perde du heal bêtement en fait, en gros c'est juste ça. Faut que je fasse attention de pas perdre du heal bêtement. Là je suis arrivé dans une bonne position maintenant là, donc voilà. Une première sur les lives aussi incroyable que la vidéo même sans montage. Merci Yakomi, mais après là t'es arrivé sur une très bonne partie pour le coup. Hein. Là... Oh Nimbus, quand je vais t'envoyer la game et que tu vas devoir la monter. Oh là 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 là. Oh là là, mission impossible 6. Oh putain. En vrai, Gap il est peut-être solo. Hein. Gap il est peut-être. Ah mais non, mais il y a les deux sœurs avec eux. Vimpos. Hein. Ah mais oui, ok, il y a les deux sœurs avec eux. Mais Gap il est soit sœur du coup, soit. Bah oui, c'est sûr, Gap est sœur du coup. Ah ouais, ouais. Allez, Gap est sœur. Il a dû se faire trahir par Momou du coup. Faut que j'aille des guêpes. Hein. C'est un event aléatoire le fait que tu sois passé solo ou c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est, ça remplace le loup blanc en fait. C'est le loup-garou solitaire. En gros je suis le loup blanc de mon camp quoi, en quelque sorte. Donc voilà. Il a combien de kills pour l'instant? Je suis à 5. Après 6 à gagner. Je le savais. Tu sais que j'étais pas du tout en France, enfin chien-loup ou quoi que ce soit. Et depuis le Nimbus je faisais croire ça même à Nimbus. Sauf qu'en fait, à un moment donné, je suis passé loup solitaire, j'étais en mode putain, trop drôle. Alors que de base, moi, je voulais juste m'amuser avec Nimbus en fait.
Moi, je voulais juste m'amuser avec Nimbus et le troller un peu. Et en fait, après, je suis passé vraiment solitaire. Je me suis dit, oh putain, ça m'arrange de fou. Mec, quand je vois que je suis loup solitaire, 15 coeurs, et que tout le monde au milieu des villageois me dit, non, c'est bon, Guil est 100% safe, je suis en mode. Le roi du monde, en fait. Je suis trop bien, en fait. Et puis après, là, je viens de tuer Zredrix. Il s'est fait infecter à l'instant. Du coup, là, ça me nique. Alors que sinon, j'aurais été trop, trop bien. Je pouvais retourner là-bas tranquillou, au centre. Mais là, j'avoue que l'infection, je sais pas qui est l'infect père des loups pour l'avoir gardé aussi longtemps. Et je pense que c'est entre Luzord et Omega et qu'ils l'ont claqué pour. Pour pas être soupçonné de couple, quoi, simplement. Hein. T'as tellement troll que certains du chat pensaient que tu étais chien loup aussi. Mais je te jure, c'était énorme. Hein. Tu penses pas qu'il y aura un LGB en plus du solitaire hein. Peut-être, en vrai, vu qu'elle infecte père des loups. Moi, je pense juste que Bilal sait pas trop faire les compos, à mon avis. Et que du coup, il a mis trop de loups, à mon avis. Ou pas, on verra. Faut que je me refasse juste quelques flèches et on est bon. Je sais que ça prend un peu de temps les gars, mais en vrai moi maintenant c'est pas prise de tête hein. Maintenant moi j'ai juste à attendre un peu que les gens jouent hein. Ah lui il est mort non? Ah il était déjà mort depuis un moment en fait. Moi j'ai juste à attendre que les gens jouent hein. Perso je vais pas me prendre la tête là hein. Je vous avoue franchement j'ai pas envie de rusher ou quoi que ce soit, on prend le temps quoi. Ouais mon cas c'est ce que je suis en train de prendre de l'XP justement pour ça en fait. Je m'étais endormi 5 minutes et je comprenais rien à la game. Combien de level? Il m'en faut 9 hein. Tu penses à un vrai chien loup? Non, il n'y a pas de chien loup. Sinon, je me serais fait attaquer bien plus tôt. Mets-toi bien et win la game. Win, ça va être compliqué, mais en vrai, je fais mon max. Et puis, dans tous les cas, peu importe ce qu'il arrive, je suis content de ce que j'ai fait dans cette partie. Je trouvais que c'était intéressant. Ça change comme partie, on va dire. Genre, pour le coup... Même, je crois que c'est la première fois en tant que loup solitaire où j'arrive à être safe par 99% des gens. Oh, mais c'est pour ça qu'il jouait tant avec Gep et tout. MDR. Oh, ça m'arrange tellement ça en vrai. Ah, écrivez les loups là dans le chat. Allez-y. Écrivez, allez-y, écrivez. Ah, il y avait vraiment un loup blanc du coup, il y avait un deuxième loup blanc, incroyable. Du coup ça m'arrange de fou parce que du coup ça veut dire qu'il y a plus personne qui a une T4 à part moi là. Plus personne qui a 15 coeurs. Pour la première fois que je peux leur parler de la game. Pour la première fois que je peux leur en parler. Ça fait déjà une grande partie de ta game, faudrait pas ruiner pour gratter un ou deux kills de plus. Ah non mais clairement. Mais là de toute façon moi ce que je veux là actuellement c'est me faire juste réparer mon stuff pour être vraiment tranquille. Parce qu'en vrai, je pense qu'il y a moyen que ça passe, quoi. Mais juste, il faut que je prenne les fights au bon moment, c'est ça le problème. En soi, si Gep il est sœur et qu'il a perdu sa sœur, ça m'arrange. Voilà. Si Gep est sœur et qu'il a perdu la sœur, ça m'arrange. Là, les loups, ils sont plus que 4, en sachant qu'il y en a un qui est renard. Eleri Omega. En vrai, le village est plus fort que les loups, là, pour le coup. Mais en fait, les deux camps vont vouloir me garder, je pense. Merci Horaz pour les 15 mois. Là, les deux camps, en fait, ont aucun intérêt à me fumer, quoi. À part peut-être le village quoi en soi. Le village pourrait. Hop. Hop. Voilà. Bon bah stuff tout neuf hein. Voilà hein. Enfin presque en vrai. Presque tout neuf mais bon c'est des bots ça va. 165 de dura. Faut que je fasse vraiment gaffe parce que mon casque peut vraiment casser hyper rapidement. Donc ça serait quand même vachement con hein. On va pas se mentir. Ah je voulais m'en faire des flèches hein. Parce qu'en vrai là avec toutes les plumes que j'ai je peux me faire plein de flèches. Ah je suis content de cette game tu vois. Franchement bonne partie celle-là. Bon il y a eu un peu des bonnes circonstances hein, qui font que c'était cool hein. Mais bonne partie en vrai. Puis en vrai j'ai tué 3 villageois, 2 loups-garous en soi. Donc bon non 3 loups-garous pardon, 3 loups-garous, 2 villageois. Donc bon en vrai je fais un peu mon rôle mon travail de rôle solo quoi. Un petit peu. Bon nickel, je vais garder les 41 flèches si j'en ai besoin. Bon vas-y on va essayer d'aller voir au centre. Je vais peut-être creuser pour pas prendre de risques en vrai. Je vais creuser genre sous les arbres je pense, à mon avis. Et on va voir quoi tout simplement hein. On va voir ce qui se dit quoi. On va voir ce qui se dit au 0-0. Même si je pense que là en vrai il n'y a pas trop de suspense à mon avis hein. Je suis cramé un peu par tout le monde je pense. Donc voilà, je vais aller au 0-0, je vais écouter sous les arbres et on va voir un peu ce qui se dit quoi. Merci Monkey Smog, merci beaucoup mon ref.
Eh ben les amis, quelle partie? Ma foi, quelle partie? Faut pas que je m'approche trop par contre. En vrai, mon rêve que je trouve un loup éloigné là, ou même un villageois, tu vois. En fait, le village, ça fait chier, hein, parce qu'il y a Sam, Gep quand même, et Sherim s'il est... Ou alors c'est Sam l'ermite, hein. En fait, si Sam, il est... Ah non, Sam, il est Trublion. Et il a déjà utilisé son pouvoir pour TP. Ah, il a dû inverser Fire et... Ah, peut-être inverser Tomsko, en fait, parce que Tomsko a dit qu'il avait l'info sur Momout à côté tout à l'heure. J'ai pas beaucoup de blocs par contre, hein. Franchement, niveau bloc, c'est chaud. Hein. Je m'approche juste un petit peu. Ah merde, c'est l'autre côté le 0-0. C'est là-bas. Bon. Ah, il s'est fait grimer. Il s'est fait grimer. Ouais. Apparemment, on a vraiment failli les drops hein, dans le combat Vimpost. Mais là, ils ont. Ah, on a failli les drops. Ouais, bah, juste en leur mal, mes chers. Par contre, ouais, ils ont plus d'huile, je crois. J'ai entendu qu'ils ont 6 pommes. Ok, voilà, ils ont plus personne n'a plus de heal. Donc là, en vrai, plus personne n'a de heal. Je vais pas prendre le risque d'y aller maintenant. Plus personne n'a de heal, ni les loups ni eux. Je suis celui qui a le, je suis la seule personne ayant du heal dans la game là. Donc en vrai, moi ça, je m'en fiche. Hein. Je joue à distance. Hein. Faut pas que j'aille. En fait, faut que j'aille aider les loups. Parce que si c'est vrai que les loups ont plus de heal, dans ces cas-là, faut que je les aide. Surtout que en vrai, là, la team des loups, c'est pas la meilleure qui existe là, actuellement. En vrai, c'est bien, je prends des blocs comme ça. C'est très très bien. Comme ça, je récupère des blocs. Hop. Bon, en tout cas, on a vu Gep et Vimpos sont ensemble. Vegali. Gep et Vegali sont ensemble. En sachant que Vegali, je connais pas son rôle, et il y a certainement un ermite encore. Attends, j'avais dit que... Ah non, mais attends, il y a peut-être un solo parmi eux deux, non? Parce qu'Alkamir, il est ancien. Sherim connaît pas son rôle, donc il est peut-être solo, Sherim. Gep, il est sûrement sœur ou alors solo, et Vegali, il est bah, peut-être sœur ou solo aussi, en fait. Dans tous ces gens-là, il y a forcément un solitaire. Hein. Enfin, un solo. Parce que Zredrix, il est... Il est... Il est renard infecté, quoi. Je sais pas quoi faire... Je sais pas quoi faire. Hein. Je sais pas quoi faire les gars là. Je suis un peu perdu dans cette idée là de quoi faire. Hein. C'est marrant, à droite avec le bug, on dirait qu'il y a écrit groupe de 36. Hein. C'est très drôle. Hein. Je sais pas quoi faire là. En plus ça va être... j'attends la nuit peut-être. Hein, parce qu'à mon avis les loups vont jouer la nuit, faudrait que je les aide. Hein. En vrai, il faudrait que ce soit moi qui tue les villageois. Genre j'aide les loups mais c'est moi qui prends les kills sur les villageois. Parce que je pense que les loups s'ils ont plus d'aide, ils vont crever. Tout seul. Donc en vrai, ouais, si je peux récupérer les kills sur les villageois, récupérer le heal moi et les stacks comme ça, en vrai, ça peut fonctionner. En vrai. Ok, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Du coup, il reste chez... Oh, c'est exceptionnel. Oh, c'est exceptionnel qui est en train de se passer. Oh, c'est exceptionnel. Oh, mais alors là, c'est vraiment exceptionnel ce qui est en train de se passer, vraiment. Non, mais c'est le pompon sur le gâteau, en fait. C'est le pompon sur le gâteau. Il reste deux loups et trois villageois. C'est un plateau d'argent. Oh, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait le couple. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait le couple. Ok, et il reste un solo parmi les trois, du coup.
Ouais, il reste un solo parmi les trois. Donc du coup, il reste deux villageois, un solo, deux loups-garous et moi. Bon bah en vrai... Je vais aller aider les loups, hein, maintenant faut que je trouve les loups quoi. Ah, faut que j'aide les loups quoi. C'est bientôt la nuit en plus. Pas gaspiller mes pommes d'or. Oh, c'est exceptionnel ce qui se passe. Qui est mort? C'est Omega qui est entraîné dans sa chute Luzord. Tu vois, je vous avais dit que l'infect c'était Luzord, je pensais. Il avait pas infecté pour le garder pour son couple. Hein. Sauf que du coup, à la fin, il s'est dit peut-être qu'on est trop dans la merde, donc obligé d'infecter. Ou alors il a misclick, hein. Peut-être misclick, hein. Peut-être ça aussi, hein. Après, peut-être que là, du coup, ils se sont fait tuer par des loups. Non, je pense pas en vrai. Je pense qu'ils se sont fait tuer par. Mais par Sherim, du coup. Mais c'est pas possible. Si. Ah, si, il devait être en 2v2. Et du coup. Luzord a dû tuer Alkamir et Sherim a dû tuer Omega, ce qui a tué Luzord. Je pense que c'est ça. En fait, ce qui me fait chier là, c'est que je préfère attendre la nuit parce que il reste encore 3 bons rôles chez eux là. C'est pas encore gagné de toute façon, hein. C'est pas encore win, hein, mais bon, j'ai entendu qu'ils ont un petit peu de heal encore les villageois là. Les loups, ils ont plus rien. Les villageois en ont encore un peu. Donc du coup, faudrait que je trouve les loups là, idéalement. Passez Belletis. Attention, groupe de 2 maintenant. Non. Non. Non, MDR. Ça existe pas, ça. Ça existe pas. Je suis mort. J'ai vraiment cru que... J'ai loupé, c'est bon. Ouais, c'est ça, ouais. On peut plus rire ici. Ouais, c'est ça, ouais. La fameuse rigolade, là. Ah. Ah bah enfin je vous retrouve les gars, ça fait longtemps. Alors il y a Eri à côté en invité. C'est vrai que ça fait longtemps que t'as pas vu toi. Bah ouais. C'est bizarre en vrai. Bizarre. Tu sais que j'aurais pu croire que t'étais chien loin si t'étais revenu. Bah il a fait croire. Mais non, mais j'ai tué un mec qui s'est fait infecter. J'ai tué un mec qui s'est fait infecter en fait, ça m'a niqué. Ah mais on savait pas moi. Ouais mais bon. Ils nous l'ont dit là. Le problème c'est que du coup, oui non mais moi je suis allé chercher de l'XP quoi. En gros. Je vois. Parce qu'il fallait que je répare mon stuff, depuis le début j'avais rien là. Bon GG, vous avez gagné, j'ai vraiment une gapple donc Bah j'ai une pomme d'or là donc Bah t'as speed toi loups, tu peux gagner encore. Bah ils ont plus de heal non plus non je crois. Ils disent dans le chat des loups qu'ils ont plus de heal. Bon, j'espère que les loups vont jouer et qu'ils vont pas... Mais t'as speed toi? Non. Non j'ai pas speed hein. Ah ouais c'est pour ça. Je me dis je comprends pas. Et t'es quoi comme loup-garou en plus de ton solitaria? Je suis chien loup. Oui. En vrai de base je voulais juste En vrai de base je voulais troller Nimbus de base hein. C'était vraiment ça qui s'est passé. Et en fait vu que je suis passé solitaire ça m'a carrément arrangé en fait. D'accord. Mais de base moi je me moquais de Nimbus et lui il est tombé pile dans le panneau tu vois. Donc bon. Bon mais pote loup il branle quoi là en fait? Bah se trouve il y en a un qui est en train de suivre en invisible hein. Et ah putain mais oui l'autre il est sûrement en invisible là. Ah mais oui c'est vrai. D'ailleurs, bien sûr, hey. Le boost de merde. Désolé. Est-ce que j'ai... mes potes loups ont le droit de venir ou... Je suis à 2 cœurs Noï là. Oui, hein, au moins oui. Moi je suis à 4 cœurs avec une gap. Oh putain, vous avez plus de heal les gars, c'est chaud en vrai pour vous. Ah, et les loups vont gagner. Je sais pas ce que c'est. Oh mon aim. J'ai vu ça. J'ai vu ça en F5. J'ai tout ah, vu mec. Vraiment, j'ai tout vu. C'était visible. J'ai tout vu. Oh les loups. Bon, pire team de loup là par contre. Derrière. Ah oui, ça y est. Oh on occupe. Cours. Cours mec. Cours mec, viens vers là, viens à gauche. Redrix. Oh non. Il est tombé, c'est bon. Oh merde. Oh. Aïe. Fais gaffe, il a force hein. Et pas oh non, la chute. D'accord. Oh, y a Gil qui va se turn de toute façon.
Oh merci. Quel alpha punch lui. Je suis GG. Mais les dicks. Eh oui, j'ai la T4. Bah Guil là c'est plus trop le cas quoi. Non mais même en game normal on n'a pas le droit je crois non. Ah bon non. Les gars on va devoir céder un peu. Ah oui. Bah ça y est gros, mais pas à 3 contre moi quand même s'il vous plaît les gars. Quand même, s'il vous plaît. Mais Guil t'es débile toi. Mais t'as voulu me tuer, t'as dit on va céder. Mais tu crois vraiment que c'était vrai. Après je vais pas t'aider non plus chérie, il m'a 25% dans la vie là le monsieur braconnier là. Les gars c'est souvent. Putain, ces mecs, c'est trop drôle la réaction de Nimbus là quand. Oh, elle fait pas un mat ta T4. Bah oui, hein, salut. En plus, si on me booste. Oh, oh ça fait bobo ça. Et ils sont dans le trou. Et pourquoi tu me tues? Voilà, il est GB, mais bon, enfin, c'est clair. Oh là là. Vas-y, topo. Non, non, Cédric, c'est pas le bon. Non, ouais, là pour le coup, là maintenant c'est pas. C'est les solitaires. Là pour le coup, ouais, c'est pas le bon là. Mais non, mais là je vais t'aider. Réfléchis. C'est quoi cette game? Je suis mort, sa mère. Ah non. Bon, attends, moi je suis occupé, j'ai autre chose à faire. Tu l'as tué? C'est bien. Ah non, ok, putain, je croyais que j'entendais pas de bruit, gros. Bah oui, mais moi je me suis dit, bah je sais pas s'il laguait ou pas, ah, donc j'ai pas osé taper. Let's go. Oh non! Mais j'ai toujours la T4 par contre. Ouais bah je m'en fous hein. Oui c'est ça oui. Derek, qu'est-ce qu'il fout? Je sais pas taper. J'ai vu, j'ai fait M5 je vois. J'ai fait M5 ça m'a fumé. Oh, il a marqué 3 coups à bout portant. Ah ouais. Ouais. Eh vas-y. Ah ça me fume. Laissez-le, il a tout raté mais c'est pas sa faute. L'eau elle m'a demandé de te tuer. L'eau elle m'a demandé de te tuer, je suis désolé. Ah non! Ah bah non hein! Oula, ça sent le bombier cet endroit. Oh non, le pauvre! Oh vas-y, viens! Oh le pauvre! C'est l'eau qui m'a demandé de te tuer! J'y peux rien! Le rôle pivot en fin de partie. Ouais, bah, je te jure. Le rôle pivot là. Désolé, le seul rôle off de la game. Non, les jumeaux, mais ils sont morts avant. Ouais, c'est pour ça que je dis. Les jumeaux qui restent décollés ensemble toute la game. Attendez, laissez finir le fight. Ils ont dit quoi les jumeaux? Non, ils restaient tout le temps ensemble. Ah, bah oui, bah du coup, là, c'est mal joué, ouais. Ça reste combien de heal, chérim? Honnêtement? Ouais. Il me reste 12. Ok. Parce que si t'en avais plus, je t'en aurais donné. J'avais 25. Oh, oui, t'es bien. Bah en fait c'est ça, au début ça m'a carrément arrangé que du coup tous les villageois me safe parce que je tuyais des loups, je récupérais du heal sur eux et puis après j'étais en mode quand il y a eu la TP de... Quand il y a eu la TP je me suis dit bah maintenant j'en ai plus rien à foutre hein. Mais toi t'as 25% de résistance non, de ce que j'ai cru comprendre, c'est ce qu'on m'a dit quoi hein. On m'a dit que t'avais 25% de résistance là, ça fait bobo la rési là. Ouais, pas du tout mon gars. Ah ouais. Non mais du coup... pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Moi je suis en ok faire ma T4 là tout à l'heure là. Ah oui d'accord c'est pour ça. Ah bah oui j'allais pas me faire chier hein. Clairement Aïe bobo, aïe. Pas gentil ce que tu fais là. Ouais bah y'a le power 4 aussi Ah t'as un power 4? Eh ouais mon gars. Ah oh, ouais t'es chaud bâtard. Bah tu sais grâce à qui? Non. Grâce à la marchande de fruits. Personne t'a demandé. Ok super. Non bah ok bah je m'en vais. Allez, hop, bah moi je m'en fous hein. J'attends dans 2 minutes 20 y'a la nuit hein. C'est parfait mec j'attends hein. Non bon j'attends hein. Moi dans 2 minutes 20 si tu veux on peut. Attends 2 minutes si tu veux on peut discuter là hein. Y'a pas de soucis hein. Oh, vas-y bah attends. La discute tranquille, ça va. Ouais, ça va et toi? Si je peux te faire perdre une de tes 12 gapoles d'ici là, ça serait pas mal, en vrai. Après, je veux pas te mentir, j'étais un peu menti. Hein. Ah ouais? C'est vrai? J'en ai pas du tout 12. Hein. Ah ouais? Bah, tu m'as dit, honnêtement, j'en ai 12.
Bah, si tu m'avais dit la vérité, je t'en aurais donné. Mais là, tiens, vous. Tant pis pour toi, écoute, hein. Comme quoi, le mensonge ne résout rien dans la vie. Ouais, attends, je change quand même mon plastron au cas où, tu vois. Ah, dommage, bien tenté. Coucou! Petit porc qui pique. Aïe. Ça mec? Ça sent le no heal là. De quoi? Ça sent le no heal non? Ça sent le no heal là. Ça sent le no heal là. Je reconnais un joueur qui joue no heal. Oh, va te battre. Ok. Ouais. Ouais. T'as combien de... Tu veux vraiment piocher là, les gars? Mais non. J'ai pas dit ça, mec. Oh. 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 Mais tu meurs jamais, what the fuck? C'est quoi ce rôle? Ah bah enfin. Oh, non. Ah bah enfin quand même. C'est quoi ce rôle? C'est quoi ce joueur? Oh là là. C'est quoi? C'est quoi ça? Ah mais vous me l'avez donné sur un plateau d'argent, j'ai vu le couple mourir, j'étais en mode... Oh j'attends, ok, va. Le niveau des villageois était honteux. Ah j'attends, ok, là. Rien besoin de faire là. On s'est fait atomiser de jour parce que Guillaume il a foutu tout droit avec les villageois. J'ai ma soeur qui a résistance qui arrive à mourir de jour. Ah bah oui. J'ai Vegali qui rush le 1v1 de nuit et j'ai Sherim qui joue à l'arc alors qu'il a que 2 gapples contre le Mais oui, mais pourquoi? Plus droit, vous avez toutes les occasions. Mais moi j'étais très bien. J'étais très bien parce que justement vu que tout le monde à un moment donné m'a safe en disant que j'étais bien chien loup, j'étais en mode bah là j'ai rien à m'en faire, je peux jouer avec les villageois tranquillou, tu vois. Nous dans notre tête toute la partie c'était Moumou qui était dans le groupe du renard, on était en mode bah frère non, c'est ah ouais. C'est peut pas être toi, tu es forcément loup blanc. Je l'ai proc à la mort de Alexeus. Donc avant mon premier kill, avant mon premier kill sur un loup. Première mort du loup, je l'ai proc. Premier mort. Et pas de rôle info mineur. Donc ouais, le village n'avait aucune chance. Pas de loup, frère. Le village n'avait aucune chance alors que ça s'est fini sur une game serrée. Non mais t'as vu ce qui s'est passé là. Oui, oui. Thomas ont passé leur game en game. Allez sous la map. Allez sous la map. Vous êtes mort comment, Omega? On avait plus de gap, on a drop, en gros... C'est pour ça que vous avez infecté Lulu, ouais, Lulu a baisé, drop Alka. Il va faire insulter par tout le monde. Il a drop Alka. Ouais. Moi, sauf que moi, ouais, dans l'eau, j'avais Sherim et Gap qui faisaient que de me tirer dessus, et genre, je voyais mes cœurs qui faisaient 4. Mais attends, vous l'avez fait un non, le renard 2, 1, oui, bah oui, mais parce que de base, mais mec, on voulait le garder. Mais tu vois quand t'as eu la TP de Sam? Il y a eu la TP, Zredris pop à côté de moi, j'étais en mode, oh, il me faut mes 12 niveaux pour la. Et je lui demande, il a combien de niveaux? Il me dit, j'en ai 9, je fais, oh bah tu vas me les donner. Et hop, je l'ai tué, il s'est infecté. J'étais en mode, pardon. Il restait 3 loups, littéralement. C'était le meilleur choix de l'infecté. Et c'est pour ça que je suis pas revenu au 0-0 d'ailleurs, justement parce qu'il y a eu cette infection et je me suis dit, bah c'est mort en fait. En vrai, c'est tellement dommage, on avait bien joué en couple et tout, on avait bien gratté un truc. Bah, pour être honnête, on vous avait cramé direct. Genre vraiment, ouais, c'était. Avis sur la compo, avis sur la compo. Déjà, tu mets le avis. Mais c'est vrai que t'as mis marchande de fruits quoi, faut les s'en foutre. T'as mis marchande de fruits quand même, hein, c'est. Le marchand de fruits, je le mettrais tous les jours, frère. Carry Wood Fox, il a dû s'amuser là, il a vu marchande de fruits, il s'est dit, c'est quoi, c'est le marché ou quoi là? Qu'est-ce que. Attends, en fait, on savait qu'on était cramé à ce moment-là parce qu'en fait, c'est pas notre faute qu'il crève et qu'il soit Cupidon. Non, mais même avant, moi, je vous suspectais déjà parce que vu que du coup j'étais loup, j'avais la liste de tous les loups forcément. Et je voyais que dans le groupe de Gap, en vrai, c'était pas vraiment possible, entre guillemets, ou peut-être il y en avait un. Mais j'étais en mode, vu comment vous vous savez d'office, entre guillemets, vous, j'étais en mode, pour moi, c'est 100% chez vous. Je savais pas que c'était précisément. Tu sais qu'on a. J'ai compris que c'était QC, notre cher Fireball. Quand il y a un villageois, il meurt en cave. Il faut l'ancien pour avoir le pouvoir de Grimmer. Sauf que ça nous a encore plus cramé, ça nous a vraiment mis dans la merde. Ouais, bah j'avais raison, en fait j'ai tout ce que. Ah, c'était vraiment Nambus qui l'avait tué? Ouais, c'est vraiment Nambus qui l'avait tué. What the fuck, Nambus, ça n'a rien à foutre. C'est Nambus, frère. En fait, on aurait pas dû attendre autant pour attaquer. Mais en fait, je nous, en fait, la strat c'était de s'infiltrer avec le Grimmer. Le problème c'est qu'on. Viens, vas-y, mets ton game mode 1, game mode 0. Vas-y, mec, viens. Attends, je prends un stuff. Ouais, prends un stuff, tiens. Prends un stuff, tiens.
Ok, vas-y. Prends, tiens, tiens, prends. Je suis game 0. Vas-y, vas-y. Attends, Lucas. Mais j'ai pas des pieds, ça marche. Non, j'ai pas des pieds, attends, attends. Tu fais moi le malin maintenant là. T'es un mort, t'es un mort. Putain, mais tu t'as bossé avec un bloc là. Non, c'est frauduleux. Ah, je suis revenu au 0. Personne ne m'aidait. Attends, attends, attends. Viens, Bibi, viens. Il y avait pas de sorcière, donc tout le monde savait en soi. J'ai tout vu, j'ai tout vu, j'ai tout vu là, j'ai tout tout vu, j'ai tout vu mec. T'es un homme mort, t'es un homme mort, t'es un homme mort. Ah, je te charge ton stuff, viens. Viens, viens, baby. Bah, GG Guillaume, Bilal, plus jamais ça. GG. Non, attends, aïe. Vas-y, attends, je te le recommande, vas-y, remets-le. Alors, Bilal, plus jamais ça, s'il te plaît. Ah, vas-y, vas-y, continue encore, vas-y, vas-y, ouais, vas-y. Je passe un bon moment là. Et lui, aïe, arrête, 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 arrête. Salut mec, ça va? Il y a eu un petit incident après ta mort là. Je crois que ça s'est pas très bien passé, mec. C'est une raquette encore une fois, non? C'est non, je sais pas. Ah, salut mec, ça va? Non, mais mec, on a vraiment passé 50 salut. Minutes à faire des trous. Non. Mais mec, attendez. Je suis mort par Sherim. Je suis mort par Sherim, un village mort non. Au centre. Arrête. Pourquoi il t'a tué, Sherim? Parce qu'il a fait. Oh, il y a un invisible. Il m'a fout crit. Arrête, arrête, arrête. Bah, si tu veux, je t'envoie le clip. Non, vas-y, ouais. Oui. Raciste. Non mais j'ai caché ça le clip. Bon le creeper tu m'aimes pas. Attends mec regarde, tu veux que tiens viens me tuer de manière la plus belle. Non mais avec l'enclume. Ah oh, vas-y attends. Rate-la, rate-la, rate-la. Eh ben voilà. On a fait 10 kills hein, quand même hein. J'ai perdu la streak des 14 mois, si tu prononces bien mon pseudo, pas comme les dernières fois, c'est L de poulet, pas le de poulet. L de poulet. Ah ouais L de poulet KFC. Ah oui, c'est ça, L de poulet. Incroyable. Bon bah écoutez ça s'est bien passé en vrai hein. Un peu de chance quand même hein. Je me fais tuer. Un petit peu de chance sur la mort du couple hein, qui me régale. Les étoiles étaient alignées dans cette game hein. On va pas se mentir, de mon côté les étoiles ont été alignées hein, à la fin là. La mort d'Omega et de Lulu me met vraiment extrêmement Gucci, hein, on va pas se mentir. Hein. Clairement, ça me met plus qu'extrêmement Gucci, là. C'est ça qui m'a... En vrai, je pense que... Puis même... bon, après, j'ai couru beaucoup de temps à la fin, hein, mais les loups, là, j'avais besoin de leur aide, quoi. Hein. Après, j'aurais plus temps pour longtemps, je pense, en vrai, hein, le temps que les loups arrivent. Moi, j'avais juste peur de me faire tuer avant que les loups arrivent, mais finalement, ça s'est passé de manière correcte. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu peur à un moment donné là contre les trois villageois mon rocher quoi. Après vous avez vu hein, heureusement que je suis parti faire la sharpness 4 hein. Ok j'ai perdu du temps mais heureusement que je suis parti la faire parce que sinon je pense que je tuais pas Gap hein. Donc bon. Mais là pour le coup j'ai eu un peu les étoiles qui se sont alignées on va pas se mentir. Clairement ça fait plaisir quoi. Je suis content ouais, on aura fait un truc un peu différent dans une game mais c'est passé. Et puis du petit kill quand même franchement du petit kill ça fait longtemps quoi. En vrai, je suis content parce que, attends, j'ai tué combien? Attends, j'ai tué un loup, deux loups, un villageois, après, il y a eu la TP, là, je crois. Ah, il y a eu la TP à ce moment-là. Ah bah oui, j'ai tué Itiraton aussi, donc trois loups, un villageois... j'ai tué deux villageois mais il a été infecté. Donc on peut dire que c'est un loup supplémentaire. Eri. En vrai j'ai tué que 5 loups en vrai. J'ai fait 50% loups, 50% villageois. Ça va en vrai hein. Bon c'était cool hein. Bah, n'oubliez pas YouTube hein. Petit like, petit commentaire, petit partage. C'est ce genre de game où on les a pas tous les jours hein, clairement. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, rush 500 000 abonnés cette année. Venez sur Twitch, twitch.tv/theguild84 comme d'habitude. Bisous tout le monde. Et comme ça je fais pas mon outro et ça fait archi plaisir. Ah, oh, merci. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir.